dans ce nouvel épisode de Monster Squad, l'émission qui dissèque les icônes de l'horreur. Aujourd'hui, on va disséquer un nouveau monstre, le chef des Cénobites et l'envoyé de Léviathan. On va parler de Pined. On va donc évidemment parler de cette saga aux 11 films un petit peu malmenés, on va dire, des films très inégaux. On va parler de Hayreser, mais on va surtout aussi parler de Clive Barker, un artiste protéiforme, auteur, peintre, et, euh, et qui est à l'origine, bah, avec ses romans, de cette saga. On parlera aussi peut-être un petit peu des comics, des jeux vidéo. El Razer et en tout cas inspiré de El et pour discuter de tout ça j'ai avec moi deux invités faut-il encore le présenter notre rédac-chef de... de Capture Mag, vous l'entendez dans le temps pour un film, dans stéroïdes dans Capture Mag le podcast, vous le lisez dans le MOOC, il est partout. Bonsoir Stéphane Gouzakis. Salut Marie. <laughs> et notre second invité, on le connaît pour à l'intérieur, les aux yeux des vivants, les earthface Candy Chat, The Deep House, Le mangeur d'âme, tous réalisés en duo avec Julien Mori. C'est Alexandre Bustillo. Salut Alexandre. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être là dans cette émission. Euh, de rien. Euh, J'en profite aussi pour faire le petit rappel habituel. Monster Squad et les autres émissions de Capture Mag existent principalement grâce à votre soutien. Donc, on a besoin de vous pour continuer à exister, à proposer de nouvelles émissions et de nouveaux formats. Donc, pour nous soutenir, vous pouvez vous rendre sur Tipeee, KissKissBankBank Bank, ou Patreon, mot-clé Capture Mag. Vous pouvez nous faire un don ponctuel ou régulier et accéder à des contreparties comme l'accès à notre Discord privé, euh, des épisodes en accès anticipé et des tarifs réduits pour nos projections. On a aussi dans l'actu un nouveau MOOC qui vient de sortir, qu'on qu qu vient a, euh, de recevoir. Qu'on vient de recevoir là cette semaine. donc ouais. Je le montre à la caméra là. Il est beau, hein Voilà. Donc, euh... Ah c'est celle-là la caméra. Putain, le mec <laughs> C'est <laughs> euh... la première fois qu'il vient <laughs> direct et tout. Quoi. Bon voilà, il est là. Donc euh, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus Alex, qu'est-ce que tu en penses Écoute, je ne connais pas ce réalisateur, mais je Friedkin, pense que je... Euh, ça a l'air très très bien. T'as pas demandé de faire l'exorciste 12 Non. Non, bon, écoute, c'est normal Donc, oui, alors c'est un MOOC sur William Friedkin. On espère en sortir un autre cette année aussi. Donc, euh, on est encore en fait sur le sujet, donc, euh, donc j'en dévoile pas plus pour l'instant. Mais euh, en gros, on a à peu près 80 pages sur, sur le cinéma de William Friedkin. Donc, euh, évidemment, de, de, des tout premiers films de French Connection à, et l'exorciste à, bah, à la fin, quoi. Euh, C'est-à-dire euh, Killer Joe et. et euh, l'attaque de la mutinerie de Kane euh, et on a des interviews exclusives on a des interviews d'autres personnes qui ont travaillé avec William Friedkin on a tout ça dans le dans le voilà et puis à côté de ça il y a des petits articles dont un article par exemple de Marie, on le dit à chaque fois, on le cite, hein. mais c'est vrai quoi. C'est une super interview en fait de Nicolas et Bruno pour euh, comment dire, euh, pour la parler de la ou, personne aux de deux, personnes. deux personnes qui faisait ces euh, 15 ans l'année dernière et que j'ai rencontré, euh, qu ouais, que rencontré l'année dernière. Ils reviennent sur huit pages euh, sur euh, sur le film qui est incroyable. Je vais le remontrer bien à la caméra pour juste dire que ça sort le 3 avril en fait en, en, en librairie. Donc euh, donc voilà pour ceux qui ne l'ont pas acheté ou qui l'ont pas précommandé ou qui n'ont pas la chance de l'avoir gratos de la savoir gratos comme nous <laughs> voilà qu'on a quand même un peu bossé dedans Bah ben voilà donc voilà en librairie le 3 avril, avril c'est ça c'est ça euh, mais revenons à notre sujet du jour Hellraiser Pined et les Cénobites Monster Squad. Donc, dans cet épisode, on va faire le tour de cette saga infernale qui s'avère être une petite descente aux enfers. Stéphane s'est enfilé à peu près tous les films aujourd'hui. Ouais. En plus, c'est moi qui ai quand même suggéré le truc. Ouais. Je il m'a offert ce coffret ouais. pour mon anniversaire. Voilà, il faut le dire, c'est ça, ouais. parce que ça existe. En fait, c'est sorti chez l'atelier d'image. Donc, vous avez les quatre premiers films. Mais là, ça va. Y a que là, les ça premiers. va. Ces quatre premiers sont pas mal sont pas mal. Euh, tu euh, sur le 2 et le 3 tu as des cuts en fait t'as des director's cuts. as des petits bonus de temps en temps et tout ça etc, etc. Donc c'est plutôt plutôt cool. Euh, disons que c'est la bonne euh, comment dire. Euh... C'est la bonne partie quoi. Voilà, c'est la bonne partie des risers. Après, après, euh, après en fait euh, ouais je me suis dit que ça serait quand même bien qu'on traite euh, ce perso parce qu'à mon avis il est tellement tombé en désuétude que que voilà c'est plutôt c'est plutôt cool. Même le remake en fait dont on va parler, hein, dans, il est il est comment dire euh, il est un peu bazardé sur les sur les plateformes de style. Streaming pour nous, euh, aux États-Unis aussi d'ailleurs. Et en fait, mon cher ami Alex ici a euh, failli en réaliser un. Donc, euh, ah y est, ouais. voilà le remake, justement, en fait, à l'époque. Donc, euh, ouais, c'était aussi et... la bonne occasion parce qu'il connaît très très bien Clive Barker, il connaît très très bien la chanson. Et, voilà. et, euh, et, euh, et voilà, donc c'est plutôt cool de parler de tout ça de cette manière-là et euh, puis de remettre un peu une lumière sur. Euh... Ouais, sur le, sur le fait qu'effectivement, il y a 11 films dont 6 <laughs> dont si purges, en gros, quoi, voilà. à peu près. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment pas égal. Mais, bon, mais à, avant de parler de tout ça, moi, j'ai une première question. Stéphane, Alexandre, c'est quoi votre euh, première rencontre avec euh, Pinhead et Hellraiser et votre rapport avec la saga bah Écoute, moi, j'ai découvert les deux en même temps. C'est-à-dire que euh, Hellraiser s'est sorti en 1985, si je dis pas de bêtises. Donc, tu vois, j 87. 87 hein, je... Okay. Bon, j'avais 12 ans, donc je ne l'ai évidemment pas vu en salle, je ne connaissais absolument pas Clive Barker encore à l'époque, car moi à cette époque-là, euh, je vivais dans un tout petit village euh, vraiment perdu au fin fond des Yvelines, où tu vois, j'avais euh, même pas la 5, tellement on captait rien, et, euh, et mes parents, euh, j'avais pas canal, j'avais rien du tout, aucun accès vraiment au film en fait, à part ce que, ce que passaient les grandes chaînes. Euh, National. Pas quoi. Donc pas Mais en fait, mais par contre, j'étais déjà, depuis à peu près euh, 4-5 ans, euh, un fervent lecteur de Mad Movies, que j'ai commencé à lire en, en CE2, je crois. CE2 ou CM1, et que j'ai jamais lâché. Tu vois, je suis passé, en fait, du jour au lendemain, de, du journal de Mickey à Mad Movies, en fait, par le biais d'une copine de classe qui m'a dit Ah, tiens, regarde ce que j'ai chouré à mon frère, et elle me sort un exemplaire, et je suis resté dessus, et j'ai jamais lâché. Et donc, j'ai découvert, bah, en fait, euh, par le biais de Mad, la, 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 ce film, que tu vois, sorti de nulle part, qui en plus à l'époque, étrangement, s'est fait un peu défoncer dans Mad. C'était Bernard Achour, je crois, qui avait écrit la critique. Et je pense que c'était une critique complètement à côté de la plaque, euh, qui, qui se moquait du sérieux papal du film, tu vois, etc. Et, euh, mais je me souviens que les images, par contre, moi, m'avaient. Euh, parce que je, tu vois, je, je, je me fiais beaucoup à Mad Movies à l'époque, parce que j'avais tellement peu d'accès. Euh, c'était le. La première année, je crois que mes parents avaient un métoscope, donc, et ça coûtait une fortune même de louer des films. Donc, toi, je louais mes films avec parcimonie, vraiment, je ciblais. Si Matt disait, ouais, c'est pas bien, j'y allais pas. Tu vois, parce que tu je, je, je pouvais pas tout, tout, tout voir. Et je me souviens que je suis là, malgré la critique mitigée de l'époque, je me suis là, ah non, faut que je le vois. Qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que ce monstre Qu'est-ce que c'est que ces photos Qu'est-ce que c'est que ce look Et donc, un mercredi après-midi, en fait, euh, j'habitais à 7 km à peu près de la ville la plus proche, donc vraiment dans un bled perdu. Hein. Et je suis parti à pied, en fait louer le film. Donc j'ai fait 7 km aller, j'ai loué le film, je suis revenu chez moi, je l'ai regardé et je savais que je pouvais pas le rendre le lendemain, c'était des locks, j'ai c'était pour 24 heures les locks à l'époque, mais le lendemain je savais que physiquement je sais plus, je devais, voir, je devais aller à l'école, tu vois, et je pouvais pas rendre le film, donc je me suis retapé les sept bornes pour euh, rendre le film et les 7 bornes pour venir chez moi. Donc déjà à la base de Riser, c'est un périple physique pour moi d'avoir marché, laté, à peu près quatre heures pour voir ce film. et... Euh, et, euh, et et le film, moi, j'en suis tombé mais totalement amoureux immédiatement, en fait. Et c'était peut-être là aussi moi, la première fois que j'étais en total désaccord avec, euh, avec Mad. J'ai pas lu la critique, honnêtement, pour, euh, parce que je même pas retrouvé le Mad. Mais il faudra la relire, ça serait intéressant, à mon avis, de voir vraiment comment il défonçait le film. Mais, mais moi, je suis tombé vraiment en, en admiration, mais, mais dès la scène d'intro, en fait. J'avais jamais vu ça. J'avais déjà vu pas mal de films d'horreur, mais j'étais assez jeune. Hein, à l'époque où le film est sorti en VHS, donc j'imagine que je, ça devait être. C'est sorti en 87, pardon, ça devait être. 88, je 88, j'imagine, à peu près. Donc, genre, ouais, 13-14 piges. Et, et après, moi, c'est une saga que, que, que j'ai évidemment suivie avec attention, où j'ai regardé tout, toutes les suites, etc. Car le premier m'avait tellement fasciné. Et, et, et du coup, donc, je me suis intéressé assez rapidement, tu vois, à cet auteur, parce qu'il y avait aussi un truc qui qui était vachement intriguant, c'était cette fameuse euh, en fait c'était un truc euh, purement commercial mais qui a vraiment marché, cette fameuse tagline apposée partout par Stephen King donc j'étais déjà, mais euh, par contre j'étais totalement accro à Stephen King déjà depuis la, la, le CM2 à peu près la sixième, où je disais rien d'autre que King et, euh, et King disait, j'ai vu le futur de l'horreur, il s'appelle Clive Barker et, euh, et en voyant ça je me suis dit, bah, ouais, si King le dit c'est que ça doit être vraiment quelque chose quoi tu vois, donc, euh, donc, ça a vachement marché sur moi, ça. Et du coup, en le voyant, en apprenant après que le mec, c'était aussi un romancier, etc. C'était pas juste un jeune réel qui arrivait avec son film et de nulle part. Donc, du coup, je, je me suis un peu plus intéressé à ce qu'a fait Clive Barker. Et pour mais, découvrir que tout son art, en général, pas que cinématographique, c'est complètement dément et qu'il n'y avait pas d'équivalent, en fait. Tu vois, donc, euh, euh, et depuis, je suis resté toujours, mais vraiment, vraiment, euh, fou de ce mec, vraiment artistiquement. Comme disait Stéphane, avec Julien, on a eu la chance de le rencontrer. C'était une rencontre magnifique. Mais, euh, mais c'est en même temps un des mecs qui est le plus frustré aussi, car euh, on, on y reviendra. C'est parce qu'il a, hélas, mis totalement un terme à sa carrière de, de réalisateur. Et, et il manque cruellement, parce que là, on va parler d'Al ce soir, mais pour moi, il a fait encore deux autres chefs-d'œuvre derrière, hein, qui sont Nightbreed et Lord of Illusions, qui sont pour moi des films mais, mais fantastiques. Tu vois, Nightbreed, pour moi, c'est vraiment pôle Ranger à côté de Freaks de Todd Browning sur les, le, le, un des plus grands films sur la normalité. Tu exagères exagère un peu, moi. Non, franchement, non, parce exagère que. Tu exagères un petit peu. Non, parce que. Euh, non, veux... non, mais c'est ce que je veux dire. Sur le, le, le côté, tu vois, la, la gloire au monstre, quoi. Tu vois, et c'est. Le film est démentiel. Et, euh, et pareil pour Lord of Illusion, qui est pour moi un des plus grands films noirs, euh, tu vois, de, de, de l'histoire du cinéma, tu vois. Donc, euh... Donc, oui, j'aime Clive Harker depuis. Euh... L'avoir découvert, mais vraiment par le biais de Mad. Et pas comme un tu vois un aficionado plus et expert et, et, et parisien où j'aurais pu lire les livres avant parce que même Harry ce c'était pas sorti à l'époque en livre le Hellbound Heart était... ouais, n'a pas été traduit avant je crois 2005 ou un truc comme ça donc euh, c'était vraiment l'inconnu. Tu l'as découvert en fait en... alors qu'on te l'a même pas recommandé <laughs> grâce à Mad alors que. Même mais ouais Mad, mais, mais c'est les recommandé. photos parlées pour elles-mêmes en fait ouais. tu vois quand tu vois ah, Pinet. Ça, le... ouais, ça te donnait ouais, envie de marcher ouais, de, de faire quatre tu... fois ces 7 ah. km dans la journée. Et Stéphane, toi, c'est ouais, Plus attendre. simplement, en fait, euh, euh, c'est vrai que j'ai découvert le film sur Canal une première fois. Et effectivement, je voyais des photos d'Amad et tout. Euh, et j'avais pas trop aimé. Euh, la toute première fois, mais j'étais assez jeune. Hein, euh, je devais avoir 13-14 ans. Et pour moi, on les voyait pas assez, les créatures. C'était trop centré sur les humains. et Ce qui est assez stupidement. Hein, euh, euh, voilà. Et, et, et je crois que j'ai quasiment, j'ai vu le 2 à quasiment en même temps en salle. Ouais, j'avais un peu plus de créatures, mais comme je n'avais pas trop aimé le premier, je, je, c'est une saga que j'ai un peu mis de côté. Je les ai tous regardés. Euh, les quatre premiers en fait, mais j'étais pas trop trop fan et c'est euh, sans jamais les revoir quoi. Et c'est un copain à moi euh, à l'époque où on collectionnait des 10 qui s'appelle Manuel qui se reconnaîtra s'il nous écoute quoi. Manuel euh, Colombier, ça. voilà. Et, euh, et, euh, et Manu il me dit non, non, mais j'ai acheté le laser, revois-le, c'est vraiment bien. Et du coup, je me dis bon, bah là, je vais le voir en copie hyper propre et tout, super, enfin euh, voilà quoi, génial, tu vois. Donc je me le remets c'est mon ami je l'écoute tu vois et effectivement je me suis surpris une claque en fait et ça c'était peut-être presque dix ans après la sortie de, de, du film original quoi et je me suis putain mais c'est vrai que c'est vraiment bien en fait c'est vraiment un super film quoi et entre temps j'avais vu Cabal et j'avais vu effectivement euh, euh, le Maître des Illusions qui était plutôt des bons films quoi donc effectivement ça m'a permis de de, de pas de revoir le film à la hausse en réalité. Hein, je l'ai vraiment pris comme un gamin de 14 ans, euh, un peu, un peu, un peu bourru, un peu attardé, euh, qui, euh, qui, qui attendait plus de, de gore, de violence, de tout ce que tu veux, de, de créatures, de monstres. Que, que non, mais que dans le jeu. veux dire que, que bah, c'est vrai que les Cénobites, tu les vois très peu. En fait, finalement, tu les vois surtout à la fin, quoi. Mais euh, dans le premier, quoi. Mais, euh... il y a quand même toute la scène d'intro qui. Non, non, bien sûr, mais. Ouais, mais, mais il revient, j'ai chronométré en le revoyant. Euh, Pined revient genre à 1 h 6 un ouais, truc comme ça du film. J'aime bien le, le, le Plus de gore. Bah, je, en fait, <laughs> mais moi, j'étais, j'étais, un enfant de vendredi 13, donc le truc, si tu veux, c'est que pour moi, c'était de la boucherie, quoi, tu vois. Mais en fait, c'est vrai que, voilà, évidemment, ils euh, en reste. Et vendredi 13, un peu moins. <laughs> donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais, euh, donc c'est surtout ça. Et, euh, et, du coup, avec cette émission, bah, effectivement, là, je me suis repenché sur les suites. De nouveau derrière pour euh, voilà, apprécier. Bon, avant de parler de toutes ces suites, ouais. on va parler de. de Toi, Marie, quel... Comment tu as découvert El Riser? Moi, je pense que je l'ai vu un peu tard parce que moi, en 87-88, j'étais petite. Bah, si, mais j'étais bien trop jeune. J'avais un an ou deux. Non, moi, je les ai vus. Je pense à 14-15 ans quand j'ai commencé à découvrir un peu le cinéma d'horreur que je lisais Mad. Mais du coup, on parlait plus peut-être plus des suites que de l'original. Mais ouais, je pense que c'était moi, comme toi, je vivais. Mais moi, je vivais à la campagne, mais très très loin. C'était vraiment au fin fond à 800 km d'ici, au fin fond des pyrénées atlantiques. Moi, j'avais pas la 5, mais capté pas la 6 non plus. J'étais vraiment genre, je captais ça fait 800 Rien km pour aller voilà, chercher la la cassette. non non moi c'était c'était compliqué on se faisait des petits trafics de VHS dans la cour du collège pour voir des films et je les regardais le mercredi après-midi quand mes parents étaient pas là et, euh, et je pense que je l'ai découvert comme ça un peu en même temps que les freddy et que les moi j'ai découvert les freddy les scream et tout ça en même temps tout d'un coup parce que bah, c'était l'époque où j'étais ado et, euh, et je pense que c'était ouais moi à l'époque je pense que j'avais un peu un peu comme toi comme je découvrais des trucs hyper gore et tout je trouvais que c'était beaucoup plus dans la retenue et je pense que ouais, à 14 ans, j'avais pas tu vois, c'est un truc qui m'est qui m'est resté mais sur le moment, je j'avais pas peut-être saisi l'ampleur du truc. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est pas un boogeyman. Ouais, exactement en fait, premier, non, on on parlait quand on est gamin on l'appréhendait on pas en fait euh, moi je me disais mais tu tu, tu quasiment personne ouais. <laughs> c'est quoi c'est quoi c'est quoi, quoi ce bordel non, ouais, remboursé ah ouais, je euh... crois qu'il était moins marrant que Freddy tu vois bah, c'est ça il euh... y a un truc comme ça après <laughs> après voilà mais mais c'est vraiment encore une fois je pense que c'est une analyse de gamin de 14 ans c'est hein, pas du tout euh, ouais. voilà quoi moi aujourd'hui je le précise hein, pour moi et le premier la c'est un très grand film un très grand horreur quoi voilà euh, bah, du coup on va parler de Clive Barker qui est Clive Barker euh, pourquoi comment euh, qu'est-ce qu'il écrit euh, d'où il vient qui veut euh, faire un petit peu sa bio toi t'as fait un gros, euh, une grosse lettre d'amour d'entrée de jeu là ouais. ah ouais mais vraiment mais euh, bah, tu, tu peux que aimer un mec pareil quoi tu vois c'est bah, Clive Barker d'où il vient bah, déjà il est anglais tu vois ce qui fait toute la différence je pense que tu vois et ça se sent dans, dans son cinéma que c'est pas un américain en fait c'est un pur anglais je crois qu'il est de Liverpool à la d'origine après qu'il est parti vivre à Londres mais euh, avec je crois des parents même si sa mère je crois qu'elle était peintre mais pas vraiment portée sur l'art en général parce que je me souviens avoir lu des, des, des commentaires de ses parents quand ils ont découvert un peu quand il était commencé à devenir connu étaient assez effrayés parce que ce qu'il était capable de d'écrire à leur fils et c'est en fait c'est c'est euh, moi, je ne connais pas trop vraiment dans le détail, euh, tu vois, toute sa jeunesse. Hein. Je ne sais pas vraiment s'il est une jeunesse heureuse ou pas. J'ai pas l'impression que euh, ce soit un enfant malheureux à la base. Mais plus on connaît un peu plus sa vie à partir de, de ses 20 ans à peu près. Quand vraiment, euh, il s'exporte à Londres. Il commence à monter un peu une compagnie de théâtre un peu underground. où il commence à, euh, à se forger un cercle d'amis euh, qui va rester euh, vraiment assez proche de lui. Et pour un moment, tu vois, Doug Bradley Atkins, etc., où vraiment on va les retrouver après tout le long de sa carrière. Et, euh, et c'est euh, je pense que c'est un, un artiste complètement... Euh, déjà, à mon avis, même s'il est encore jeune, tu vois, il, est, il, est, il sait ce qu'il veut. Tu as l'impression qu'il est, il est... En fait, c est, c est, moi ce que j'aime chez Barker, c'est que... C'est pas un mec qui, qui fait semblant. C'est-à-dire que... Il est, il est tu sens qu'il est totalement franc dans ce qu'il dit, il est totalement possédé par ce qu'il fait, qu'il est pas il est pas du tout dans le faux semblant, tu vois, il a quand même et ça c'est mine de rien, c'est 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 important, tu vois, surtout à, à l'époque, je pense que quelqu'un qui a par exemple euh, dévoilé son homosexualité très rapidement alors que il est à, totalement assumé. Et hein. totalement assumé to alors qu'à l'époque, tu vois, je pense que c'était vraiment à mon avis très difficile de, de dire qu'on était homosexuel. Il a eu je pense aussi des des des, euh, des passes euh, Très difficile à un moment dans, dans sa prime jeunesse parce qu'on on sait qu'il s'est prostitué par exemple dans les ouais, années il, 70. Il l'a réveillé après, mais. Oh, ça, il ne s'en cache pas du ouais, tout. Il était ouais. escort boy, Il était escort boy et il disait il se tirait autant d'inconnus que de mecs des fois connus et que ça l'a forgé en fait dans sa relation avec l'art, c'est de faire, euh, de, de se prostituer. Et ça l'a vraiment, euh, tout en découvrant lui-même sa propre sexualité, et donc il l'a amené évidemment vers euh, le sadomasochisme. Masochisme, pardon car il l'est et ça aussi il l'avoue euh, sans phare et sans détour il se scarifie je crois il n'y a, a pas un truc euh, oh, je, alors, il a fait pas le truc ouais. justement de nous raconter de certaines choses mais c'est assez, assez incroyable et donc euh, tu vois le, le, ça, ça, ça se ressent tu vois, et c'est pour ça que El riser est un film si intime finalement et c'est pour ça qu'il est si réussi parce que c'est pas justement comme dit Steph même si moi par exemple j'adore les Vendredi 13 mais c'est l'antithèse d'un Vendredi 13 Derrière, tu as un véritable auteur qui met en fait ses tripes sur la table et qui dit en fait, moi, c'est moi Pined, c'est moi Julia ou c'est moi Franck, tu vois, mais mais toi, c'est mon désir, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux raconter. Et il le fait d'une façon tellement euh, pure, tu vois, qu'il en devient moi, pour moi extrêmement touchant. Moi, c'est un mec qui m'a toujours touché en fait, Clive Barker, qui m'a toujours ému en fait, quelque part. Là où Stephen King, que j'aime par-dessus tout, me touche pas, euh, tu vois, euh, tu vois, me, me, même si tu vois King, j'adore l'entendre parler, c'est très rare en interview, etc. Mais ça reste un Américain, ça reste un. un, un... Alors Claude, c'est un, c'est d'où tu vois. Après le fait de, de ouais, dans, dans, au sens propre d'avoir dans tous ces films, du moins dans *Rise tu vois, qui est une ode à, effectivement à la, à la souffrance, mais c'est pas la souffrance pour la souffrance, quoi. C'est pas ce so, c'est pas le Torture Pond, c'est rien à voir. Donc euh, je un peu digressé mais... Non 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 pas du tout mais en plus le truc c'est que c'est intéressant d'en parler parce qu'effectivement je pense que tu as raison euh, euh, le, le, je pense que ça participe aussi de la, du, de la façon dont on peut distinguer un personnage comme Pinhead ou Hellraiser de manière générale quand ça sort c'est que un peu comme euh, Fredkin quand il, justement quand il fait cruising en fait, il révèle, en fait, tout ce qui est, enfin, tout un, un, comment dire, une sous-culture underground qui était absolument pas <laughs> mise sur le devant de la scène. Et je pense que c'est ce qui marque les gens, en fait, quand, quand, quand on découvre Pinette. C'est-à-dire en fait, c'est lié à la thématique. C'est lié, en fait, à, physiquement à comment lui, les est présenté, avec, avec des, comment dire, avec des, euh, des clous sur la tête, avec euh, des, 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 des euh, les autres cénobites qui peuvent avoir des lèvres arrachées ou alors de la peau, en fait, sur les yeux, ce genre de choses. Et en gros, il euh, y a cette espèce de notion, je pense, euh, du péché. Puisque, en fait, c'est un prêtre de l'enfer, en fait, en gros, quoi. Donc, en fait, c'est l'inverse, quoi. Euh, donc, il y a une notion de, 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 bah, de prendre l'inverse, en fait, de l'establishment euh, protestant ou catholique, etc., etc., et vraiment de tourner les, 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 le, le, le truc pour raconter ça comme ça. Donc moi je pense que euh, c'est totalement habité, ça c'est une évidence. Euh, moi je connais pas trop trop, enfin j'ai pas lu euh, du coup, moi Clive Barker, vous, vous l'avez lu hein, je crois. Euh, moi j'ai pas lu les romans... à euh, tout, euh, mais euh, les, ouais. les plus connus comme euh, Livre voilà, sang, etc. Mais ce qui est certain par contre, euh, avec la comparaison avec, euh, comment dire, euh, Stephen King, c'est qu'elle est, elle est valide parce que même si bon, je pense que Stephen King c'est littéralement euh, l'auteur le plus lu... Euh, en gros, euh, de, 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 dans le cinéma fantastique, dans la littérature fantastique, euh, Barker, même si je pense que les, les ventes n'égalent pas à ce point-là, c'est une star. C'est une star réelle en fait, qui, qui c'est une star réelle qui s'est forgée avec Hellraiser. c'est-à-dire que vraiment, euh, je pense que quand tu vois Hellraiser, quand tu vois El Kabal, quand tu vois euh, le Maître des unions derrière et tout, euh, quand tu vois comment il utilise quelque part sa, 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 son, sa, son imagerie, hein, euh, on va peut-être en parler un peu après, mais quand il faisait les, 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 les jouets Torture Souls ou je sais pas quoi, chez Mark Fairline, en fait, c'est des trucs où c'est évident qu'il y a euh, c'est une marque imposée entre guillemets, euh, Clive Barker, sauf que. Je pense que c'est pas une marque à proprement parler. Je pense que peut-être les studios peuvent le voir comme ça. Mais, euh, mais c'est quelqu'un, en fait, qui a un univers qui est très, très particulier, qui, pour moi, est aussi reconnaissable que Stephen King, aussi reconnaissable que Tim Burton, aussi reconnaissable que tous ces gars-là, quoi. Donc, du coup, euh, comment dire... Euh, moi, en tout cas, je sais que je l'ai toujours considéré comme une star du cinéma fantastique, parce que, pour moi, c'est par le cinéma fantastique que je l'ai découvert et c'est un peu resté dans cette logique-là, quoi. Euh, et en tant que tel... Euh, C'en est une parce qu'effectivement en fait il, il parle de ce qu'il connaît et qu à l'époque il a fait ressortir en fait euh, des éléments, enfin je parlais de la sous-culture comme ça, de, des clubs SM, de ce genre de choses qu'il connaît très très bien, il l'a fait ressortir et il en a donné une image, une image en fait cinématographique quoi. Oui, puis ce qui est intéressant dans, dans Pinhead, du coup, dans ce, ce chef des Cénobites, euh, comme tu disais, c'est pas vraiment un boogeyman. En fait, il est pas non plus complètement du mauvais côté. En fait, il est euh, au-delà des notions de bien et de mal, en fait. Ça dépasse... Euh, et moi, je, je pense que c'est ça qui m'avait peut-être un peu perdu quand, euh, je sais pas, 14-15 ans, j'avais vu le film. C'est qu'en fait, il est pas il n'est pas moral, il n'est pas immoral. En fait, il est amoral. Il euh, n'y a pas de de, de de jugement dans le bien et le mal. Ce qui arrive après, euh, plus tard dans la saga, et il euh, n'y a pas, pas un il euh, a pas un côté malfaisant comme peut l'être Freddy. Il n'y a pas un côté brut épaisse comme peuvent l'être Michael Myers et, et Jason Voorhees. Et euh, du coup, il y a quelque chose d'un peu déroutant dans la construction du personnage traditionnel de Boogeyman puisqu'il détonne un peu avec ça. Il Laurent le rend séduisant. En fait, c'est-à-dire qu'il sait. Enfin, euh, il, il, c'est ça quand tu quand tu regardes en tout cas les deux premiers. Euh, il a, euh, ils essayent un petit peu de faire ça même dans les suites de merde, hein, parce que on, on, clairement il y a plein de suites de merde. Mais en fait, euh, il a un aspect euh, séducteur, c'est-à-dire qu'en gros, il est à la fois euh, horrible. C'est un vrai, une vraie fric, c'est un vrai monstre, et en même temps, il est totalement fascinant. Et du coup, il est extrêmement, euh, comment dire, séduisant par cet aspect-là. Et en gros, il révèle tout simplement quand il parle avec, euh, quand il fait des espèces de pactes avec avec les, 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 ses futures victimes entre guillemets. En fait, il, euh, il n'est qu'un arrangeur en fait c'est-à-dire ils leur révèlent en gros leur leur comment dire leur, leur désirs les plus intimes quoi. Oui parce qu'on peut peut-être pitcher euh, la, la nouvelle euh, donc de album Hurt en anglais euh qu'on appelait Alreza en français. Euh, en fait, c'est le personnage de Franck Cotton euh, qui trouve cette boîte, euh, qui va chercher cette boîte de, de Le Marchand. Donc, euh, pour ceux qui ont la vidéo, <laughs> cette magnifique boîte que j'ai fabriquée. <laughs> non, c'est la vraie. <laughs> que j'ai fabriquée pour l'émission et, et, et pour ma déco personnelle. Allez, euh, qui ouvre donc euh, cette boîte qui est censée... On, il ne sait pas exactement comment il marche, euh, comment elle marche. C'était fun, C'est bien comme ça, je vais rester ici pour pouvoir faire des épisodes de... Bon, ouais, ouais. Là, je l'arrangerai la la, ah, plus tard, plus tard. Merci. Euh, Merci. Euh, voilà qui ouvre donc cette boîte de, de Le Marchand qui est censé ouvrir un monde de plaisirs interdits, de choses qui repoussent les sensations connues des humains donc il y a tout un truc très mystérieux euh, et donc ce, ce mec Franck euh, veut aller plus loin que ça et il est absorbé par, euh, par cette boîte c'est un peu le be careful what you wish for tu vois où tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber et, et, et il tombe sur quelque chose qui le dépasse et, euh, et donc il disparaît dans un espèce de monde des enfers en ouverture de, de la nouvelle et en ouverture du, du film. Et, euh, et ensuite, euh, un couple emménage dans cette maison, euh, qui est donc son frère et la femme de son frère, qui a eu une brève aventure avec lui le jour de leur mariage et, euh, et qui... Par une petite goutte de sang tombée sur le sol, euh, fait que, en sorte que euh, Franck va se régénérer. Et, euh, et donc elle va tuer des gens pour lui amener du sang, pour qu'il puisse se régénérer. Et au final, les cénobites sont assez peu présents euh, dans, le, dans le premier film et, dans la, et même dans le, dans le roman. Et, euh, et voilà, donc pour le pitch vraiment très rapide du, du film et du livre. Et C'est pas pour autant que le, justement le film est pas intéressant. Au contraire, moi je pense qu'en fait il y, y a un truc qui est assez euh, assez. Il faut savoir qu'il a choisi d'adapter, euh, comment dire, euh, cette euh, cette euh, c'est pas c pas une courte nouvelle parce que ça fait quand même 160 pages. C'est une longue nouvelle, c'est voilà. un court roman. En, voilà, fait, c est, c est en anglais ils appellent ça une novella, c'est un peu voilà. entre les deux. Il a décidé d'arrêter ça parce que justement il avait, euh, il, avait, euh, il avait écrit deux films, je crois. Transmutation euh, euh, et Roedrex. Voilà, ouais. qui sont réalisés par Georges Pavlou, George Pavlou. Euh, qui est un cinéaste britannique, mais il a un, un nom, euh, comment dire, suspicieusement grec. Donc euh, <laughs> voilà quoi. Toi so, tu sais Putain. les détecter quoi. Ah, voilà, c'est ça. Et, et en tout cas, je me rappelle quand même, enfin, moi, je, surtout Roedrex, je me rappelle que c'était quand même pas terrible. Ah merci Marie, elle est en train de remettre là. La... Ah voilà, magnifique. Ça, ça tient tout seul. Ouais, oui. et, euh, et, euh, et en fait, je me rappelle pas trop de transmutation de. Du... Alors, transmutation, effectivement, c'est irregardable. Ouais. Mais Red non plus en spectacle. c'est plutôt bien en fait. Ah ouais. Ouais. Non, non c'est nul, mais j'adore. Ouais. Ah ouais, euh... d'accord. <laughs> non mais vraiment, j'ai une... énormément d'affection pour pour Drex. qui c'est un... une Madeleine de Proust en fait. Mais c'est vrai que le film est un peu un peu kitsch. Mais quand même, il y a une petite ambiance barqueurienne que tu retrouves, qui est pas si mal rendue surtout quand tu t'es tapé avant donc Underworld donc une Transmutation en français qui était il euh... faut savoir c'est en fait c'est Pavlou je pense que c'est un, un pote de jeunesse il se rend compte je crois il est assez jeune et, et, mais je crois que c'est tiré quand même de deux nouvelles de, cette, de, de Barker c'est hein, des donc crois, adaptations de c'est de, de, ses... ouais, ouais, pas des scripts originaux ouais, ouais. c'est des nouvelles, de, des nouvelles qui, où un mec qui, qui croise je crois donc Pavlou qui dit hey, t'as pas des trucs et tout on pourrait les faire pour pas cher pour un million de dollars ou deux et donc Barker lui écrit les scénarios super content apparemment euh, le premier à être sorti, je crois que c'est Underworld, qu'il trouve catastrophique. suis et Drex qui l'achève, qui déteste le film. Et donc, comme tu disais, Steph, voilà. c'est suite à ça où il s'est dit bon, bah, maintenant, euh, stop, c'est moi qui vais adapter moi-même mes nouvelles. Quoi. Et toute l'idée, c'est qu'il est allé voir son producteur pour lui demander en fait, si, si je suis un jeune premier réalisateur, en fait, euh, j'ai rien fait, euh, quel est le budget minimum en fait qu'on puisse me donner enfin maximum qu'on puisse me donner en fait avec cette configuration là euh, et, euh, et, euh, et qu'est ce qu'on peut adapter avec 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 ça et du coup il est parti sur Elbon art justement à cause de cette comment dire cette configuration c'est que euh, en gros son producteur est allé contacter la new world et la new world lui a dit euh, ouais 900 000 dollars en gros ce qui est quand même un budget euh, je vais dire euh, c'est ridicule quoi et en fait y compris dans les années 80 et euh, mais comme justement ça se passe dans une maison, que c'est plus ou moins huis clos, qu'en en fait. Euh, Qu'on voit finalement peu les, les cénobites et les créatures. Voilà, c'était jouable. Euh, et, euh, et du coup, il est parti sur cette configuration-là. Et c'est un film qui a été réalisé euh, finalement assez, assez vite derrière. Hein, euh, fin 86, je crois, il avait commencé, il commençait le tournage et ça a été tourné en 28 jours. C'est vraiment une configuration très très courte. Euh, Lui-même le dit. Hein, euh, bah, euh, Barker, il dit euh, moi, euh, comment dire, on m'aurait montré un plat de pâtes, on m'aurait dit c'est une lentille. Euh, j'aurais, j'aurais dit ok. Euh. Ouais, en fait, voilà. il a aucune connaissance technique. Il aucune, dit qu'il ouais. court à la bibliothèque la plus proche pour essayer d'emprunter des bouquins sur la réalisation voilà. parce qu'il sait pas. Il... En fait, il s'entoure d'une bonne équipe du coup. Voilà. Et lui il fait valoir son expérience de... de direction d'acteurs dans sa troupe de théâtre qu'il avait créé à Londres, The Dog Company. Il essaie un petit peu de faire valoir ça parce que bah, techniquement il n'a pas les compétences quoi ouais, ouais c'est assez intéressant parce que mine de rien euh, il s'en sort plutôt bien moi je trouve euh, comment dire euh, pour un il y a pour un, pour un bon un... chef ouais. up aussi. oui oui bien sûr mais mais tu vois il y a pas de il pète pas la règles des centaines non non non, 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 non. non la... c'est voilà c'est vachement voilà, tout... bien réalisé hein. c'est surtout encore une fois c'est totalement habité c'est-à-dire qu'en fait en gros moi ce que j'aime en fait avec le premier The est c'est qu'il m'avait complètement passé à côté quand j'avais 14 ans et pour cause parce que je pense que c'est vraiment comment dire il en fait il y a un aspect d'universalité générale en fait de ce que ça raconte c'est-à-dire que je pense aujourd'hui euh, que, comment dire, euh, si c'est pas nous, peut-être des amis, en fait, ont vécu des histoires similaires de désir absolu, de choses comme ça, en fait, d'histoires d'amour, en fait, où on est complètement on peut être sous, complètement sous l'emprise de quelqu'un, ou en tout cas comprendre en fait les mécanismes, même si on se laisse pas forcément faire, comprendre le mécanisme de Julia, comprendre en fait comment elle fonctionne et comprendre pourquoi elle serait absolument prête à tout, littéralement prête à tout pour faire revivre, euh, euh, comment dire, quelqu'un comme Franck, qui a littéralement euh, Enfin, qui est littéralement une emprise sur elle, quoi. Qui, qui, qui la traite comme de la merde, qui est totalement dominante. Elle est toxique, ouais. Voilà, ouais. C'est le terme actuel. <laughs> le mal toxique, voilà. franchement. Et en gros, il y a, y a un truc qui est, qui est je trouve, euh, euh, à la fois très attachant. Ça rend le personnage très attachant, le personnage de Julien Et euh, c'est bien ça, c'est Julien, je crois, ouais, le, ouais, le personnage ça, de, le de, le de, la, le de la, la, la femme adultère, quoi. Euh, et, euh, et, euh, et en même temps, il y a un truc euh, où... Euh, bah, quand c'est lié au péché, bah, voilà, en fait, tu te retrouves avec les prêtre de l'enfer comme pinette donc c'est totalement cohérent. Euh, comment dire, il euh, y a, je trouve quelque chose d'extrêmement vénéneux dans la façon dont, euh, comment dire, euh, le sexe est représenté, par exemple, dans le film, la façon dont même elle drague les mecs qu'elle va ramener dans la maison pour qu'ils se fassent buter, parce que tout le principe, en gros, c'est que après ce pacte-là, en fait, en gros, Franck... Euh, parce que voilà, on parle beaucoup de body horror pour euh, évidemment David Cronenberg, quoi. Mais ce qui me fait, me fait marrer, c'est que tous les exégètes en fait du cinéma d'horreur, en fait, ils te citent que Cronenberg et t'as envie de dire, enfin, je sais pas, le Razor, c'est quand même du body horror à fond la caisse, quoi. Je peux pas faire plus body horror que ça, quoi. Et en gros, tout le principe, c'est que bah, lui, en fait, c'est un espèce d'écorché vif qui va revenir tout doucement, enfin, se reformer tout doucement jusqu'à en fait que tous les éléments de la chair, de la peau reviennent, etc., etc. à chaque personne qu'il va, euh, comment dire, absorber, tuer, absorber, quoi. Euh, donc, il euh, y a quand même toute cette notion-là, en fait, qui est. Euh, qui est qui est aussi là moi je trouve en fait hyper bien traité parce qu'il y a quelque chose de très vénéneux très euh, comment dire euh, très sale en fait dans, 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 dans cette représentation là euh, a, a, euh, Elle-même en tant que personnage, Julia, en fait, on voit bien qu'elle est complètement malheureuse dans son couple euh, avec, euh, avec, euh, avec euh, le frère de Franck, quoi Oui, puis tu as euh... une scène qui est presque une scène d'adultère où elle, elle parle en haut à, à Franck euh, qui est caché, bon, pas dans le placard mais dans le grenier, et euh, son mari qui lui parle en bas, et c'est euh, presque, on va, c'est une relecture un peu horrifique de mon mari va découvrir mon amant. Oui. Euh, idem quand il y a une scène un peu plus tard dans le film où euh, euh, Larry, qui s'appelle Rory dans le, dans, dans le roman veut coucher avec elle et elle lui dit non mais en même temps elle parle à Franck qui est derrière qui sort je crois justement du placard et elle lui dit non parce que lui veut tuer son frère et elle lui dit non donc en fait les... elle dit non aux deux mais elle dit surtout non à l'autre d'épargner de, de, son, son mari et en fait elle est coincée dans ce dans ce truc où on voit qu'elle n'est pas heureuse et au fur et à mesure du film sa coiffure elle a une coiffure un peu de, de, de son époque on va ouais, dire 80, sa ouais, coiffure ouais. années 80 qui prend de l'ampleur son maquillage qui est de plus en plus coloré elle est de plus en plus belle et on voit qu'elle aussi au fur et à mesure que Franck se, se régénère elle, 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 elle s'épanouit wow, ouais, aussi ouais. et, euh, et en fait y a, chez, chez Clive Barker il y avait vraiment dès le roman cette volonté de faire un drame domestique un triangle amoureux enfin même dans le roman c'est même presque un quatuor amoureux parce que Kirsty n'est pas leur, pas fille mais c'est une amie du couple et ouais, on voit ouais. qu'elle est, elle, elle est amoureuse de lui et qu'elle a une rivalité enfin c'est même pas une rivalité parce qu'elle est décrite la pauvre comme très terne très euh, l'inverse de julia qui est quelqu'un de, de solaire de très sexuel et tout et, euh, et donc c'est vraiment une idée de faire un, ouais, un quatuor amoureux je sais pas exactement comment appeler ça mais voilà c'est de faire un drame domestique et, euh, presque une pièce de théâtre hein. ouais oui c'est ça tu, tu pourrais l'adapter au exactement. théâtre et soit ça, ça rejoint ce que tu disais toi ça a été vraiment conceptualisé par un mec qui a pas de budget donc euh, qui dit pas de budget dit forcément huis clos Tourner dans une vraie maison en plus, pas, pas les moyens de reconstruire une baraque. Donc, c'est pas en studio, donc tu n'as pas le confort du studio pour tourner, parce que mine de rien, tourner dans des décors réels, c'est totalement différent que tourner dans, en studio. Pas du tout, euh, par exemple, tu peux pas bouger les murs hein, sur une, dans une vraie maison. Et, et c'est vrai que, tu vois, il y a un côté. Euh, tu vois, moi, moi, ce que j'aime, euh, surtout aussi dans ce film-là, et je crois que c'est même le premier plan du film où tout est dit en fait pour moi c'est en fait, il y a très peu de films qui ont réussi à capter ça euh, Massacre à la tronçonneuse évidemment la, et, euh, et après Hellraiser il y en a peut-être encore un ou deux mais là, ils ne viennent même pas c'est ce côté totalement putride c'est un grand film sur la putréfaction aussi quand même, mine de rien Hellraiser tu dis que c'est du body horror, c'est vrai mais tu vois ça commence par exemple sur des plans d'ongles noirs où tu sais que c'est Franck qui vient chercher la boîte tu sais que c'est une sorte de flashback en, dans un pays arabe, on sait pas trop et déjà tout est dégueulasse tu vois, l'échange entre le mec qui lui file la boîte, tu vois, tu vois les ongles, c'est un... dans le détail, tu vois, mais Et tu comprends que tout le monde va être sale sur ce film, etc. Et tu vois, après, la maison dans laquelle ils arrivent, elle est dégueulasse, elle est en train de pourrir de partout, il y a de la moisissure partout sur les murs, Franck qui squattait, il a tout laissé, tout est pourri, rongé par les verres, des vrais verres, des vrais cafards, de la vraie putréfaction, tu sens que c'est pas de la déco, fait par un chef déco super doué, mais c'est les mecs qui se sont dit on fout tout, on laisse tout pourrir et on va filmer comme ça, à la Toby Hooper sur un massacre à la tronçonneuse, c'est-à-dire un vrai côté vérité et sale, mais qui imprègne totalement le film. Et qu'on ne retrouvera jamais dans la saga en fait. Tu vois, même dans les les, 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 les films les plus, les plus énervés de la saga, comme le 2, les plus gore, on retrouvera jamais ce côté complètement putride. Et ça, mine de rien, moi, en tout cas, ça m'avait totalement marqué petit. Comme Massacre à la tronçonneuse m'avait marqué pour la même raison, c'est-à-dire que tu sors du film, tu te sens sale. T'as envie de te laver, tu envie de te récurer, tu envie de. Et pourtant, c'est un film qui a été coupé. C'est un film qui a eu des gros problèmes de censure avec la MPA. C'est pas forcément lié, tu vois, à. C'est un mood général, tu vois, Parce que ce qui a été coupé, c'est pas grand-chose, en fait. C'est un ou deux coups de marteau quand elle tue la les mecs. La scène de sexe aussi. Ouais la scène de sexe, ouais. mais au final on les voit quand même un peu. C'est plus... Oui, oui. Non mais ça c'était plus sur du détail de là, il y a trois coups de marteau en trop et trois coups de rat en trop. C'est la, la MPA qui fait ouais. chier pour, 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 pour trois, trois, trois détails. Mais le truc c'est que c'est surtout qu'apparemment la scène de sexe, la problématique c'est que... Parce que c'est donc un film assez, euh, comment dire, euh, assez... Euh... Tu l'as dit, sur un temps, mais aussi, moi, je pense, en fait, hyper, euh, comment dire, charnel, quoi. C'est-à-dire que en gros, euh, euh, en fait, euh, moi, quand je parle de passion, quand je parle d'aspect vénéneux, euh, euh, la scène de sexe, en fait, c'est un truc qui ressort, parce qu'évidemment, t'as ça plus euh, la mort en même temps qui se mélange. Donc, lui, il a dû couper, en fait, il a dû négocier la sodomie, enfin, enlever la sodomie pour mettre le... Voilà, mais quand tu te dis que c'était déjà là, tu te dis, bon, en fait, voilà, c'est je pense que c'est vraiment pensé de manière à ce que, comment dire, euh, que en fait, on est dans des zones grises, en fait c'est aussi ça le truc c'est-à-dire qu'en gros il n'y a même pas de logique morale on a beaucoup euh, tu vois, discuté sur euh, comment dire euh, bah, les ados qui se font tuer parce qu'ils couchent dans les vendredis 13 ou les trucs comme ça et que donc en fait forcément c'est un peu perdre la morale pour, tu vois, pour, pour vous éviter de parce qu'à l'époque du sida là là mais en gros là en fait on n'est pas du tout là dedans on est vraiment dans un film d'adulte euh, je veux dire presque comment dire le personnage de Kirsty justement c'est presque un, un élément euh, qui fait moi je trouve un tout petit peu pièce rapportée parce que en gros c'est une adolescente et que ça transforme pas du tout le truc en slasher ou quoi que ce soit comme ça pouvait être euh, voilà euh, comme c'est plutôt ce genre de personnage qu'on retrouve là dedans mais euh, en fait pour moi c'est voilà c'est un récit d'adulte un vrai drame qui tient encore la route en fait complètement aujourd'hui c'est-à-dire qui est complètement universel dans ce genre de logique là dont on comprend parfaitement en fait les moi je trouve les fonctionnements en fait de chacun des personnages euh, les manquements et euh, comment dire euh... Les, euh, ouais, les zones de gris quoi et c'est ce qui en fait hein, pour moi un très très grand film quoi c'est vraiment euh, c'est vraiment dans cette logique là et après il y a l'autre truc c'est que euh, faut le dire quoi Pinhead euh voilà le look quoi. Voilà le, voilà le truc quoi. déjà il faut commencer par Doug Bradley qui quand même a une tête de facteur à la base il hein. faut le dire que... euh, qui... c'est vrai <laughs> hein, il, a une tronche, il a une tronche avec ses oreilles il va te livrer le lait quoi. <laughs> le matin euh... qui, et alors... qui a failli pas jouer le rôle de, de Pined en plus qui auditionnait enfin ouais. pas auditionné mais qui, on lui a proposé deux rôles soit Pined soit le déménageur au début euh, qui fait une blague un peu graveleuse je crois sur, sur la fille sur Curcy et, euh, et il s'est dit bah, c'est mon premier vrai film peut-être que je devrais plutôt choisir le rôle où on va voir ma tête quoi bah, ouais. Et il a bien fait de ne pas choisir ça finalement. Ça lui mais, fait sa euh, carrière. Hein. Mais ouais, ouais, ouais. Jusqu'au jusqu 9, je crois. Non, jusqu'au 8, euh, 8. Mais voilà, il a failli euh, pas euh, pas incarner ce personnage-là. Ouais, mais ouais. d'ailleurs, euh, d'ailleurs Pined, qui s'appelle pas Pined à l'époque, je crois que ah, c'est le, le lead cénobite. Le lead -cénobite ouais. Donc ouais. le cénobite la principal, c'est le chef. De, encore, hein. ouais, parce qu'il n'a pas, même dans le bouquin, il n'a pas ce nom-là. C'est au final un surnom qu'il a eu, je crois. Je ne sais plus si c'est sur le tournage ou si c'est les spectateurs qui l'ont un peu. qui sont appropriés le perso et qui lui ont donné ce nom-là noter quelque voilà. part et voilà tu vois et tu mais euh, mais tout mais monde voilà leur, le tout <laughs> monde l'a repris quoi mais, non, mais voilà mais... c'était un personnage qui était pas forcément plus très décrit dans le dans le bouquin en tout cas il avait pas cette donc vous ne savez pas qu'il avait cette tête là et ils ont un peu testé des maquillages euh, donc ils ont été faits principalement par Bob Keen sur le sur le premier film et euh, je sais qu'ils avaient testé des plus petits des plus petits clous des trucs qu'ils ne voyaient pas trop donc là ils ont mis vraiment des, des épingles plus longues et ils ont un peu euh, expérimenté et ça c'est pareil c'est un maquillage qui euh, qui prend 6 heures euh, à poser euh, quelque chose comme ça enfin c'est des journées euh, du coup ils faisaient des journées de parfois des journées de 17 heures parce qu'il fallait rentabiliser le, le make-up et, et la pose ouais mais c'est ça qui est génial c'est à dire quand je, je me moquais euh, gentiment hein, euh, du physique de Douglas pour une Raison très simple, hein. c'est pour dire que justement, en fait, et là c'est quand même la force du cinéma, quoi. C'est-à-dire que là, là, il est impérial. Enfin, il au moins dans les deux premiers, il est en fait. littéralement impérial. C'est-à-dire qu'après, il commence à prendre, 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 prendre de la bedaine dans les autres, mais, euh, mais, mais dans les deux premiers, il est littéralement impérial, quoi. Il est, il est incroyable. C'est-à-dire, pour moi, ils vont il total. Enfin, je pense que ça fait partie du. du... Parce que. On reste aujourd'hui pour le drama, on reste pour le, le côté euh, sulfureux, veineux dont on parle, mais en fait, le, le film, il reste 30 ans après euh, aussi à cause de ce physique-là, à cause de ce personnage-là. Et en fait, aussi, euh, comment dire, euh, euh, déceptif, pustilate plus pour des gamins de 14 ans comme nous, tu vois, quand on le découvre, en fait, le, le, la tronche, la tronche qu'il a, elle est aussi euh, hyper fascinante, quoi. Donc, du coup, c'est une vraie créature. Euh, comme tu l'as dit, en fait, c'est un amoureux des monstres, en fait, Clive Barker, donc il, 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 il les filme comme tel. Moi, je pense que le lead Cenobite ça serait Butterball, là, le gros, le gros pato, ça serait, ça aurait bon bien marché. Ouais. <laughs> ouais, 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 <laughs> il est mort, moi j'adore, mais en fait, ça aurait peut-être un peu moins marché que, voilà, cette espèce de. Ouais, de mecs, tu te dis, mais moi, j'ai pas envie d'aller en enfer avec toi, mon gars. <laughs> ils sont utilisés, même les autres Cénobites, ils sont tous utilisés vraiment avec parcimonie. On, on ouais. le disait tout à l'heure, on les voit dans la scène d'intro, et après, ils reviennent au bout d'une heure de film. Et, euh, parce que c'est aussi une volonté de Clive Barker, il voulait que lui, que ce soit les personnages humains, qui soient immoraux et qui soient les, vrais méchants. les méchants, les antagonistes ouais, du, ouais. du, du film. Et au final, euh, Pinhead, il est juste là pour euh, bah, les emmener parce que bah, vous nous avez sonné, donc en fait, on vient ouais, vous chercher, ouais. c'est sale deal. Et en fait, euh, lui, il n'y a pas de... Il n'y a, a même pas un côté euh, ben un peu ricanant ou méchant du boogeyman qui veut faire du mal parce que lui il est juste là pour faire son boulot en fait c'est alors ouais c'est euh, marrant que tu présentes ça comme ça parce que justement enfin bon, on en parlera pour les suites et tout mais il y a justement il y a un espèce de côté euh, où il euh, y, y a des gens qui le prennent presque trop littéralement c'est le côté fonctionnaire de l'enfer ou je sais oui. pas quoi dans certaines <laughs> suites il y a des trucs tu fais non c'est pas possible les gars quoi mais euh, mais bon on s'avance on s'avance peut-être qu'on peut continuer un petit peu sur le film avant, avant de passer au suivant mais euh, donc c'est un film qui est tourné en Angleterre avec un cast euh, majoritairement anglais à part Andrew Robinson qui est un acteur américain mais du coup qui est le, 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 le... Pour... Pour le Scorpio, le Scorpion de, de, voilà. de non, en face en fait, à Dortier. Ouais. Et, et, et du coup, les acteurs, moi je le, je le savais pas, je l'ai appris là en, en regardant un petit bonus, en faisant mes petites recherches. La plupart des acteurs, notamment Sean Chapman qui joue Franck, ont été doublés en post-prod pour gommer les accents anglais. En fait, ils ont vraiment tout fait pour qu'on ne voit pas que le film se passe en Angleterre. Il faut vraiment que ça ait l'air américain, donc on n'a pas une petite cabine téléphonique rouge ou un bus. Sean Chapman qui jouait déjà lui dans Underworld d'ailleurs. Ouais entre aperçus vite fait et, et, et du coup donc le film est un film anglais mais qui doit donner vraiment l'impression d'un film américain et, euh, et et moi ce que j'aime bien dans le film tu parlais tout à l'heure je sur je rebondis sur ce que tu disais tu parlais des personnages et moi je trouve que justement les personnages notamment féminins euh, sont pas euh, des clichés ambulants et c'est ça aussi euh, dans le fait qu'on a un boogeyman qui est pas un boogeyman qui a pas un cliché on a un personnage bah, à la base la grande méchante c'est une femme et le personnage de Kirsty même si elle est ado et qu'elle a ce côté un peu juvénile et tout c'est pas euh, en fait, les femmes sont pas des victimes et elles sortent un peu de ce rôle traditionnel auquel on les cantonne beaucoup dans l'horreur et surtout à cette époque-là. Et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant et ne pas avoir juste des filles qui courent avec des boogeymen derrière qui les poursuivent. Quoi. Ouais, et puis alors, en fait, le truc, c'est que moi, je, je, je pointais juste ça du doigt parce que c'est juste qu'à un moment donné. Euh ah ouais, il est pas utilisé comme tel, hein, t'as raison, c'est vrai, mais en fait, à un moment donné, c'était un, un peu le lot de tous les gros, tous les films qui sortaient en fait, d'horreur de cette époque-là, et j'imagine même que peut-être que justement, enfin euh, là, c'est vraiment une supposition de ma part, mais à partir du moment où il change le personnage du, euh, comment dire, euh, du roman pour justement en faire une ado euh, et la fille de, 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 du couple, il y a peut-être quelque chose de, de, de l'ordre, justement, d'une demande du studio qui fait, bon, mais vous pouvez pas nous foutre. Et euh, mais, euh, euh, ouais, euh, et dans le même registre, Et tu vois, pour moi, c'est... Alors vraiment, si vraiment faut chercher des noises au film, le micro défaut du film pour moi c'est justement, et ça c'est Barker je crois qu'il avait dit ouais ça je l'ai fait pour les producteurs parce que ça les rassurait, c'est le rôle du petit copain justement de Christy, qui est une to pièce totalement rapportée, qui Sera sert à rien. à rien dans le film et qui revient à la fin in extremis avec une vieille chemise à la Durand Duran où tu dis le mec est daté, enfin tu vois il sert à rien à la fin, il vient juste pour le climax pour voir quand ça brûle, voir la, le clochard créature voler la boîte ouais, il et est là pour qu est quand elle se réveille à l'hôpital quoi voilà il et là, là tu te dis pas besoin du tout de lui Ouais, donc, ça, c'est le, le. Je pense ouais, que je... c'est un petit gage qu'il a donné, ouais. euh, j'imagine, aux prod vu qu'on a parlé tout à l'heure de son côté. Ouais, parce que je pense que toi, le et... film n'était et... tellement pas rassurant, ouais. déjà, à mon avis, sur le papier. Tu as un jeune réalisateur qui a rien fait, qui arrive avec à... qu un film aussi noir, aussi extrême, tu vois. Et donc, et je pense qu'à un moment, il a dû de... donner quelques gages de... 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 pour rassurer les gars, pour dire Attends, il bon, y aura des jeunes. plus c'est ça, je pense qu'il qu qu y a de... un peu de cette ce troisième. Mais après, effectivement, c'est minimum. On n'est pas dans les 13, numéro 7, ou je sais pas quoi. Et tu vois, tu dis sans le mec. Ça aurait été absolument pas. Ouais, ouais, ouais. Et alors, et moi, ah, j'ai. Grave, regardé, hein. bien, là, vous savez dans quel film il apparaît ce film Pardon Dans quoi En fait, ce film, Hellraiser, apparaît dans un autre film. Dans un autre <laughs> Hellraiser Non, non, non. Dans un... En fait, il y a un film qui est sorti quelques années plus tard où, en fait, un mec regarde Hellraiser à la télé. Et c'est important de le. Si... Enfin, j'aime bien de le signaler parce que c'est un... un truc qui m'a toujours fait marrer. Ouais. Euh, un film français Non, non. Non non c'est un film américain euh, mais d'un grand réalisateur et euh, en fait c'est c'est euh, justement c'est la scène finale quand justement as la... comment il s'appelle comment il s'appelle cette créature là qui les poursuit à la fin dans le couloir et tout là c'est espèce de euh, a pas vraiment nom je crois je ouais il ouais. avait pas il est sur pas... roulette là ouais ouais, 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 ouais on les voit bien, bien les roulettes à un moment mais, 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 mais il... on voit qu'il se cogne un peu au mur du couloir c'est à dire que en fait c'est en fait à un moment donné Michael Douglas dans Basic Instinct se réveille il est en train de regarder en fait il fait un cauchemar il se réveille en fait sur The Riser et c'est dans Basic Instinct c'est dans cette scène ouais et en gros il y a truc Qui est assez marrant, je trouve, c'est que euh, quelque part, je trouve ça presque pas étonnant en fait que, que Paul Verhoeven cite ce film, même s'il le cite de loin, hein, euh, voilà, euh, en bon adepte du euh, ce que ce qu'on qu pourrait dire le bon, moi j'appelle le bon mauvais goût, c'est à dire que en gros, euh, le, le, le tu parlais de putréfaction, on parlait de, de vénéneux, mais ce côté un peu, genre, on sort un petit peu de tu de, du cadre de ce qui est manichéen. Pour être vraiment dans une zone. Euh, voilà Et bon, Verhoeven, c'est quand même un spécialiste de ça. Euh, en général, on lui, on lui accorde ce, justement euh, ça comme du mauvais goût. Et je pense que lui, il sait reconnaître ça aussi, le bon mauvais goût. Donc en fait, voilà, à mon avis, quand il le cite, il le cite avec une certaine déférence. C'est C'est ah, ouais, ce enfin, ouais. comme ça que je l'avais lu à l'époque. Mais, me... Mais c'est clairement les Razors, par contre. <laughs> il est en train de regarder les Razors à la télé, hein, en se réveillant. Euh... Quand, euh, quand, quand on lui apprend qu'il y a un, 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 un des détectives avec lesquels il s'est foutu sur la gueule un quart d'heure ah avant là, en fait s'est fait tuer dans vision. une ruelle et tout ça. Je me souviens pas. Voilà. Revoyez Instinct, c'est sympa. Ah, oui, c'est très un bien filmé. Film bien. Sympa. Faut qu'on ouais. parle aussi un peu de la BO. Ah ouais. Alors ça ouais. c'est un des trucs. Ça c'est un des trucs qui est mortel en fait. Je trouve aussi euh, une énorme qualité, euh, comment dire, du film, c'est qu'à la base je crois que c'était pas du tout le, le, la musique prévue. En fait, il voulait le groupe Coil qui était ok pour faire la BO, sauf que il leur a demandé, est-ce que vous pouvez-vous coller euh, à ce qui se passe à l'image ils ont fait bah non nous on a envie de faire nos sons et tout ouais, Clive, tu fais chier. et du coup ça c'est pas euh, et, puis, et puis la prod voulait pas et du coup en fait euh, ils sont partis euh, dans une autre direction avec euh, un vrai compositeur qui allait composer pour les Jung. images Christopher Young okay, qui est qui incroyable est, qui est un BO qui, absolument, qui, qui est... absolument euh, formidable, hein, ouais, formidable quoi, euh, qui donne une ampleur au film et, un, et encore une fois, un aspect dramatique, euh, comment dire, euh, extrêmement puissant. Quoi. Euh, ils peuvent, évidemment, après, c'est devenu un truc, euh, mais c'est un thème qui, qui est quasiment, je sais pas si dans les suites de merde, il a été réutilisé. Il que est toujours. Il est toujours. Ah ouais, même euh, dans, les, dans le, les, 3, vois, les... non, lui, le 3, tu vois, c'est plus... Le 3, euh, d'accord, mais... Le 3, c'est plus... Ils reprennent... <laughs> Ah ouais, ouais non, je, je sais plus. Je joué, pense qu'ils n'ont même pas les sous pour payer pour payer le thème ouais. de voilà. Par contre, dans le remake, ils le reprennent, même si c'est pas ouais. lui qui compose la musique du remake. Et, euh, et ils ont repris effectivement le thème et tout. Et c'est c'est euh, là bon, le thème mais la musique hein, de manière générale. De toute façon, il est très connu. Il a face à lancer sa carrière en tant que comment dire, compositeur de cinéma d'horreur. Il a essayé d'en sortir un peu hein, euh, à une époque, quoi. Mais euh, non, non, c est, c est son travail est absolument formidable. Tu fais bien effectivement de, de, de le signaler parce que c'est vraiment un élément, euh, je trouve, essentiel. Tu parlais de la lumière, on parlait de... Voilà, effectivement, c'est un premier film. Donc euh, avoir tous ces éléments-là qui leur donne une, une comment dire une plus value absolument magnifique quoi avoir ce look ce, 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 ce design etc, etc. Ces, ces maquillages là ça fait partie des euh, comment dire, euh, ça fait partie aussi des encore une fois des, des raisons pour lesquelles le film est encore là 30 ans après quoi et donc ce film euh, tourné pour un budget d'à peu près de 900 000 dollars euh, en rapporte que je crois 14 millions et demi au box-office américain, sans compter euh, les entrées dans le monde et sans compter euh, la vidéo après. Donc, mais en fait, évidemment, il y aura une suite, mais avant même la sortie, euh, la suite est décidée. En fait, euh, je pense qu'ils voient déjà le, le potentiel de, bah, des créatures et, des, et de l'histoire. C'est New World, hein, ils sont ouais, très très contents euh, ouais. de ce qu'ils voient en fait. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs parce que tu vois le film. New World, il faut savoir que c'est une boîte euh, à la base qui avait été créée par Corman, par Roger Corman. Je crois qu'il l'avait plus. Mais je crois qu'il avait, euh, qu avait déjà vendu New World quand mmh. ils ont produit le Riser, si j'ai pas de bêtises. Si, si, ouais. Et euh, comme tu dis, voilà, donc c'est aussi des filous. C'est aussi des gens qui se disent attends, euh, ça ne nous coûte pas cher, peut-être qu'il y a moyen de remettre un billet. Euh, Allons-y, parce que on est là vraiment, euh, donc 87-88, c'est l'apogée du slasher aux États-Unis. Il faut aussi un peu recontextualiser le truc, c'est-à-dire que. Euh, alors même si c'est un film anglais dans la conscience collective hein, c'est parce que nous on, on s'intéresse vraiment mais pour beaucoup c'est un film américain en fait hein. c'est un film d'horreur anglo-saxon mais enfin tu vois pour, les gens pensent que c'est américain et, euh, et là on est vraiment dans la logique des suites aussi tu vois il y a Freddy qui commence à cartonner les vendredis 13 qui cartonnent etc donc, euh, donc effectivement il lance très très rapidement le, le, la mise en chantier d'une suite mais euh, qui va se passer, hélas, sans Barker ouais que ça commence gentiment à se compliquer, mais euh, oui et non parce que c'est à dire que Barker je crois en même temps il est en train de faire euh, cabale je crois que c'est pour ça, en fait, qu il, qu il, qu il, si je ne dis pas de connard, qui. Je, je crois que qu lui. Qu se relance pas de. Il est il pas chaud, il mais. Il est occupé euh, par ailleurs. Il est quand même pareil je crois qu il, hein, vraiment. Je crois qu'il est un peu consulté par Peter Atkins pour l'histoire et vraiment la base du scénario, mais il n'est pas très Mais Je involved. crois qu'il est, qu était... hein, est prod, exactement. Ouais, 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 mais je pense qu'il qu était quand même. Euh... Pour le coup, il est plus impliqué qu'on va en parler après, mais dans le 3, où, ouais. il, où là, il a fait bon, allez, salut les mecs, c'est bon, quoi. Mais non, non, il est plus impliqué. Après, le truc qui est marrant avec le 2, je trouve, c'est que. Alors, pour le. alors. Je l'avais je, je vu une fois à l'époque, mais il faut savoir que c'est un film qui est sorti euh, bien, bien, bien euh, censuré euh, chez nous. Euh, je n'avais jamais vraiment cherché à le revoir en, en, comment dire, en, en vidéo. Je n'avais pas été plus. Euh, voilà. euh, je trouve qu'il perd, euh, perd beaucoup de la mystique. Euh, de l'original, c'est-à-dire vraiment le côté euh, le côté euh, comment dire euh, un côté aliens hein, tu vois euh, tu vois euh, allez on va mettre non mais c'est aller on vous montrer plus vas-y vas-y euh, vas en quoi. fait il y a plus de budget vois, plus d'ampleur ouais. et ça creuse en fait la mythologie euh, voilà. ouais, inventent... est-ce que tu avais envie vraiment de la creuser cette mythologie est-ce que tu avais pas envie Moi, de rester en surface pas, voilà, de pas savoir grand chose finalement c'est ça aussi qui fait le mais... le charme del riser c'est que le film il est complètement pété du ciboulot enfin je veux dire il faut le dire aussi parce que ça c'est quand même un truc et pour le coup c'est si tu le prends comme une suite déjà je pense le premier Problème, c'est qu'ils, ils essayent vraiment de connecter, euh, comment dire, euh, euh, les liens avec le premier. Donc, le premier problème, en fait, c'est que, en gros, euh, as un, 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 un des gars qui découvre en haut euh, de nouveau le cube, euh, qui commence à comprendre, en fait. Ah, c'est le matelas, surtout. Là, oui, le, oui. le point de départ. il oui, oui, ouais. y a le matelas, c'est vrai. Mais, mais en fait, euh, et de l'autre côté, t'as as, Kirsty qui se dit Mais je sais que mon père est en enfer, il faut que j'aille le chercher. Oui, parce que c'est une suite directe, un voilà. peu dans la lignée de, par exemple, Halloween 2. C'est une suite qui, se reprend, qui reprend quelques heures. Elle, Exactement, elle se réveille à l'hôpital. Voilà. Et en fait, le, le problème, c'est que cet enjeu-là, euh, il est dans le premier scénario. Quand à l'époque, il était question euh, pour Peter Atkins et pour tout le monde en fait que, que, que Andrew Robinson reprenne son rôle. Puis Andrew Robinson, lit le scénar, il fait Pouf, moi rien à foutre. Et en fait, il veut pas le faire. Euh, a c'est plus une question de il est... thunes. Ouais, ah ouais, alors, bon. Apparemment, il voulait pas lui donner autant de tunes que sur le premier. Il voulait son salaire en fait, ouais. égal à d'El riser Il a dit non. En tout cas, en cas, ce qui est certain, c'est que du coup, ils l'ont viré du scénar. Et du coup, l'enjeu, il est complètement pété pour, pour euh, comment elle s'appelle pour, pour, euh, ouais. pour Kirsty, parce qu'en en fait, en gros, elle le retrouvera pas. Hein, on spoil, hein. Ah ouais, voilà. Ouais, ouais. ouais, enfin, on voit. des, des, flash des flashs, flashs, flashs du blague du premier. Mais le premier. truc, du coup, c'est que, que les mecs mettent ça un peu de côté. Les vrais stars, maintenant, c'est nos beats, hein. Là, je veux dire euh, clairement euh, voilà, il y a vaguement une amorce mais même si ça sera beaucoup plus développé dans le 3, une amorce en fait de ce qui arrive à Pinette, comment il est devenu Pined et comment il a découvert lui-même le cul. Ah, c'est la scène d'intro je crois du 2. Ouais ouais, c'est ça et en fait euh, et en fait en gros, euh, il joue sur, sur sur ce genre de notion là quoi. Euh, alors c'est réalisé par Tony Randall. C'est Tony Randall, c'est euh, comment dire, c'était je crois si je dis pas pro exé, hein. en fait. Ouais, un ProDex de de New World. World. Euh, qui s'est un peu positionné pour faire le film quand, quand euh, comment dire, en quand, fait, il un, est... quand Barker a. Il faut savoir non. que les, les... je crois qu'il arrivait, euh, il était commandité par un New World pour euh, aller sur la post-tournage et post-prod un peu premier. chapoté du ouais. premier. Il faut savoir que les, les, pour les ceux qui ne savent pas trop à quoi sert un prod exécutif, généralement à pas grand chose. Et c'est un peu le cancer du cinéma les prod ex. C'est-à-dire que vraiment pour l'avoir vécu, c'est-à-dire que c'est des gens. Qui font de la justification de salaire à tout bout de champ, mmh. qui servent à rien en fait, et qui viennent et il faut qu'ils justifient leur salaire, donc ils vont te faire plein de notes, ils vont te dire plein de trucs, nan nan nan. Et donc ça a pu être très mal finalement euh, se passer, parce que généralement quand ces gens arrivent et viennent se mêler du créatif, alors qu'ils ont loupé tous les épisodes en fait. C'est l'inspecteur des travaux finis. Quoi. Voilà, c'est l'inspecteur des travaux finis exactement, donc c'est vraiment pas le gars que tu as envie de voir, ouais. et que envie de lui dire, mec, non, mais, euh, tu sais pas, non. Et là pour le coup, miracle. Le mec est complètement acquis à la cause de Barker. C'est un fan de films d'horreur, Tony Randall. C'est un mec bien. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un mec cynique. Ce n'est pas un mec qui est là pour dire ⁇ Ah non, on peut peut-être faire ça sur le film pour faire plus de thunes, etc. ⁇ Non, il respecte totalement la, la version de Barker au point de... de, de exactement, comme tu disais, de, de venir après. Parce que le mec, il, a, il suit le montage, il s'implique vraiment dans la post-production. Il donne des conseils plutôt intelligents, il s'entend bien avec Atkins, il s'entend bien avec toute la bande, avec Chris Fig, avec euh, Barker, etc. Et donc, il se retrouve très vite, effectivement, à se dire, mais moi, euh, moi je suis, tain, par moi, le je suis dos, chaud, moi. <laughs> Et là, il dit bah ouais, pourquoi pas Surtout que le mec, après, le mec, je crois qu'il avait quand même euh, toute petite expérience de réel, si je dis pas de bêtises, euh, Tony Randall. Ouais, c'est possible. Euh, euh, ouais, euh, je sais plus trop. Peut-être euh, de la télé. Euh, ouais, voilà. non, je sais plus trop, mais on fera vérifier, mais... Euh... Mais effectivement c'était euh, parce que c'est pas évident de, de, de passer après Barker tu vois de, 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 de... pour un film en plus encore plus ambitieux quoi finalement tu vois quand t'as euh, Aliens bah, c'est quand même James Cameron qui a quand même déjà fait Terminator derrière donc tu fais bon ok on sait, on sait maintenant ce que vaut le mec mais là tu confies quand même les rênes de la baraque ok il est cool mais, <laughs> mais ça se oh, pas et finalement moi je trouve que il s'en est très très bien sorti, tu vois. Malgré bah, après. Ouais, après, c'est un film. Là, effectivement, comme, tu, comme, comme on le pose, la question, c'est ce qu'on a besoin vraiment de développer l'univers de d'y mettre, entre guillemets, des règles euh, euh, Et en gros, enfin, euh, de, de. Voilà, après, dans la surenchère absolue, encore une fois, euh, je veux dire, moi, pour l'avoir redécouvert là en version uncut, euh, maintenant que c'est disponible. Ouais, tu te dis, putain, c'est bien gore, c'est bien vénère, c'est bien, euh, comment dire, il euh, y, y a des créatures en latex partout, il <laughs> y, a, y, a euh, y, y a des visions un peu dantesques de l'enfer, tu vois, non, non, je suis plutôt... Euh, donc c'est au moins, je veux dire, euh, c'est spectaculaire, quoi. Oui, dire, qu et ça, c'est plutôt cool. Il y a cette volonté de faire quelque chose avec beaucoup plus d'ampleur, et du coup, euh, notamment, Peter Atkins crée euh, le Léviathan, qui est cette espèce de de forme un peu géométrique qui est une espèce de dieu qui règne sur, bah, sur l'enfer d'où viennent sur les, 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 les Cénobites, ouais, c'est un peu le dieu des... des... Fabrique à Cénobites ouais. en fait oui, une le usine, Léviathan euh... c'est une sorte d'usine ouais. euh, décrite euh, par Barker je crois comme euh, faisant 5 km de long enfin, ouais, totalement démesuré donc là on n'est plus du tout justement dans l'intime, c'est-à-dire riser, c'est un film totalement intimiste, mmh. le premier ouais. tu vois c est, c est, c est, ça se passe c'est un deux pièces cuisine, hein. les Cénobites sont que dans le grenier, c'est des créatures de Grenier, tu vois, c'est des trucs que tu invoques, ils viennent dans le noir. En plus, moi, ce que j'adore dans le premier, c'est ce qui fait que c'est ça, et qu'on retrouve plus après, c'est la pudeur justement des cénobites. C'est-à-dire que tu vois, ça reste des créatures qui sont presque timides. Toi, la, la femelle, quand tu la vois, as presque envie de lui, faire... de lui dire ça va. <laughs> non, mais tu vois ce que, que je veux dire un peu, hein? Moi, je me barre en courant. Hein? Non, <laughs> non, mais tu vois, vois, vois elles ont quelque chose de, tu de vois très des touchants. dans ta cuisine euh... Non, mais ils ont tous quelque chose de très touchant, les cénobites. Tu sens qu'ils souffrent. Qu sont dans même... le 2 aussi je trouve, il hein, y a un truc. Dans hein, le 2 c'est euh, assez ouais. respecté et après ça part à volo. Mais ouais, non, ouais. Mais, euh, mais en tout cas tu vois, le, le... avec l'avènement le, la, du Leviathan dans, dans El Riser 2, on est à l'opposé du premier, c'est-à-dire que... <laughs> de, de, de... De l'infiniment petit, on s'ouvre sur euh, oh sur des, des, des matte painting où tu vois euh, un, un univers qui n'en finit pas, qui est un oui, film. des labyrinthes un peu à Escher des escaliers comme ça. et tout. Tu dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel C'est super. Hein. Ouais. Mais là, tu vois, on touche à autre chose. C'est-à-dire qu'on passe du body horror ultra organique à de la dark fantasy presque tu vois où on souffle sur un monde euh... et puis tu 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 suis un Moi, personnage crois, ouais. en fait de de comment dire euh de de psychiatre en fait euh de Peter Chanard ouais, le, ouais qui, qui complètement enfin tu vois les cordonnier les cordonniers ouais. sont les plus mal chaussés quoi le mec il est complètement taré <laughs> en fait si tu veux il, il il comment dire il, il cède directement d'ailleurs c'est lui je crois dans le dans dans l'intrigue qui ramène le premier son premier enfin sa ouais, patiente cette, cette fameuse scène et, euh, qui et, se et la en fait, serre. voilà. voilà c'est ça, c'est le mec qui se la sert et qui, qui lâche des. Et la scène la plus, la plus tronquée hein, par la, ouais, censure ouais, ouais. c'était celle-là. Tu vois, elle est quoi, dingue ouais. cette scène. Et en fait, le truc, c'est que tu te retrouves, il se retrouve en fait à se lacérer. Du coup, il y a des, y a des, y a asticots des, des, asticots quoi. qui sortent de sa chair et tout, c'est dégueulasse. Et en fait, euh, on le bascule justement sur le lit, euh, le lit qui est le lit de, comment dire, euh, du péché. Hein, ah yeah, ouais, le matin, dans, dans le premier quoi, enfin de l'adultère en tout cas. Et en gros, euh, en gros, euh, il, a, il il ressort le personnage, il l'a arrivé, elle, elle se ressuscite, elle se ressuscite, régénère grâce à lui quoi. Et euh, la scène elle est hyper fascinante en fait. Permet... Euh, ouais ouais. Ah, et et, euh, et voilà, et, en, et, et, et quelque part, euh, je ne suis pas mi-fig mi, figue, mi raisin, parce qu'encore une fois, je trouve que ça penche plutôt du bon côté. Moi, je trouve Hellraiser 2, avec le, en le revoyant comme ça et tout, en version complète. Mais, euh, mais euh, quelque part, tu es à la fois content de retrouver ces persos-là. Tu te dis, bon, bah, ils font un peu partie de la saga et tout ça. Et en même temps, il y a un truc où tu te dis, euh, je pense qu'en fait, on aurait pu prendre thématiquement les créatures et en fait, trouver une autre histoire. en fait, dans lesquelles on les ferait revenir et en fait elles auraient un rôle à peu près pas similaire parce que tu peux les faire évoluer là-dedans mais en fait euh, qui connecterait à plusieurs couches du désir, de, de, de la luxure de tous ces trucs là en fait et tout ça euh, pour garder un, un côté euh, hyper sexué qui effectivement euh, se perd vraiment. Euh, alors dans le 2 je trouve vraiment. Et puis, alors, mais après, ça existe plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de sexe hein, dans, le, dans, dans toute la saga, mais c'est des scènes de sexe de Bébé Cadom, quoi. C'est des trucs, <laughs> on dirait du L.A. quoi. C'est euh... ça aussi la force, tu vois, du, du film de Clive Barker. Donc, c'était réalisé, écrit, réalisé par un, un homosexuel totalement assumé qui met en scène ses fantasmes hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer donc ouais, il est ouais. totalement porté en sur fait, le SM. Lui dans, en interview il dit en gros si tu n'as pas la gueule quand tu écris une scène de sexe c'est que ça ne va pas et je mais, pense mais, que c'est ça vois, le ce problème des, des scènes de sexe suivantes. Euh, et en fait ce qui, est, ce, qui est, ce qui est incroyable avec Clive Barker c'est qu'il est pas sectaire dans le sens où euh, c'est pas écrit pour des homosexuels en fait c'est pas et tu vois il, il décrit il fait des scènes de sexe, il parle de sexe, mais d'une façon totalement euh, universelle, où même les hétéros s'y retrouveront et seront eux-mêmes excités, entre guillemets, parce qu'il se passe à l'écran, entre guillemets. Tu vois, et c'est ça qui est incroyable. Alors que tu vois, ça, ça prouve déjà la maturité du mec, qui doit avoir même pas euh, 30 piges, justement, quand il fait un riser. Tu te dis, putain, le mec, il, alors qu'il aurait pu se faire son délire SM euh, gay-friendly dans son coin parce que c'est son trip, et alors que le mec, il arrive à en faire un truc, mais qui touche tout le monde. Et même ceux les, les plus réfractaires au SM et euh, straight hétéro, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça la force du film aussi qui fait que tu vois l'œuvre elle, euh, elle est toujours là aussi. Et effectivement, c'est un truc qu'on retrouve pas du tout après, hélas. Voilà, mais par Deuxième, contre, hein. c'est c'est vrai, c'est Gondou, en fait, ouais. c'est complètement... Enfin, je veux dire, le docteur Chanard, parce que bon, donc on spoile un peu, on avance hein, dans le récit du truc, quoi, mais en gros, euh, en gros, moi, euh, bon, c'est presque un irrac racontable, hein, je trouve, le 2. Hein. C'est très compliqué, comme il bah, part ouais. un peu dans tous les sens ouais, euh, ouais, à ouais, cause ouais, des réécritures, ouais, ouais. mais il y a des scènes assez folles. C'est le... <laughs> Julia qui revient, c'est la vengeance de Julia ressuscitée par Chanard. C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'elle prend le lead comme Franck avait le lead sur elle, elle possède Shannar qui est totalement amou... fou d'elle immédiatement, ouais, ouais, ouais. possédée par cette euh, créature qui est écorchée vive. Elle en fait un cénobite. Euh, avant, il y a quand même un peu d'histoire euh, oui, oui, bon. qui se développe un peu plus. Ouais, ah, ouais. <laughs> ouais, mais bon. après, elle va le tromper comme elle s'est fait tromper par Franck, parce que ouais. c'est quand même une femme trahie. Euh... Oui, c'est vrai. Uh, Julia mine de rien. Tu vois, elle est à la. elle, elle Parle veut... dans le micro, euh, Alexandre Bustillo. Excuse-moi, euh, excuse-moi. Il y a, a l'inquiétude de à... te regarder et qui. Excuse-moi. Elle euh... euh... a les gros yeux. Balance-moi un truc, une figurine quand je, je, je <laughs> parle pas dans le micro. Non, tu vois, c'est l'histoire quand même, c'est la vengeance d'une femme trahie le deux. Tu vois, donc euh... donc bah, du coup ça m'a coupé l'arbre sous le pied là. Oh, voilà. pas du tout. <laughs> et en fait, le truc. Non, mais c'est vrai. Moi, je, je, je te dis ça parce qu'en fait, voilà, d'un seul coup, tu te retrouves avec ce. Enfin, moi, je sais qu'à un moment donné, la fin. Oui, là, bon oui, coup, on parlait de ça. <laughs> le mec. Oui, parce il... que tu as une surenchère. En fait, tu as déjà toutes ces scènes. On en a un peu parlé de Julien en écorché, parce qu'à la base, ça devait, elle, ça devait être elle la grande méchante du film, mais aussi de la saga. Donc, elle est vraiment iconisée en, en écorché. Enfin, elle a une espèce de. Enfin, c'est pas elle qui est le porte ouais, tout toute bandelée Après. Ouais, il y a un côté génial, un peu ça. Bride of Frankenstein quand elle est enroulée dans ses dans qu'on qu'on enlève. Et, euh, et donc il y a plein de scènes où elle est en écorché ou un peu comme Franck dans le premier c'est très très beau c'est des, des, des bodysuits en fait qui sont euh, composés de 7 ou 8 éléments qu'on met sur elle alors c'est pas elle qui le porte ouais, parce que c'est une un danseuse euh, déborder à joël qui était quelqu'un de plus mince qu'elle pour pouvoir être sous cette grosse couche de, de maquillage mais il y a un côté vraiment euh, tu parlais de body horror c'est vraiment quelque chose de très très organique qui va manquer un peu dans les dans les films suivants et notamment dans le dans le oui, tout oui. dernier que je trouve très très beau où il euh, y avait cette anecdote que j'ai vu dans je crois que c'est dans les bonus où ils raconte que ils vont dans les pharmacies du coin pour acheter du, du lubrifiant et en badigeonner les les les, euh, les, euh, les écorchés en fait pour que vraiment ils aient ce côté parce qu'en fait c'est le seul la seule maté le matériau qui ne sèche pas et qui a toujours ce côté euh, un peu luisant un peu euh, un peu, un peu bah, qui va ouais. très bien ouais. vivre voilà avec les avec les écorchés donc il y a ces scènes là qui sont quand même assez folles et euh, bah, l'espèce de, de tentacule qui relie Chanard euh, au, au, au Léviathan qui est qui veiné comme une, un énorme pénis et c'est très volontaire euh, et tout euh, il y a tout ce côté hyper organique qui est des trucs qu'on a rarement ou jamais vu ailleurs quoi qui sont il y a fous. des images dantesques en fait c'est-à-dire que en gros moi je pense que le film il vaut le coup pour ça et en fait et là on est encore parce que tu disais tu pointais du doigt tout à l'heure que euh, nous enfin c'est des films américains pour les gens mais c'est pas des films américains je veux dire les américains ils feraient pas ça et en fait le truc c'est que c'est que justement euh, il faut que ça soit en tout cas si, en admettant en fait que les américains financent ça et qu'ils tournent ça chez eux faut que ça soit un Verhoeven qui se pointe un mec comme ça qui fasse un peu son bordel en fait dans son coin et qui et qui dupe son monde là ils l'ont fait en Angleterre et du coup le truc c'est que bon ils peuvent se permettre en fait ce genre d'imagerie ce genre de truc euh, totalement euh, comment dire euh, bah, assumé euh, gonzo Effectivement, on est euh, dans les suites, c'est hyper prude, en fait. Euh, quel, même s'il y a du cul, même s'il y a du gore, ça reste... Ouais, en fait. ça euh, reste du cul à l'Amérique, comme on, dans du, 13, quoi. Quoi. Ouais, ouais, voilà. du gore à l'américaine, c'est-à-dire des trucs assez, <laughs> euh, comment dire, euh, voilà, assez, assez, assez euh, finalement... C'est assez inoffensif, euh, quoi. On regarde, on regarde, c'est un peu de loin, quoi. Là, euh, là c'est complètement... Euh, ouais, c'est dantesque, buesque, euh, voilà. Et ça vaut, euh, comment dire... Euh, vraiment, ça vaut le coup d'être vu pour ce... Enfin, pas comme une... Enfin, je veux dire, c'est clairement pas une suite au niveau. Il faut pas, faut pas, faut pas en attendre ça. Euh, je pense que c'est le cadre. En fait, c'est comme souvent, hein, d'ailleurs, dans les franchises en fait de cinéma d'horreur, je pense. Hein, euh, euh, comment dire, un premier film qui cartonne et qui, euh, comment dire, euh, impressionne les gens. En général, il faut qu'il reste <laughs> solo, quoi. Mais ce n'est pas le principe du cinéma d'horreur, puisque c'est un, un des cinémas les plus lucratifs, quoi. Et que justement, en fait, en gros, l'idée, c'est bon, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter C'est un peu pareil, tu vois, avec, euh, avec Massacre à la tronçonneuse, c'est-à-dire que tu as un film qui arrive totalement unique et qui suffit totalement à lui-même. absolument pas besoin de faire une suite à Massacre ah, à la tronçonneuse. Ça, hein. Le plan final raconte tout, c'est fini. Et donc quand Toby Hooper revient avec le 2... Bah, tu vois, c'est un peu la même différence que tu as entre Hellraiser et Hellraiser 2. D'un coup, <laughs> ça part dans tous les sens. Tu vois, ça devient, sur le même concept, mais un autre délire, où ils ouvrent l'univers pour en faire euh, certains euh, détestent, justement, euh, Massacre 2, parce que, tu vois, il, il va ça à l'encontre du, du premier. En fait. C'est un peu voilà. comme l'Exorciste 2 aussi, on en a parlé dans un, un ouais, épisode précédent. C'est des, euh, des films, faux, des films ouais. en fait, c'est euh, euh, des suites, entre guillemets, obligatoires, Bon, Massacre, c'est encore différent parce qu'il y a vraiment 13-14 ans qui séparent les deux films, alors que là, les films sont sortis très très vite dans le cadre d'El d'Hellraiser. Donc, j'imagine que les gens qui avaient adoré le premier ont été choqués par la suite. Et qu'est-ce qui se passe Il y a un truc où les fans ont beaucoup râlé c'est que le docteur Chanard tue les Cénobites de manière très facile. Ça, c'est absolument. Presque dans tous les films, ils sont à chaque fois à voir assez facilement les Cénobites. Ouais, puis ils montent la boîte. Mais moi, il y a un truc que j'aime bien c'est. En fait, les Cénobites, visiblement, ils sont fragilisés parce que. Qu'ainsi euh, leur, leur a rappelé leur, euh, leur côté humain euh, ouais. passé. Et il y a un truc que j'aime bien, moi, quand les SonoBeat meurent, c'est qu'ils redeviennent l'humain qu'ils étaient. Ah, et il y en a un qui revient, je crois que c'est Chatterer, qui revient un enfant. Et ouais. moi, j'avais je je, je, vu le film il y a très longtemps, et là, en le revoyant, je me suis c'est une super idée, quoi. De ouais, se quand dire. Ouais, là, ouais, quand euh... il tourne et qu'il revient et que c'est ah, un enfant. A, ouais, et je me suis dit, tu ouais. vois, et tu te dis, mais, Comment cet enfant est devenu un Cénobite et tout et moi je veux presque un spin-off sur sur ce Cénobite là tu vois comment ouais d'ailleurs c'est marrant parce que apparemment il y a une anecdote comme quoi le, le comédien justement qui joue ce personnage oui, pendant cette là, scène ça, il s'est pris il un, crochet, un crochet dans la gueule et en fait il a euh, dû être doublé après ouais voilà, c'est c'est apparemment il s'est arraché la moitié de la tronche là et, 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 et si j'ai bien compris c'est même pas dans le film oui, C'est-à-dire ouais, ouais. qu'en fait ils ont pas, je crois qu'ils ont pas tourné ou un truc comme ça. C'était pendant une répète du truc. Ouais, et, ouais. et voilà. Et il était dégoûté parce qu'il se dit bon merde, <laughs> au moins tu vois, ça aurait Quitte à avoir un de... crochet planté voilà, dans de la, la chair autant le. Ça soit utilisé quoi. Et lui, d'ailleurs, il le disait le comédien. Il disait, je suis persuadé, je ne sais plus son nom, mais euh, il disait, je suis persuadé que en gros, euh, comment dire, ils auraient tourné euh, la scène, elle serait dans le film quoi. Mm -hmm. Non, ouais, ce qui n'est pas, pas faux <laughs> alors ce film là on va avancer un peu parce que ça ouais. fait une heure on a fait deux films et il y en a onze donc on ouais. peut-être se presser un peu mais bon c'est un film qui a un plus gros budget on parle entre 2 et 4 millions bon Shake New World donner 6 mais c'est ouais, un, le... Le ouais, un peu le pour le On le un peu voilà mais euh, alors notamment à cause d'un crash boursier euh, ils ont perdu 20% du budget à cause de la conversion entre les, les livres et le, et le dollar parce que le film est encore euh, tourné au, en Angleterre et euh, donc il y a quelques trucs qui ont été coupés dans le scénario notamment euh, toute la partie de trans Transformation d'Eliot Spencer en, en cénobite qu'on voit pas. Il euh, y a quelques scènes aussi comme ça qui ont disparu et c'est notamment une scène qui a alimenté beaucoup les fantasmes des fans. Euh, c'est une photo de tournage qui s'est retrouvée au dos de la Allez, VHS quand on voit, docteur, euh, ouais, quand on voit Pinhead et euh, la cénobite féminine en, vrai, vrai, avec vrai, un masque. On les voit en chirurgien et, euh, et du coup euh, tout le monde a fantasmé sur une scène qui était super, qui avait disparu et tout. Et en fait au final ils disent non non juste elle était ratée, ça marchait pas. Euh, on leur a mis un masque mais en fait comment on ferait pour ne pas les reconnaître. En fait, c'est juste que les deux filles s'échappent de l'hôpital. un moment, elles tombent sur deux médecins et puis ils enlèvent leur truc et c'est les Cénobites, ouais. mais c'est plus un truc à B. la Freddy Krueger que. <laughs> non, mais un truc qui marchait ouais. pas. Et justement, dans, euh, je sais plus si c'est dans cette édition euh, de l'Atelier d'images ou dans l'autre édition, genre, parce que j'ai les deux de, de SC, il y a les scènes coupées. Et du coup, il y a des scènes. Elles ne sont pas sur celle-là, je crois. Alors, c'est sur celle de SC qui est, qui est derrière toi, Stéphane, dans l'étagère. Euh, en fait, on voit cette scène. Donc, l'image n'est pas traitée et tout. Et puis, justement, il y a des scènes manquantes parce que les, les effets ne euh, marchaient pas du tout. Et en fait, on les voit courir après les filles dans l'hôpital. Il y a des scènes manquantes parce que, justement, les transformations, passer du masque au cénobite, ça ne marchait pas du tout. Donc là, c'est carrément, il y a des, un, un truc noir euh, où on ne voit pas les scènes. Et effectivement, on se dit... C'est pas si grave si ça a été coupé. Mais c'est une erreur, euh, je crois, du service marketing qui a mis cette image-là parce qu'elle était un petit peu cool. Oui, ils l'ont mise derrière, la... au dos de la jaquette. Ça et arrivait en fait, fréquemment euh... hein, à cette époque-là. Hein. Ouais, ouais. euh, euh, même euh... les affiches, au final, il y avait parfois des affiches de scènes qui n'étaient se... pas dans le ouais, film. Ouais, non, non, moi Je me rappelle d'Islander 2 où tu avais toutes les scènes coupées d'Islander 2. Elles étaient sur leur photo devant le facing quand tu allais voir le film. Et tu fais, mais c'est pas dans le film. Tu ressors, tu regardes les photos, tu me mais c'était pas dans le film ça. Tout, quoi. Donc euh, non, non, c'était la grande époque. Donc c'est un film qui sort à Noël, parce que bien sûr c'est euh, un bon film familial ouais, aux États-Unis, c'est un film qui sort, euh, qui sort à Noël, bon qui fait un petit peu scandale, je crois que le Daily Mail a dit que les gens qui, avaient, qui étaient responsables de ce film méritaient la prison, donc ah ouais. Peter Atkins est très fier de ça. Lui compare ce film au parrain d'eux. Voilà. Bah, voilà. Ouais. Bah, voilà, il est content de lui. Mais, mais en tout cas, il euh, y, a, y a ce côté quand même de mythologie pro prolongée et, et de retrouver les mêmes personnages, les mêmes cénobites un petit peu iconisés qui fait que le, le film marche bien. Donc ce pareil, il rapporte, lui, je crois, 12 millions euh, aux USA. Donc euh, pareil, il faut y rajouter Les, les Recettes Mondes, La VHS après. C'est des films qui marchent hyper bien euh, en vente et en vidéo club, euh, qui sont très très loués. Et, euh, et comme ça marche presque aussi bien que le premier, évidemment, toutes les conditions sont réunies pour un troisième qui va sortir en 92, donc quelques années plus tard, euh, Hell on Earth, donc littéralement l'enfer sur Terre. Et c'est un peu, pour moi, c'est un peu le début de la fin. Ouais, c'est réalisé par Anthony Cox, qui est, qui est, qui est euh, moi un petit artisan de série B que j'aime bien. Jamais non mais c'est vrai parce qu'en fait c'est un mec qui fait c'est un mec moi ça fait partie de ces mecs qui font ce que j'appelle des films sympathiquement nuls c'est-à-dire que en gros comment dire mais en fait il n'y a pas de nul est peut-être un peu fort mais sympathiquement j'en on a de bonnes petites séries voilà des petites séries B mais mais c'est pas c'est pas Carpenter quoi il faut pas déconner mais le truc c'est que c'est que voilà c'est un mec qui fait des films plutôt sympas moi j'aime bien son Sundown ouais ouais, carrément ouais, et plus waxwork plus. surtout waxwork évidemment euh, moi j'aime bien même euh, parce que c'est c'est marrant de le citer Avec Steven Seagal euh... <laughs> dans le sous-marin ah oui dans la c'était lequel déjà <laughs> dans le sous-marin là. ah oui, oui non mais ça c'est pourri euh, <laughs> non non euh, il nous a quitté récemment d'ailleurs il est mort il y a il y a quelques ouais, mois et au mois de novembre juste après parce qu'il est mort le, le jour de mon anniversaire et le lendemain euh... Jeff Burr mourait. Ouais, non mais c'est voilà les quatre tombe et en gros en fait j'aimais bien son petit c'était fou Eclipse. Ouais, Surtout avec Mario Vantibes. Deux loup-garous qui font du John Wu, là, <laughs> qui sautent dans tous les coins avec des flingues ouais. et tout, quoi. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un, un artisan de série B au sens euh, euh, le plus noble parce que c'est quelqu'un qui va reprendre des trucs qu'il a vus à droite à gauche et qui va en faire un espèce de patchwork et qui va plutôt bien imiter ça. Voilà. Donc euh, donc euh, donc euh, je, je sais pas pour pitcher enfin pareil pareil la 3 enfin pitcher ce film c'est En fait c'est un film qui a eu six scénarios différents ouais. parce que à la base euh, Peter Atkins euh, avait plusieurs idées, euh, Clive Barker a un peu participé euh, au départ, ensuite il a été payé pour ne plus participer et puis quand le film est passé sous la distribution de Miramax, ils l'ont repayé pour revenir pour pouvoir mettre son nom au scénar. Euh, promo quoi. Et euh, donc il y a eu je, je vais les citer très brièvement mais il y a eu une première idée euh, avec des synopses des cénobites à l'époque des pharaons. Ensuite, il y avait une idée de reprendre le flic qui apparaissait dans le deuxième euh, et de faire revenir euh, Julia, euh, Julia Cotton. Il y avait ensuite une idée euh, de Clive Barker euh, ils, ont, ils ont commencé à l'écrire tous les deux, une histoire d'universitaires ri rivaux. Et l'un des deux euh, ouvrait euh, la, la boîte et euh, en gros, les cénobites arrivaient sur un campus. Et après ils se sont dit que c'était pas du tout une bonne idée, donc ils sont partis sur une histoire dans un bordel avec un prêtre défroqué qui invoquait Pinède. Euh, puis finalement c'est resté au point mort pendant deux ans. Et, euh, et euh, en fait, bon, je crois que New World en tout temps euh, n'existait plus et c'est Transatlantique euh, qui, a, qui a repris les droits, qui a rappelé euh, Randall pour réaliser, le, pour réaliser le film. Et euh, ils avaient des idées, euh, une idée commune, je crois, enfin deux idées avec euh, Atkins. Il y avait une idée d'une euh, boîte de nuit, d'un gérant de boîte de nuit qui ressuscitait Pined avec euh, le pilier des âmes. Et Atkins, lui, avait l'idée d'une jeune fille qui a des rêves récurrents euh, sur son père euh, et elle a des flashs de son père qui, qui faisait la guerre. Et euh, ils fusionnent leurs idées et euh, du coup, le scénar du film va être un peu un mélange de, de ces deux idées. Ouais, c'est ça. Il y a un espèce de bad boy là qui ressuscite Pinhead et qui tient une boîte de nuit. Bah, c'est ça. C'est un mec un peu, un peu, c'est un sou franc mais un peu un, un gros peu... bof. Ouais, un euh... groupe, mais en groupe en version bof pas en <laughs> version, version, bof version bof de pas... Franck. Ouais, voilà. C'est pas en version euh, vénéneuse et toxique et, et voilà. Mais euh, 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 un bof à, à cuire là. Moins mais... Fascinant. Ouais, voilà. Et, 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 euh, et en fait, le film se passe. Le film se passe principalement dans la boîte de nuit. Euh, avec euh, d'un seul coup pinette qui revient euh, donc euh, après l'heure réglementaire quoi pour euh, commencer à dégommer tout le monde quoi et en fait transformer d'ailleurs moi c'est la première fois d'ailleurs c'est marrant parce que c'est un des, un des éléments qui va être récupéré j'ai l'impression dans le dans le dans le suivant de manière un peu euh, comment dire euh, euh, spécifique c'est que les victimes en fait qui se font euh, que tu vois en humain dans euh, comment dire euh, dans dans le dans le récit par exemple il y a un caméraman il euh, y a un DJ tout ça etc d'un seul coup en fait quand ils se font tuer ils reviennent en Cenobite et du coup en plus ils ont leur fonction ah, ouais, c'est pas vraiment... la meilleure idée non, non mais c'est pas <laughs> la meilleure idée mais par contre ce que je voulais dire c'est que en fait c'est les victimes qu'on re... qu voit qu'on vraiment revenir en Cenobite et vraiment devenir actifs en fait entre guillemets quoi qui est un truc qui va revenir assez régulièrement plus tard dans les dans les suites de merde et euh, en gros comment dire donc tu as le caméraman en fait de la journaliste qui qui d'un seul coup se fait tuer alors il revient en Nobit, il a une caméra dans l'œil et tout quoi, donc c'est Terminator en gros quoi euh, parce oui que il, a même, il a même il a même c'est une référence euh, il a même une petite cicatrice un peu comme Robocop et tout ouais, quoi. Ouais, ouais, ils ont fait la même cicatrice à euh, la voilà. Robocop non, voilà il y a euh, le, le, le DJ là qui, qui balance des CD là comme Dark Angel il envoie des CD dans la gueule des gens il, 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 il tranche les gorges et tout quoi tu vois t'as quoi d'autre Surtout, surtout as Peter Atkins qui bah, fait un cameo Atkins il joue <laughs> le rôle du barman qui vient le cénomite le cénobite qui crache du feu c'est ah cool. ouais, ça voilà ouais, ça donc voilà c'est un peu mais, mais en même temps il y a un côté c'est clairement un slasher hein, le film hein. c'est mm -hmm. à dire c'est on est dans, dans, dans cette catégorie là à l'américaine vraiment en fait d'ailleurs c'est le, le premier film fait, qui est tourné ouais, aux, est aux états unis, états -Unis en ouais, Caroline -Unis, du Nord ouais, je crois. Ça. ça se sent. Ouais, ouais. Oh, oui, ça oui, se voit mais avec les, mais... les flashbacks Vietnam tournés à <laughs> une forêt lambda là tu fais oh euh, et il euh, euh, y a un côté un peu alors, de toute, toute proportion. Regardez évidemment euh, Terminator quoi à la fin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté ah ouais. où les mecs qui courent, ils sont des machines en fait qui courent derrière les gens. Terminator et qui, 2 là dans la non, rue. Terminator. Ouais. Terminator le premier non c'est vraiment le côté en fait invincible euh, hyper actif et tout des Cénobites quoi euh, voilà et en même temps parallèlement à ça en fait ils essayent de développer un petit peu l'histoire de Pined et d'expliquer un petit peu euh, voilà c'est les flashbacks dont tu parlais enfin c'est les rêves dont tu parlais en fait du père euh, où elle voit son père voilà c'est ça et, euh, et en gros c'est Pined euh, donc c'est tout Bradley avec sa tête de comment dire euh, sa tête de 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 pas enfin, de, de personne laitier, normale <laughs> non mais de non mais, non mais parce qu'en fait moi il y a, il a quand même un de regard oreilles, à... il a les oreilles un peu en décollé c'est marrant non mais en fait, le truc, si tu veux, c'est que non, mais enfin, je veux dire, tu fais un comparo avec, avec le vrai avec Pinhead. Tu vois, t'es obligé. Tu te dis quand tu le vois en normal, tu fais où ouais, là <laughs> Le pire, c'est par contre dans le 3, euh, c'est que Pined il devient juste dégueulasse en termes de look. C'est-à-dire que c'est ouais. plus du tout. Euh, c'est le retour de Bobkin qui n'était pas sur le 2 mais surtout on lui dit, mec, euh, bon, y a pas trop de tune et euh, ils arrivent à. Je crois, ils, ils mettent trois ou quatre fois moins de temps pour apposer le maquillage ah ouais. sur Doug Bradley et ça sent. C'est-à-dire qu'il change et ça se voit. C'est-à-dire que le, ma le maquillage est beaucoup plus grossier, alors que c'est quand même d'une finesse extrême ce maquillage en fait. Et euh, il remplace surtout les clous, tu vois, par des sortes de, de clous en plastique blanc, plus du tout en façon euh, vraiment en fer, enfin en métal, quoi, pardon. Et ça, mais du coup, Pined, Street Credibility, chute. Tu vois, c'est-à-dire euh, qu'il les... ah ouais. ouais. ah, mais après, complètement, y a double, il y a le double menton un peu, et, il y a... et puis il est ridicule, en là non, dans, non, non, ça, mais, non, dans son euh, truc euh, des âmes là, mais ça c'est le truc, ça c'est le problème, c'est qu'on dirait, on marche arrive dans dans Top Secret, tu sais quand il se fait concasser dans la dans la, dans la bagnole là, tu vois, c'est qu'en fait il est un peu coincé comme ça, puis il a la ouais, tête cassée ouais, ouais, et ça, tout, ouais, tu vois. A... Mais à la limite, l'idée elle est marrante, tu vois, l'idée elle est en soi, elle est, pas, mais c'est super bien fait en fait. Ouais, puis c'est surtout ça commence, tu vois, tu sens que ça commence à être un peu bâclé. Ouais. Euh... d'ailleurs Tony euh, Randall devait le réaliser et bon il finit par se faire dégager et... c'est vrai qu'il avait même euh, il avait proposé même le film je crois Peter à Jackson. À Peter Jackson ouais, ouais. Ouais, qui, qui lui était oh, pas intéressé pour faire des. Et suites. pas faire de suite. Je crois qu'il était Freddy Il était question qu'il fasse peut-être Freddy ouais, ouais, aussi. Freddy, ouais, ouais, mais, euh, mais, euh... Mais il branchait plus. Mais c'était un Freddy qu'il avait écrit. Mais par contre, euh, non, le truc, le c'est truc, que. Mais Encore une fois, ce qui est toujours un petit peu marrant, je trouve, chez Anthony Cox, c'est peut-être un truc que tu peux pas. Euh, bon, pas, pas son Steven Seagal, hein, qui est tout pourri, mais en fait, euh, en tout cas, de cette époque-là, l'Anthony le, le, Cox des années 80, un petit peu 90, c'est qu'encore une fois, c'est ce que je disais, c'est un mec qui, essaie, qui pompe un peu les autres, quoi. C'est-à-dire que vraiment il se dit. La, ah, scène, la scène de fin, c'est Carrie quoi, dans la boîte ouais, de nuit, fin ouais, de fin. Il y a, fin, y a Carrie évidemment, mais évidemment pas, pas, pas aussi virtuose, mais, mais même il y a un moment donné en fait où à la fin, quand il passe un deal avec le truc, il y a un espèce de plan à la Sam Rémy, en fait, où il en fait trois quatre et le fait. C'est-à-dire qu'en fait, il le fait proprement. Il le fait mieux que les téléastes, en fait qui ont essayé de faire ça dans, dans comment t'appelles ça dans, dans la série télé H versus Civil Dead, quoi. Donc quelque part, euh, moi je moi je peux pas arriver totalement. C'est pas un très bon film. Iron hein, 3, c'est clair. Euh, bon, je pense que à ce stade, tu lâches prise hein, déjà. Euh, comment dire avec le fait d'essayer de, de rattraper le premier film parce que c'est pas bah, la peine ouais. quoi. Mais euh, mais donc voilà. Donc il y a quelques moments comme ça où tu te dis bon. Ouais, ah, en fait, mais c'est mais, euh... mais, surtout aussi parce qu'à l'arrivée, tu l'as dit tout à l'heure, Marie, mais euh, d'un élément. Euh... Ultra important en fait dans, dans, dans cette saga, c'est l'avènement des Weinstein. C'est-à-dire que c'est le premier. Alors, le 2, il avait été quand même distribué aux États-Unis par Miramax à l'époque. Et euh, donc là, c'est. toujours Je sais pas si Dimension existe ouais. déjà ouais, sur le 3 que ou c'est encore Miramax. Je sais pas s'ils ont créé Dimension, mais... mais en tout cas, les Weinstein sont là. Et, euh, et Bob, en fait, va complètement mettre son nez dans le film. C'est-à-dire qu'il voit un premier cut du film. Et par exemple, la scène, la fameuse scène de, de, de carnage de la boîte de nuit c'était entre guillemets en off c'est-à-dire Pinet arrivait ah, des, faisait une punchline cut et t'avais euh, la, la porte euh, de la boîte de nuit mais du côté euh, Là, extérieur voit, voit voilà dans avec, avec le sang qui coule euh, dessous en, ouais. en voyant ça il dit ah mortel mais attends bah, je te refile une rallonge de je sais plus euh, 20 000 dollars trois jours de tournage et voilà ouais. et tu me tu me tournes le, 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 le truc et aussi tu vois y a toutes les petites fautes de goût qui sont assez dégueulasses sur le film parce que déjà à l'époque c'était pas maîtrisé et évidemment, ça a vieilli d'une façon catastrophique. C'était l'avènement du morphing, cest dire que <laughs> c'est euh, vrai. vrai. <laughs> Ou, tu vois, et euh, parce que et ça c'est Bob Weinstein, c'est-à-dire le mec voit euh, Black or White de Michael Jackson, il dit ah, c'est quoi cette révolution, c'est génial et il nous faut ça dans les Riser. Et donc avec le résultat qu'on connaît, et qu est qu déjà à, à l'époque, tu vois piquer les yeux quand même. Tu vois donc c'est mine de rien après Bob et, enfin les Weinstein vont rester jusqu'à L World donc là c'est parti pour plus d'une décennie où la, la, la franchise va, va vraiment pour le coup se faire violer quoi ouais après bon voilà le truc c'est que en fait euh, évidemment euh de proportion gardée euh, c'est un chef d'oeuvre à côté de ce qui va enfin le 4 est pas mal il y a des trucs le 4 a, un, trucs sympa, en fait mais oui ça reste un super truc c'est sympa en fait si euh, c'est un peu le début de la fin parce oui, qu'il oui, y, y a un ton un peu humoristique ouais. euh, qui était pas dans les précédents ouais présidents. bah tu sens qu'il y a l'influence Freddy aussi exactement il y a le côté ouais. un peu des punchlines des trucs comme ça c'est à quel point Freddy a fait du mal aussi mais fantastique bon écoute on va pas se fâcher maintenant non 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 mais tu vois moi mais dans l'absolu c'est vrai là, tu vois parce que c'est un peu le Freddy 2 euh, de la saga moi, en fait. Oui, hein, ça. 3. En fait, je trouve que le côté ouais. euh, le côté grand guignonesque à la fin, la, la scène dans l'église et tout. Ouais, mais tu dis c'est. Euh, en connerie fait, à en la fait mais moi vraiment quand je le vois, je me dis je vois Freddy. Non, mais, mais, mais même la place, tu vois le, le quand tu vois, on reproche à, à Jack Shoulder sur Freddy 2 de dire ah, mais mec t'as tué le concept. En... Alors et Freddy il est même plus dans les rêves, il est au bord d'une piscine euh, en projet X là et il indique tout le monde. Mais là c'est pareil en fait, tu vois on part quand même à la base comme je te disais tout à l'heure de monstres que t'invoques et qui arrive dans, dans ton intimité c'est à dire dans, dans l'intimité de ta maison, dans le grenier, les pièces secrètes il reste dans la pénombre et là les mecs sont en pleine rue pouf, et là tu fais mais c'est antinomique c'est c'est l'antithèse de, 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 du premier Realizer, en fait, du, dans le traitement des Cénobites quoi donc, du coup, bah, on parlait tout à l'heure de, de, de Weinstein, et en fait, c'est eux aussi qui font revenir euh, euh, Clive Barker sur. Euh, en fait, ils lui font un gros chèque pour, pour que son nom soit au générique finalement. Et euh, bah, du coup, le réel est un peu vénère. Il a parlé un peu du film, euh, peut-être pas tout de suite sur le moment, mais il dit qu'en gros, euh, que Clive Barker, pour rien faire, a été payé plus cher que lui pour réaliser le film. Et... En il fait. ouais, y, y a des rumeurs de Ritek en fait. Oui, par Barker. Ouais, il y a un peu d'animosité euh, sur euh, tout bah, ça. Cox, lui, dément. Et... Ouais. Il coxent des mans, mais par contre, en fait, ce que Barker a, ré a réalisé, c'est le clip oui. de, ah, de Motorhead. Ouais. Elle a Raison, ouais. <laughs> ouais. Est, qui est complètement nul. Hein. Ouais. Je suis un métalleux, hein, mais, ouais. mais, <laughs> voilà, mais, mais c'est bon, pas voilà, possible. Ce le... tout... J'ai oublié le nom du groupe ouais. euh, totalement hard FM dégueulasse qui passe dans la boîte. Euh, tu vois, oui, c'est un oui, vrai, euh, vrai euh, groupe, hein, je pense. Ouais. Je sais plus ce que c'est. Ouais, ouais. C'est vraiment ça. C'est le carnage des années 80, 90. Tu vois, on arrive vraiment à s'ancrer dans le mauvais goût, tu vois et, et donc, bon, du coup, ce film-là marche aussi, il rapporte une douzaine de millions en salles. Voilà, c'est ça, pareil, ça marche toujours très bien. Euh, Mira Max euh, fait beaucoup la promo aussi sur le personnage de Pined, qui est, euh, bah, qui est devenu le grand méchant, puisque le public s'en est emparé, et que Claire Higgins, qui jouait Julia, euh, a voulu partir, parce que justement, elle ne voulait pas devenir l'équivalent de Robert Englund. elle ne voulait pas devenir un Freddy Krueger au féminin, donc elle, elle voulait s'éloigner un peu de tout ça. Et euh, bah, du coup, euh, évidemment, entre les mains des Weinstein, ça va devenir une, euh, bah, une fin. Ça va continuer à être une franchise, donc évidemment, il va y avoir une suite réalisée par le fameux Alan Smithy, Razor 4*, euh, *Bloodline*. Est-ce que quelqu'un veut nous en parler Donc euh, à la base, le réalisateur, c'est quand même Kevin Nager, euh, dont on a les déjà parlé, euh, nous, dans, dans, dans les, notamment l'épisode sur Freddy et dont on parle régulièrement dans, dans plein d'épisodes. A fait de, que Freddy, chose. hein C'était le premier. Mais euh... et le deux. Ça, ah ouais, euh, non, le premier... Le premier euh, de oui, pardon, excuse-moi. Oui, euh, ouais. bah, excuse parce qu'il a fait que Freddy ouais. 1 et 2, hein, fait, finalement, Kevin Jagger. Hein. Et aussi, il est connu aussi pour, pour Chucky. Mm -hmm. Il a créé Chucky, mais... Hein. Mais ouais, non, mais le 4... Vas-y, euh, bah... vas-y. Vas bouge... Alors le 4, c'est particulier, le 4. C'est vraiment la dimension qui commence vraiment à prendre le pouvoir. Et c'est un grand film malade, quoi. C'est-à-dire que euh, donc Yeager arrive sur le truc, parce que je crois qu'ils euh, avaient proposé le film à Guillermo del Toro qui lui a dit non et préférait faire un mimic à l'époque. Donc il était déjà lu sous le jeu aussi des, des, des Weinstein, Del Toro, mais il a senti le coup venir et il a dit non, je vais pas faire. Et, mais là où vraiment c'était dommage, c'est qu'en fait, à, donc les, devant le refus de, de Del Toro, les, les, les Weinstein ont proposé le film à Stuart Gordon. Et Stuart Gordon, donc, le réalisateur de Reanimator, Dolls From Beyond, qui est une légende. Et. Stuart Gordon avait accepté en plus, il était un peu dans le creux de la vague et à cette époque-là, ce grand réalisateur qui nous manque tellement. Mais je ne sais pas si c'était avant Fortress, non C'était après Fortress. C'était après Fortress mmh. Ok. Et, euh, et ça s'est pas fait, hélas, et là, ça aurait été pour moi, enfin, ça aurait été génial. toi' oui, il est parti artistique, quoi. Ouais. Et donc, donc Kevin Yeager, lui qui, a, qui est donc un maquilleur euh, réputé, qui s'est fait la main, je crois, sur les Tales from the Crypt. Sur quelques épisodes, donc se retrouve catapulté euh, donc, euh, à la barre du film. Et ça, en fait, ça se passe plutôt bien, même si c'est un tournage assez épique, parce qu'il n'y a pas de thunes. Hein. Il se retrouve euh, vraiment à, quand même à foutre le film en boîte, et ça, ça a plutôt de la gueule. Et évidemment, là où ça commence à partir en, en live, etc., évidemment, c'est en post-production quand le, le montage arrive, parce que lui, Yager va jusqu'au bout de sa démarche, c'est-à-dire va tourner et monter son film, qui fait, je crois, 1h50, son cut pour se retrouver après devant des producteurs qui disent bon ben non en fait non c'est pas ce qu'on veut donc on va faire des, des retec de on, on va de monter de... on va remonter etc et donc on se retrouve euh, très, très vite avec un mec qui quitte le navire pour différents artistiques ouais, ouais, qui mais... se retrouve remplacé par Joey Chappelle qui est un réalisateur à l'époque âme euh, d'année euh, des Weinstein qui, 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 qui s'était fait remarquer entre guillemets par, euh, avec Halloween 6 hein, qui est sûrement le Pire Halloween de la saga. Oui, il a eu un peu les problèmes que Jaeger a eu dessus. un peu compliqué. Ouais, ouais. Mais en bon, il est connu. Moins... Mais, mais lui, en pour fait, il Joe est... Chappelle, en en il, il est ok avec, plus, les... Euh, ouais. avec les changements qu'on lui impose, quoi. Tu vois, Ken Jaeger euh, elle a la décence de dire, je me barre et je signe pas le film. Alors que uh, Joey Chappelle, euh, bon, ouais, ouais, ouais c'est bien, Halloween 6. Enfin, tu vois, c'est pas, ouais, pas, Il avait reshooté Mimi, aussi, je crois. Et ouais, enfin, c'était le Patrick Lucier de l'époque. Ouais. Tu vois, c'était l'âme d'année. Euh, sous, vraiment sous l'emprise des, des Weinstein quoi. et donc on se retrouve avec ce film euh, totalement euh... il faut peut-être raconter un peu en ce que, le... ça... oui, que j'allais dire, il voilà, faut qu'on le ouais. parce que c'est ouais. un film très, ouais, très ambitieux en fait c'est très ambitieux et moi je trouve plutôt une bonne idée en fait. c'est presque même la vraie suite euh, euh, presque logique je trouve de, de Hellraiser euh, de, de en tout cas si on doit euh, étendre un petit peu le, le, le lore quoi, la saga, c'est-à-dire que c'est un, un film qui se passe sur trois périodes euh, de temps, c'est-à-dire il y a « De nos jours » Il y a dans le passé, en fait, avec la, la, comment dire, euh, comment euh, le personnage de le marchand crée, en fait, justement, le cube euh, qui, à la base, est une commande, quoi. Et il y a le futur, en fait, où il y a tout, justement, ça s'appelle Bloodlines pour euh, les, comment dire... Euh, euh, l'héritage en, fait, euh, en fait la lignée voilà euh, euh, parce que justement en fait ça va ça va traiter absolument tous les descendants de le marchand en fait qui se retrouvent joués par le même acteur euh, voilà joué par le même comédien effectivement qui se retrouve en fait en gros à devoir gérer euh, bah, euh, <laughs> l'héritage du cube l'héritage enfin le, le comment dire euh, l'arrivée de pinhead euh, et, euh, et voilà quoi est-ce que ce que ce que enfin le fait que lui-même ait créé un espèce de portail pour une entrée pour le pour le, pour, le, pour, pour faire entrer l'enfer sur terre quoi et euh, Là où c'est assez ambitieux, c'est qu'on sent que, comment dire, par exemple, euh, les scènes du passé, sur le papier en tout cas, étaient plutôt pas mal écrites. Et aurait pu donner lieu à quelque chose d'assez intéressant et retrouver cet aspect justement vénéneux qui était dans le premier film. C'est-à-dire cet aspect vraiment euh, sous le vernis, on va dire, de la, de la bourgeoisie, de la noblesse et tout ça, etc. etc. En fait, traiter, euh, euh, comment dire, faire ressortir bah, le, le, le côté euh, sulfureux, le côté sadomaso. Voilà, en plus, on sait qu'en France, c'est quand même. enfin, Parce que ça se passe en France. Hein, donc. Avec Adam euh, Scott en perruque. Voilà, Adam Scott qui, 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 qui paraît-il, lui, était très très content pour le coup d'être dans le film. Parce qu'en fait, à l'époque, il cherchait vraiment à pouvoir tourner. Euh, c'est marrant parce qu'il ne le renie absolument pas du tout. Il était vraiment... Euh, comment dire Il a même, je crois, essayé de se présenter pour un autre réalisateur en espérant qu'on n'allait pas se rappeler de lui. <laughs> donc, en fait, euh, voilà. Quoi. Et, euh, et donc C'est quoi, comme quoi il essayait vraiment de, 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 de tourner à cette époque-là. Il n'était vraiment pas connu. Quoi. Adam Scott, on le précise quand même. Hein, Adam Scott, c'est le, le... Comment dire euh, euh, le, Ben Wyatt de Parks and Recreation. Voilà. C'est le, le... Comment dire C'est le frère... Euh, le, le, le frère dans Step Brothers, là, qui, 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 sa est, famille avec sa famille, de, sa famille parfaite de dégénérés. là. Est et, de euh, là. Hein, <laughs> voilà, non, il est génial, quoi. Il, franchement, il est génial dans ce rôle. En ouais, plus. Il est mortel. Il est en Piranha aussi, d'Alexa. Ah ouais, c'est vrai qu'il est là-dedans. Et donc, en fait, en gros, euh, tu, on sent, en fait, on va dire que, que, que tout ça, ça, ça pouvait refaire ressortir, en fait. Euh, en fait, on pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre, on va dire, avec une idée comme ça, c'est-à-dire vraiment, en fait, traiter le mal sur des générations et des générations, euh, lui donner une ampleur, en fait, dans le temps, euh, euh, retrouver, en fait, une, une, une norme, comment dire, la norme, en fait, du premier film, c'est-à-dire ce, ce côté, encore une fois, je, je l'ai dit régulièrement, mais vénéneux, ce côté, comment dire, euh, sale. Euh, derrière justement des atours de, 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 de noblesse et de comment dire voilà il y a même moi je trouve une idée de casting assez pertinente euh, pour la première fois en fait dans le comment dire euh euh, dans la saga depuis le premier, c'est le personnage Vargas. de Val Valentina Vargas, que je trouve extrêmement. Euh... Bon, elle. Mes personnages sacrifiés parce qu'au final, beaucoup de ces scènes ont été coupées, Totalement, notamment euh... les scènes dans le passé, toute sa rivalité avec Pined. Elle aurait dû être vraiment la grande antagoniste face à Pined et tout ça. C'est sacrifié. Elle-même, elle dit qu'elle ne reconnaît pas son film. Hein. Complètement. Et puis, mais le truc, c'est que comme elle vient du nom de la rose. Et que, bon, bah, y a, tu vois, il y a quand même un truc euh, qui. Il y a une espèce de filiation. En fait, il y a quelque chose de logique, en fait, dans l'avoir dans ce rôle-là, quoi. Et puis, c'est plutôt. Enfin, je veux dire, euh, elle, a, elle, a, elle a un physique assez particulier aussi. C'est à la fois une belle actrice, mais c'est aussi quelqu'un où on sent qu y a quelque chose derrière d'assez, euh, comment dire, ténébreux, quoi. Il y a fait, des scènes euh, coupées avec elle, notamment, au début, où elle devait se déshabiller, avoir un aspect monstrueux. Qui sont tout. dans le work-print Ouais. 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 Hein. Donc, euh, et, euh, et, euh, et voilà, donc, en fait, euh, mais tout ça, c'est effectivement un petit peu. Bon, déjà, c'est amenusé par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de budget. C'est-à-dire que c'est les Weinstein pour le coup font, le, font leur pince quoi. Ils décident de ne pas, de pas attribuer un budget conséquent pour faire, pour faire le film de cette manière-là. Même si j'imagine que le film en fait finalement avec les reshoots, il aurait il aurait pu euh, ils auraient fait ça. De, en de fait, il y, y a une calme. histoire de ils avaient mis je crois un budget à la base de, de, de 4 millions et comme ils sont euh, très frilos, ils demandent des contre-devis. Sauf qu'ils les demandent à ILM qui est genre la plus grosse boîte, qui du ouais. coup facture. Hyper cher. Et du coup, ils se disent, mais on est complètement hors budget, ça va pas marcher, donc il faut couper plein de trucs. Quoi. Donc forcément, ils se sont aussi emballés euh, et ils ont eu peur euh, pour rien, entre guillemets, parce que euh, bah, là, forcément, les, les effets n'allaient pas être faits par ALM et ils allaient coûter moins cher. Quoi. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il y a ça, et puis il y a cette notion que, euh, bah, comme le film est remonté, il devient presque incohérent. C'est-à-dire, euh, quand on le regarde, euh, moi je trouve qu'il des... y a des restes fascinants hein, dans, dans, dans le film. Mais euh, bon, euh, le film commence dans une station spatiale, tu te dis ok, c'est Pinette dans l'espace. Qu'est-ce qu qui se passe là C'est euh... comme Jason X. Quoi, tu vois ouais. Bon, même si c'est pas mal Jason X. Ça... Voilà, <laughs> <laughs> si, c'est rigolo. Personne te suit. Mais euh... ouais, non, bizarrement, Jason X, j'en suis vachement revenu. ça On en fera, <laughs> on en fera voilà. plus tard. Mais... Ouais. Non, non, mais pour revenir, donc, ouais, comme tu dis, c'est un film vraiment euh, dont la narration a été complètement mal menée au montage parce que... Donc, euh, il existe un fameux WorkPrint. Donc, le WorkPrint, c'est la, la, la version euh, tirée de la vide, enfin, fait, de la table de montage du réalisateur. Et euh, donc, c'est sans effets, sans étalonnage, sans mixage, sans effets spéciaux, etc. C'est vraiment ce que les rushs oui, bruts, euh, voilà, montés. C'est un WorkPrint qui était invisible pendant des années, qui, qui est donc maintenant, je crois, disponible sur euh, le coffret Zone 1 Raiser. Euh, je... Workprint que j'ai revu donc pour l'émission et qui, effectivement, euh, c'est pas du tout le même délire. C'est-à-dire que le, 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 la version qu'on connaît tous est segmentée en trois parties bien distinctes hein. tu vois, passé, présent, futur. Alors que le, le workprint euh, commence effectivement au XVIIIe siècle avec euh, le marchand, le vrai, l'original qui crée la boîte, puis qui va aller la donner à ce, ce, cette euh, ersatz du, mar du marquis de Sade. Euh, qui va, qui va créer donc Angélique, qui va être peut-être la première cénobite, tu vois, finalement, être créée via en tout cas cette boîte-là, qui va après revenir dans tous les films. C'est les origines de la boîte, ce n'est pas les origines de Pined. Et c'est là aussi que pour, pourquoi ça dérangeait aussi les Weinstein, parce que Pined, lui, comme on le sait, c'est Elliot Spencer de son vrai nom. C'est un officier de l'armée britannique mort, enfin, du moins, euh, qui ayant vécu euh, début XXe siècle. Donc il n'était pas du tout évidemment question de faire revenir Pined au XVIIIe siècle, ça aurait été une aberration totale. Et on se retrouve donc avec euh, Valentina Vargas qui pour moi mais bouffe le film, qui est totalement euh, fabuleuse, tu vois, qui, qui est vraiment la digne héritière de Julia avec ce personnage d'Angélique mais qui est sulfureux, qui est à la fois elle, Vargas, on en a tous à d'elle depuis le nom de la rose, mais, mais là ça, elle, pour moi elle rajoute une pierre à l'édifice avec son sexe incroyable et la, 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 cette tête mais incroyable qu'elle a. Et donc le film en fait quand tu vois le workprint, tu dis Ah oui, effectivement, ce n'est pas du tout la, la, la même approche, sur la, totalement la même histoire, finalement, les mêmes thématiques. Euh, c'est-à-dire que le, le workprint commence donc au 18e siècle et après va alterner avec euh, ce qui se passe à notre époque, entre guillemets c'est-à-dire au 20e siècle à l'époque. Ouais. Voilà. Donc, et, ça va être un aller-retour constant entre euh, le, 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 le passé et le présent, mais sans passer par la case future. Alors que le. le la version qu'on connaît ça commence directement, on doit directement, directement dans la station spatiale et c'est à la fin in infiné qu'on retrouve euh, l'héritier de le marchand enfin le, son, son le petit petit arrière petit, arrière petit fils euh... de le marchand dans cette station spatiale dans cette station spatiale pardon ou euh, alors on, les, les mecs arrivent euh, le swat euh, commando là arrive etc et après Pinhead est là et, euh, ça, ça déroule l'histoire qu'on connaît à part qu'on qu ne passe pas par la case euh, interrogatoire, évidemment. Alors qu'il y a ça, tu vois, avec euh, cette jeune euh, Rangers, là, qui va l'interviewer et qui va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Là, euh, ils arrivent, ah, qu'est-ce qui se passe, et d'un coup, bah ouais, attends, il y, y, euh, y a un chien cénobite, les cénobites sont déjà là. Et, euh, et, et vraiment, c'est un grand rendez-vous manqué, parce que quand tu vois la richesse des rushs, en fait qu'ils avaient à l'époque, et c'est surtout pour cette première partie qui est fascinante, le 18e siècle, parce que l'époque si, si prête, c'est une sorte de Barry Lyndon, tu vois, mais totalement glauquissime. Et en fait, tu te rends compte que l'imagerie des El Riser, elle fonctionne incroyablement bien avec cette époque-là. C'était fait pour, tu vois, être... Fait avec des gens, avec des perruques. Il y a avec le côté des... euh, des... court, euh, hyper décadent. Exactement, exactement ça. Et tu cette fameuse scène a Fait fantasmer des gens pendant des années, et qui est donc visible sur le working mais d'une qualité dégueulasse. Hein, c'est du VHS RIP, tu vois. Donc, c'est ça, a très mal vieilli. Il faut un peu froncer les, froncer les yeux, etc. Ou où, où, une fois revenu à la vie, euh, euh, Valentina Vargas, donc euh, Angélique, toute poudrée de blanc, elle, elle en est méconnaissable, elle, elle, est, elle est effrayante, avec une énorme perruque à la pompadour, se présente nue à toute une, une assemblée de notables qui sont les amis, tu comprends, du, euh, du mec qui l'a créé, tu vois, et, et qui commence à se, à se Désappeler devant enlever son corset, une sorte de striptease assez glauque. Eux, ils sont vraiment, tu vois, ils sont contents, ils sont là à petit peu dégueulasse à dire, ah super, elle se déshabille. Et évidemment, une fois qu'elle ouvre son corset pour dévoiler sa poitrine, même si les effets sont pas finis, il y a des encarts, tu vois, marqué, c'est marqué FX, FX, les chaînes attaquent, tu vois, donc c'est pas finalisé du tout. Et donc, elle les tue tous avec ses pouvoirs de et les transforme à son tour. Donc en cénobite, euh, mais décadent, en marquise, dégueulasse, etc. Et ça marche, et c'est sublime. Et tu dis, c'est vraiment con, tu vois, d'avoir laissé tout ça sur une table de montage, alors que les mecs, c'était filmé, c'était là, c'est vraiment dommage. Pour euh, finalement, tu vois, la séquence, elle marche vachement bien hein, au XVIIIe siècle. Moi, c'est ma partie préférée du film. Oui, parce qu'au final, ils sont partis beaucoup plus en 2000, je crois que c'est 2127, enfin dans, 1227, euh, dans le ouais. futur. Quoi. Mais, euh, mais tu vois, pour cette fameuse, euh, fa fameuse, euh, ce fameux épisode au XVIIIe siècle. Ils en ont gardé que la création de d'Angélique finalement, ce qui est assez dommage. Tu vois, donc alors qu'il y avait beaucoup plus. C'est pour ça que je pense que Vargas après était ultra déçu. On bah, on me voit pas parce qu'après elle a peut-être le plus beau look de Cénobite euh, de, de l'histoire de la saga, hormis évidemment Pinhead. Tu vois, elle a quand même elle est, elle est incroyable son design. Il est d'une pureté, tu vois, juste fondu et la peau tirée sur les côtés avec des avec des chaînes. Et tu la vois, si, mais quasiment pas. En fait, elle est tout le temps au second plan. Évidemment, comme tu le disais Marie. Toute sa confrontation avec pinette parce qu'elle elle vient en fait pour prendre un c'est une... à la base c'est une paysanne qui s'est fait euh, tu vois qui s'est fait complètement avoir par, par des nobles parce qu'elle crevait de faim et tu sens qu'elle veut sa vengeance aussi comme julia et tu vois donc euh, il paraît que dans les scènes coupées que tu as pas dans le work paint par contre ouais c'est pas si elle a développé que ça parce que le, le... je pense que le workpunk était aussi un complexe. C'était pas non plus le cut du mec d'une heure cinquante donc tout ça, c'est passé à la trappe et c'est vrai, vraiment dommage. Et la différence la plus notable après, évidemment, c'est aussi euh, le final. C'est-à-dire que euh, dans la version validée euh, qu'on a vue par les Weinstein, euh, Pinette se fait complètement bluffer, euh, se fait avoir pardon, euh, par euh, donc, euh, le personnage de, de euh, Ramsey, euh, comment il Bruce Ramsey, euh, l'acteur, qui, qui, qui en fait le, le trompe via un hologramme. En fait, le mec est dans une, une, petite, euh, une petite... un petit engin spatial prêt à s'échapper alors que tout va péter dans, le, dans la, cette station orbitale. Et Pined s'est fait avoir et se retrouve au milieu de l'explosion parce qu'il pensait parler au mec, en fait. Non, mais euh, mais c'est ça, il crée avec un missile dans le cul, quoi. C'est-à-dire, cette cette le traites pas, donc, en et fait. Donc, et donc, la vraie, une fin, personne, quoi, la vraie fin du workprint, en fait, était quand même globalement la même, mais beaucoup plus nihiliste, c'est qu'en fait, Ramsey euh, ne, ne dupait pas euh, Pined. Il y avait une vraie confrontation orale entre deux, tu vois, où tu comptes comprenait que Ramsey en fait, une... se prenait lui-même pour Pined, d'où son crâne rasé, il s'habillait en noir, etc. Et ils mouraient tous les deux. C'est-à-dire qu'il en... Il... en serrait Pined euh, autour des Cénobites qui le regardaient, tu vois, parce qu'il y a les Twins un peu chelous, il, les... il y a le chien, qui était vraiment assez rigolo à l'époque, et donc euh, Valentina Vargas, et il faisait péter la station euh, spatiale et mourait avec Pined, qui était une fois quand même un peu plus cool et couillu que, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin du 4 qu'on a, c'est quand même... Euh... Un plan sur la terre avec le petit vaisseau qui part vers la terre, genre on est euh, sauvé, ok, euh... générique. De toute façon, c'est la problématique, en fait, de, de, je pense, de tout, tu l'as résumé, <laughs> la problématique de tous les risers qui vont venir derrière, en fait. Et c'est déjà un peu dans le 3 là, hein. c'est cette espèce de notion, en fait, qu'en gros, on peut duper. Enfin, je veux dire, quand t'as l'enfer qui arrive sur terre pour te regarder et te dire, bon, maintenant, tu viens avec moi. Vraiment, c'est fini. Hein. Mais tu peux pas. qu'ils sont rentrés diable. dans la pièce, c'est terminé, je pense, tu vois Et en fait, t'as toujours un espèce de truc où les mecs ils contrôlent ça et tout le monde, monde s'en sort proprement et tout va bien. Ah, surtout et... qu'après, Doug Bradley, tu vas le faire des. Je suis pas voir Non mais c'est ça quoi. Oh, et et oh. c'est vrai que c'est vrai c'est du gâchis parce que je pense que c'était, ça se voit en fait encore dans cette version là. Que c'est la bonne idée en fait pour aborder, euh, aborder euh, plus que le 2, plus que le 3. Ouais. C'est vraiment la ouais, bonne idée pour aborder le Razor. C'est un énorme rendez-vous manqué, un peu comme toute la saga au final, euh, mm -hmm. parce que là on va avancer sur les suites mm -hmm. qui sont catastrophiques. Ça, c'est le dernier Razor qui sort en salle. Euh, il pas marche... en France. Hein. Oui, oui aux... je parle toujours ouais. aux États-Unis. En France, on n'a même euh... pas eu le 3, hein. ouais, on ouais. A avec le 1 et le 2. Hein. Mm -hmm. et le 4, il est sorti en France. Ah ouais, quand il est sorti en salle euh, ah je l'ai vu en salle. c'était sorti bien après les États-Unis, parce que au... c'est sorti en 96. Ah, comment dire C'était sorti en 96. Sortie technique euh... alors, non ouais ouais ouais, 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 complètement. Un petit truc Ouais, ouais, mais, mais c'était ah ouais. sorti en... le 4 juin 1997, je crois. Voilà. Ouais. C'est euh... non, mais, non, mais son incroyable talent, il connaît toutes les dates de sortie. Mais le truc, c'est que c'est vraiment en fait. Si, si, c'était sorti en salle, mais vraiment en catimini, et un an et demi après les États-Unis. Bon, mais il faut qu'on avance un petit peu parce que, parce que le temps presse. Mmh. Euh, ensuite, moi, c'est la partie de l'émission que j'ai appelée la descente aux enfers. Ouais. Tout ce qui se passe après le 4, c'est très compliqué. C'est une espèce d'enfer de, de DTV euh, qui existe pour pas partre, pour pas perdre les droits de la franchise, qui sont souvent des scénarios d'autres films dans lesquels on fait rentrer les cénobites au pieds ou on met Pinhead histoire de dire Regardez, on a fait un Hellraiser On euh, fout sur la jaquette, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Euh, bah, pour, le, pour, voilà pour, le, pour le vendre. Euh, Peut-être qu'on peut parler très vite fait du Scott Derrickson dont tu me parlais, Stéphane, par message. Ah, c'est un film. Je, 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 je l'avais jamais vu, hein, donc je l'ai maté pour cette émission. Moi, je m'étais vraiment arrêté au 4, quoi. Euh, mais bon, ça m'apprendra de suggérer. <laughs> suggérer ces bah oui, oui c'est pour ça que je te lance ah, dessus. Hein. Voilà. Non, mais le truc, c'est que tu l'as vu, toi. Oui, voilà. j'ai bon, vu, vu à l'époque. Euh... déjà, pour moi, le problème, c'est que c'est un mec qui fait du cinéma d'horreur, mais c'est un curé. Ah bah gars, donc, complètement, en fait, mais il l'avoue. Euh, mais il l'avoue, je sais, mais en fait, de toute façon, tu peux pas le louper quand tu regardes les films. On est dans un espèce de récit. En gros, il y a un espèce de privé un peu dégueulasse euh, qui se retrouve, euh, comment dire, accusé d'un meurtre, le meurtre d'une prostituée avec qui il a passé une nuit la veille, et qui en gros euh, veut, euh, comment dire, euh, s'innocenter, parce qu'il est, il estime qu'il n'a rien fait. Et en gros, euh, comment dire, euh, dans les, euh, je sais pas trois dernières minutes en fait euh, comprend qu'il est la victime de Pinette quoi enfin bon bref mais euh, voilà c'est C'était ah, à la base un, un, un autre scénario donc sixième acte qui s'appelait Oscar que... ouais, ouais, mais... était proposé par Dickerson je crois ou même au Weinstein hein, et que euh, il et il a... Erickson, pardon. C est, c est euh, ouais, ouais, c Ernest. c'est euh, ouais. Un autre réalisateur mais qui fait des super. films sy sympathiquement nuls. Ah. En, en euh, fait, c'est un ouais. scénario qu'il avait écrit avec son comparse ce Polaris Boardman C'était une histoire de Serial Killer qui prenait la poussière sur leurs étagères. Et euh, ils l'ont proposé... Ça, euh, se voit, ça se ouais, voit ouais. que c'est... En fait, ils euh, l'ont proposé au <rire> Dimension <rire> Film qui a fait Ok, on va rajouter Pined et on va et faire un super, super film. Et en fait, le truc, c'est que là où ça fonctionne... Alors, Erickson s'en défend. Il dit apparemment que non, non, ça a toujours été pensé et pitché comme un film d'El Riser. Euh, hein, voilà. et, et, et de l'autre côté, c'est Doug Bradley qui dit pas du tout euh, c'était un, un autre scénario à la base. Effectivement, c'est tellement flagrant parce qu'il apparaît littéralement trois minutes à la fin. Je veux dire... Les Westen, après, après, les Weinstein ils font chier, ils font chier, euh, ils font chier euh, Kevin Yeager sur euh, parce qu'il apparaît au bout de 40 minutes dans le précédent. Et t'as envie de dire mais vous, là, il y est pas du tout. En fait, le gars, tu vois, c'est ouais. littéralement. Euh... Le film est, est pas bon, mais pour le coup, tu vois, moi ouais, je il trouve est pas, que... pas bon. Euh, Alex, il est nul. <laughs> il, un... il est ici. Ouais, mais après, c'est pas bon parce qu'après, ça va être encore pire. Ouais, ouais. Donc il faut trouver un peu ouais, des mais... faut, faut un, faut à minima ouais, parce qu'il y a quand même ouais, quelques qualités. Pour les bifrons, on va les regarder tous. Non, non, parce que tu vois, moi j'espère. Moi, tu vois, moi ce que j'aime entre guillemets, j'aime pas le Film. Hein. Mais par contre, euh, je trouve qu'il y a eu. Euh, principal. Un, un, un Non, mais il y a eu. Euh, bon. Non, mais lui, par contre, il est cool, est le Non, il était déjà dans Nightbreed lui, c'est le héros de Nightbreed. Peut-être, mais il est nul. Non, il est bon, pas bon, si bref. mal. Mais non, c'est par contre, ce qui est, ce qui est plutôt intéressant, c'est de revoir les, les Cénobites traités à nouveau de façon moins grand-guignol qu'ils le sont à partir du 3, où vraiment, moi, je trouve que le 3, c'est les pires fautes de goût concernant les Cénobites, avec justement la caméra, etc. Le etc. Mmh. Et là, on se retrouve avec quand même. Des trucs quand même un peu plus entre guillemets soft, mais beaucoup plus marquants, comme ce cénobite QJAT, mine de rien, qui, qui est un véritable acteur QJAT euh, maquillé et qui est très impactant, quoi. Et, euh, et d'autres cénobites qui sont beaucoup plus sobres, mais finalement, la sobriété leur va plutôt bien aux cénobites parce qu'ils n'ont pas besoin non plus justement d'avoir des caméras et mmh. des. etc. Et c'était pour moi le seul atout du film, c'était au moins ils vraiment un euh, ouais euh, non mais c'est euh, pour chercher quelques qualités au film non mais, mais c'est parce qu'après on aura aussi, rien vois, à sauver mais, mais après moi j'ai envie de dire enfin le, le seul truc qui, qui, qui était potentiellement intéressant c'est euh, l'idée de croiser le film noir avec euh, avec euh, Hellraiser mais en vrai, le problème, et il ben, faut évidemment, faut pas demander ça à Derrickson, parce qu'encore une fois, le gars, il. Enfin, je veux dire, il y a une phrase euh, en latin à la fin, je, je me rappelle plus exactement ce qu'elle dit, mais j'étais allé chercher la, 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 la traduction, il y a mis une phrase en latin dans le générique de fin, pour s'excuser, genre, pardon Dieu, quoi, excuse-moi. Ouais, genre, <laughs> j'ai blasphémé. Euh, euh... J'ai blasphémé, j'ai fait un Hellraiser. Donc, bah, on en est vraiment, ouais, là, ouais. tu t'as envie de lui dire, ok, mon gars, mais bah, c'est. Faut pas, faut pas, hein, fais des, fais fait des bon dieus tout. C'est un film que. Ouais, hein, ouais. C'est un film que Clive Barker déteste, il dit que. Euh, Inferno c'est pas du tout un Razer. Euh, même euh, Doug Bradley il m'a pas ses mots sur le film il dit qu'en gros il est venu euh, pour, le, pour un gros chèque parce qu'avec sa femme il était un peu juste à ce moment là et, et <laughs> voilà il a fait trois jours de tournage et il était content et lui il dit qu'il est quand même reconnaissant parce que Pinette c'est ce qu'il a fait vivre euh, plus ou moins toute sa oui, vie oui, donc voilà sûr, et ça nous amène. Non, non, mais parce que le ah, truc, que je voulais juste terminer sur ce point-là. Je me dis, en fait, le côté, je le, le film noir avec, euh, comment dire, avec Hellraiser. Si c'est fait à la Alex si c'est fait à la, comment dire, avec un espèce de référent à, 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 à comment dire, à l'expressionnisme allemand, à ce genre de choses, tu te dis pourquoi pas, en fait. Mmh. Ça, ça peut, on peut coller, en fait, les deux univers fantastiques et essayer de les croiser. Et à défaut de faire un grand film, faire un film intéressant. Et tu te dis, normalement, ces films-là qui coûtent rien du tout. Euh, et là, ça vaut vraiment pour tous les autres hein, derrière. Si c'est que tu te dis, à minima, les mecs ils pourraient au moins tester des trucs. Et en fait, le problème c'est qu'ils testent rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun des films qui teste quelque chose. Quoi. Ah, après, ils ont plus les euh... moyens de tester quoi que ce soit aussi. Hein, non, mais, même sur le papier. Je, vois, je veux dire, c est, c est ça. le blueprint en fait de celui-là, c'est en fait un, en gros un gars qui est entre, entre euh, réalité et, et, et comment dire, et cauchemar. Tu vois, qui se dit mais qu'est-ce qui se passe, qui tourne la tête et qui dit mais c'est pas possible, on est en train de me duper, etc. C'est le blueprint de trois films qui vont suivre. C'est-à-dire c'est trois, trois films où il se passe rien parce qu'il faut le dire, tu... c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de, il y a pas de gore, il n'y a pas de monstre, il y a rien. C'est pas possible quoi. Ça, ça, ça nous amène à l'enfer des, des trois Rick Botta Rick Botta, Alors c'est graduel aussi là quand même. Enfin quoi que. En fait, euh, alors c'est vrai que moi je me suis tout tapé d'un coup. Toi tu les as pas revus je suis sûr tu les avais tu les avais vu ah mais je les avais vu à l'époque quoi ils les avaient chroniqué pour match je crois même ouais c'est ça je pense donc moi je me souviens un peu quand même un bottin qui sont il y en a un en fait où où c'est l'histoire de du mari c'est el sieker ouais avec le retour d'ashley leon el sieker c'est celui ouais c'est ça avec le retour d'ashley Laurent et l'actrice de kirsty quoi qui joue kirsty où ils essayent de boucler son intrigue mais alors bon c'est c'est pareil en fait, c'est quand même une énorme blague c'est à dire que faut revenir l'actrice la scène d'ouverture, c'est un crash de bagnole, où déjà, la première scène littéralement, on est bien d'accord, c'est celui-là, la scène, elle lui fait des guillis, ils se font des guillis dans la bagnole, <laughs> et en fait, la bagnole, elle a un accident. Oui, ah ouais. mais, mais alors ça, c'est oui, parce qu'à la base, il devait avoir un accident, parce qu'il y avait un bouc sur la route, mais ils n'avaient pas les moyens pour le bouc, on en est là, pas ouais, les moyens d'avoir un bouc. Mais book. en fait, je sais pas, mettez un mec qui traverse, mettez un, un extra, mettez un mec de, de, de l'équipe, parce que là, ils se font des guillis. C'est la scène d'ouverture, ils se font des guillis, en fait, c'est pour ça qu'ils qu tombent dans le, dans, le dans le truc. Donc, dans le récit, elle meurt, ou en tout cas, elle disparaît, elle disparaît. si tu veux, voilà. Lui, il dit, mais. Il, se, il, se, il ressort de l'eau en fait, de l'accident. Il dit mais euh, mais ma femme, ma femme que j'aimais tant, que que j'allais que j'allais épouser ou que je ne sais quoi, tu etc. etc. Euh, où est-ce qu'elle est, qu est Et les mecs commencent un peu à le comment dire, l'interroger là-dessus. Il est lui-même en train d'évoluer entre rêve et cauchemar, sans comprendre ce qui se passe en fait, parce que il a une relation avec la voisine, mais en fait pas du tout. Finalement, quand il retourne la voir, la voisine, elle est, elle comment dire, elle lui dit mais t'es qui Me touche pas en fait et son son gros gars l'envoie le, le, chier tout ça, etc. etc. T'as tout un tas de trucs comme ça. Qui, je pense, en fait, à un dans le scénario sont vaguement justifiés parce qu'il y a des mecs qui opèrent son cerveau et qui, en fait, si tu veux, lui, lui foutent un coup de pic comme ça sur la tronche pour. Euh, voilà. Euh, et tu te dis, bon, bah voilà, en fait, on justifie pourquoi on passe de, entre rêve et cauchemar et tout. Tout ça pour que tu te rends compte à la fin. Là, je spoil, hein, On avance vraiment vite, tu vois. Euh, ouais, je je sais fou pas fou si tu t'en te rappelles si tu veux rajouter. quelque non, chose. Non, que Pined ouais, ouais, euh, et que, en fait, non, non, que Pinhead, en fait, que Pinette a passé un deal avec, euh, avec euh, euh, Kirsty, non, pour, comment dire, pour que, pour qu'en fait, si tu veux, euh, elle lui foute la paix pour le reste de, de, de la saga. <laughs> je sais pas, pour le reste de son, de sa vie, quoi. Et en fait, elle doit lui livrer cinq âmes. Et les cinq âmes qu'elle va lui livrer, c'est euh, voilà, il finit son mari puisque c'est un ouais. connard qui l'a trompé avec toutes les personnes en fait qui, euh, qui, qui croisent son, son entourage en fait voilà et en fait en gros le 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 poteau rose hein, c'est que euh, il allait l'épouser l'a tuer pour récupérer son héritage il avait un, un de ses collègues qui allait, qui travaillait avec lui etc etc sauf que le truc si tu veux c'est que là où tu te dis que c'est quand même complètement débile c'est que vous ils vont chercher Bon, la pinay, il apparaît encore 3 minutes 30, hein, c est, c est, on en est là. Et en fait, ils vont chercher l'actrice du film original, et ils essayent de boucler le récit autour de ce personnage-là, elle apparaît littéralement 3 minutes aussi, elle. -dire, voilà et elle est machiavélique hein, c'est-à-dire qu'elle a pas, elle a passé tout ce deal avec euh, avec Pinette pour que Pinette lui foute la paix quoi tu vois en gros quoi et, euh, et vraiment non mais c'est et là tu te dis bon bah en fait c'était bouclé avec le 2 hein, c'était pas la peine de la faire revenir c'était pour faire ça quoi voilà alors le suivant par contre euh, bon, alors en tout cas ouais c'est en tout cas à ce moment-là euh, l'équipe a interdiction d'entrer en contact avec Clive Barker qui ne doit même pas savoir que le film <laughs> se existe. fait alors lui pour l'anecdote il l'a appris euh, en, euh, quand il s'est fait transporter par un chauffeur qui lui a dit ah oh, bah si j'amène un un comédien l'autre jour sur le tournage de Hellraiser donc il l'a quand même appris il avait des sur la tête et tout il avait <laughs> des pics et tout et euh... Et voilà. Bon, en tout cas, il y a le suivant qui s'appelle Dæder. Donc c'est retiré d'un scénario préexistant. Ouais, voilà, d'un scénario qui n'a rien à voir. C'est une histoire de secte avec un gourou qui tue ses disciples pour les ressusciter. Euh, et ensuite, il y a des monstres. Ah oui, ça. Donc ça, c'est très compliqué à faire avec un petit budget. Donc euh, le, sc... le, je crois que c'est le scénariste du précédent qui retravaille aussi ce scénario-là. Euh, et à ce moment-là, on lui donne avec le scénar, on lui donne les DVD de Ring et de Cairo parce qu'en en fait, là, à ce moment-là, ils veulent aller vers l'horreur japonaise. où c'est vraiment, c'est les trucs qui marchent donc ça, hein. tu réécris non pas du tout ouais. et, euh, mais dans tous les cas ça voulait... vidéo ça quoi. voulait pas non plus aller vers du vers du Hellraiser euh... c'est avec Carrie Ru... c'est hein. ça celui-là je crois c'est celui avec ouais ouais c'est celui-là ouais. et, et du coup c'est encore un film vraiment fauché alors officiellement c'est 5 millions mais personne n'y croit ouais. ah, non mais vraiment là c'est même plus gonflé c'est ah, mentir 000, ouais. éhontément euh, c'est tourné en Roumanie euh, et dans la foulée il tourne le suivant Hellworld parce qu'il faut vraiment faire des économies donc euh, quand les je acteurs s'en vont le, le réel lui reste sur place pour... Je crois euh... que c'était un deal avec les studios non Les ouais. studios en Roumanie pour pouvoir justement... Ouais ouais et en fait ouais. pour voilà, on maximise les coûts et on fait le suivant qui est une catastrophe avec un groupe d'ados qui reçoit une invitation ouais, pour mais un truc qui s'appelle L-World C'est une réalité virtuelle, virtuelle je crois ouais. Ça. Ouais. Non non c'est pas ça c'est qu'en fait ils jouent un jeu vidéo un jeu en World. qui s'appelle l Voilà et, 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 et en gros euh, le film commence par un adolescent qui... enfin l'enterrement d'un adolescent qui a joué un petit peu trop aux jeux vidéo <laughs> C'est dans celui-là qu'il y a euh, Yang Henrik Cavill tout ouais, jeune euh... et euh, Catherine en... euh, Catherine Wenick la lagarta de Viking, vous ne regardez pas Viking Non, non. C'est la blonde. Mais en fait, vous n'avez pas vu Viking Arrêtez, arrêtons de parler d'Eric Botat. sérieusement, vous n'avez pas vu Viking C'est non. Viking. J'ai pas le temps, moi, je suis de regarder Arrête d'ajouter le podcast et continuons sur El Risor. Il fait regarder toutes ces sagas pourries. J'ai pas le temps de regarder autre chose. Quand tu vas voir Viking, quand tu vas voir la Lagarta, tu laisse tomber. Ok. ouais, je trouve ça ouf. Alain, j'ai l'impression que tu connais Viking. La première saison, ouais. Bon allez, voilà. continuons. Je te rappelle que tu es en train d'apprendre voilà. ça, ça me revient, voilà et, et le truc c'est que, que donc en fait t'as un adolescent qui se fait tuer euh, comment dire enfin qui, qui se suicide, se suicide. Je, crois, si je dis pas de bêtises. En fait c'est ça, en fait c'est recyclage d'un script dans lequel euh, le père d'un fils qui s'est suicidé se venge contre ses amis parce qu'il les tient pour responsables euh, voilà. Voilà. le père c'est voilà, oui, oui. déjà va. Qu'est-ce qu'il fait là pauvre garçon bien C'est tu vois, c'est Lance Aixen, donc c'est plutôt sympa. Il a toujours sa voix et tout ça, etc. Moi, j'adore Lance Aixen. Ouais, donc, euh, voilà. Donc, euh, je veux dire, au moins, j'étais, euh, tu vois, quand j'ai lancé le film, on va dire, si tu veux, ah, parce que moi, je me suis tous bouffé ce week-end, là. Euh, je veux dire, euh, les, toutes les merdes comme ça. J'étais content de le voir débarquer. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, je me suis dit. Ah ouais, en fait, ça se passe parce que le film est sorti en 2005, mais effectivement, ils ont shooté back to back avec le précédent. Donc, ils se sont dit, bon, alors, qu'est-ce qu'ils aiment, les jeunes Ils aiment les jeux vidéo. Alors, on va mettre des jeux vidéo dans le truc et tout, mais pas trop, parce qu'on n'a pas le budget pour en créer. Et en fait, ils mettent effectivement Henri Caville en mode têteille total, mais vraiment, tu vois, il est. Franchement, il. C'est l'idiot du groupe, quoi. Ah ouais, puis il n'est pas fini, quoi, encore, là, dans ce film, quoi. Il y a des fœtus. Dans un comment dire dans des bocaux donc ça c'est sympa il y a toujours ces singes moi j'aime bien quand il y a des fœtus dans les films euh, oh. il y a mais des créatures tu vois c'est spécifique, okay. bah, spécifique mais au moins toi je t'ai on me dit il y a des fœtus il y a pas de fœtus dans le précédent il y a pas de fœtus dans le clock d'Erikson donc voilà et en gros euh, et euh, t'as et des petits meurtres à la con c'est à dire des mecs qui sont découpés en, en saucissons là tu vois comme ça par des trucs et tout alors après c'est complètement débile enfin, c'est à dire que en gros tous les meurtres sont commis par, euh, par euh, comment dire c'est un truc de vengeance par euh, euh, comment euh, Lontsen Je veux dire si tu regardes ça comme j'ai plus regardé d'un œil torve tu te dis euh, mais attends mais c'est pined ou mais pas du tout <laughs> en fait ouais. parce qu'il y a des moments où il est superposé dans le montage parce que mec il se dit putain il a pas pinette dans ce putain de film donc pour on va le, le mettre pinette à la place de lance à donc moi j'étais en train de me dire mais alors c'est quoi c'est pinette qui possède un gars ça marche comment c'est quoi ce nouveau truc tu vois et en fait pas du tout en fait à la fin t'as pinette qui retrouve lance à parce qu'il faut quand même bien boucler les affaires tu vois et qui lui dit mais je t'ai cherché depuis longtemps mon petit père et maintenant on va te saucissonner toi aussi et il l'attrape <laughs> tu vois donc tu te dis mais pinette n'est donc pas lance c'est vrai mais heureusement qu'il y a la scène finale pour me l'expliquer donc c'est vraiment voilà donc c'est com complètement nul hein que, que, que les choses soient claires mais il se passe des trucs c'est à dire plus que dans les précédents plus que là c'est vraiment... suivants ouais parce que ça là ça nous amène aux ah, voilà. deux derniers euh, t'as vu comme elle a envie d'avancer bah non euh, mais en fait, fait on a des impératifs horaires euh, non, non mais en fait ah, bon, ouais, on va louper mon train en <laughs> plus non, voilà, non, non mais on va louper son train pour ça c'est un peu triste non non mais en fait on, a, on arrive aux deux derniers euh, qui sont euh, encore pires c'est le dernier de, avec Doug Bradley ça on l'avait précisé mais il faut le redire ouais Victor Garcia qui entre en jeu ouais Comment il s'appelle C'est... Revelations et Judgment, c'est le dernier. Prends le mot-clé Hellraiser et mets un autre mot-clé. <laughs> Revelations, Judgment, tu vois. Ah ouais, ça, ça c'est interchangeable. Route, tu vois, ça pourrait être n'importe quoi. C'est bon typiquement le film, en fait, tu vois, qui a été fait euh, donc C'est quelle année, ça 2011. 2011. Donc, tu vois, nous, on était déjà passé euh, Nous, on a travaillé dessus en 2007, 2008. Sur, ouais, 2007 et 2008. Donc, tu vois, et on... Et là, c'est typiquement là, le film fait pour euh, pas perdre les droits. Mmh. Tu vois, parce qu'il mmh. faut savoir que, euh, voilà, que les droits se perdent des films. Si jamais, euh, contractuellement, des images ne sont pas tournées ou des films ne sont pas faits, bah, les droits reviennent à, à... aux ayants droits initiaux, ou etc. À Barker, ou à Clive hein. Barker. Et là, tu sens vraiment que c'est de la merde shootée, mais euh... Parce que Victor Garcia, c'est chaud quand même. Toi, Victor Garcia, tu vois, c'est un mec qui s'est fait connaître par, euh, je crois, que le, la, la suite de Mirrors ouais. d'Alexa Un grand réel de DTV de la suite de la maison de l'horreur qui était déjà un remake d'un film de William Castle donc c'est pas tu vois un grand grand esthète un hein, Victor Garcia et c'est chaud et moi pour le, pour le coup celui-là moi je trouve le film je trouve le film pardon mais totalement irregardable mais vraiment d'un pur point de vue formel c'est-à-dire ouais. que tu vois Edward c'est nul on est d'accord mais euh, moi, comme dit Steph, bon, je ne l'ai pas revu hein, pour être honnête, pour, pour le podcast. J'avais vu Elward à l'époque, mais, mais oui, tu vois, vois c'était bon, encore est... shooté. Mais alors là, tu sens que le phone footage est passé derrière. Mais surtout, ah oui, surtout le phone footage, euh... parfois, il l'abandonne. Parfois, tu as l'impression qu'ils regardent un souvenir. enfin Ils ont récupéré des images. Bon, ces deux garçons qui ont fui vers le Mexique. Et ils euh... vont se taper des prostituées à Tijuana, en gros. Voilà. Hein, et c'est juste ouais, c est, c est... et en plus c'est horrible complètement enfin, en fait. y en a un qui prend la peau de l'autre il est possédé il revient ouais. il bute des prostituées ouais, vois, complètement gratos enfin non mais y a, ah, le y a film plus est aucun incompréhensible sens. en fait et, et ouais. en fait tu ne sais pas comment la famille a récupéré les bandes via la police ou je sais pas quoi donc ils regardent ça à un moment c'est du et oui et un moment c'est du fin oui. <laughs> de footage et puis le principe disparaît parce qu'on repart c'est hyper moche enfin rien de... Tu as une espèce de scène où effectivement quand tu regardes le film encore une fois d'un œil tort tu te dis mais, mais il est en train d'embrasser sa sœur le mec là oui <laughs> en fait, exactement ouais, et en fait apparemment non et en gros si tu veux c'est enfin il y a tout un espèce de truc comme ça et Pinette Pinette qui est joué par le mec de la cantine mais non mais c'est rien toi on a besoin peut-être n'a pas casté Pinette les mecs qu'est-ce qui se passe en plus Pinette il est joué à moitié par deux acteurs parce que c'est un cascadeur qui de temps en temps fait l'acteur qui s'appelle Stephen Smith-Collins qui le joue mais c'est Fred Tatachior qui joue qui fait sa voix en fait une voix de l'animation assez prisée après la voix de Bradley est vachement retravaillée parce que justement oui. Je fais une parenthèse là-dessus, Marie, parce que en, en voyant le workprint du 4, justement sans effet, et du coup Pinette joue avec, avec la Mais vraie voix du de <laughs> mine de rien, ça perd. Tu ouais, vois, oui, il oui, a une voix oui. ultra ténèbre, et là ouais. d'un coup, avec sa vraie voix, tu vois, bof. Et et donc là, c'est donc, un film qui a écrit par euh, Gary Tunicliffe, qui est maquilleur sur les précédents films. Euh, il a tourné un petit court-métrage de 4 minutes sur Hellraiser, et c'est là que Bob Weinstein lui propose d'écrire le suivant. Alors, le budget, on parle de... Ah, t'es 100... passé au suivant déjà Non, non, temps, non, 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 non est je, suis toujours, ah ouais, non, ah ouais, je suis toujours sur celui-là. On, on est entre 150 000 et 300 000 dollars, 12 jours de tournage, une, série, euh, une seule caméra, donc c'est vraiment... Un truc qui est digne d'une série Z, quoi. Et, euh, et euh, j'ai une citation de Clive Barker sur ce film qui dit Je n'ai rien à voir avec ce tas de merde. Donc ouais. voilà, ça donne, ça donne une idée. On sur la jaquette. Tu, <laughs> tu m'as paumé, mais en fait, on est, je suis paumé dans les films. Là, là tu parles la... de Judgment. Non, non, là, je suis toujours sur Revelation. Euh... Victor Garcia, toujours. D'accord, ok. Tunicliffe, c'est le, le scénariste, et il va réaliser le suivant Oui, parce que Tunicliffe, voilà, il, a voilà. Tuniclip, il fait, fait à la base des effets spéciaux. Ouais, voilà, c'est ouais, ça. Ouais. Il a à partir avis. du 3. Il réalise. a depuis longtemps. C'est un des gardiens du temple. Un budget aussi dans les 300 000 dollars, 3 semaines de tournage. Euh, pff, le pareil pique, alors ça c'est. Je, je, je en gros c'est deux flics qui, qui, qui enquêtent sur un serial killer et en gros, euh, en gros ce qui se passe c'est qu'il il y a une troisième fliquette qui arrive au milieu du truc et euh, et alors pourquoi, pourquoi ils sont connectés à, 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 à Pinet je me rappelle que je l'ai vu hier et en fait le truc assez génial c'est que en fait, ça, ça commence déjà par une scène mais qui est une scène où tu te dis c'est une blague en fait la scène c'est-à-dire que le mec, en fait, il peut pas être le gardien du temps comme tu dis, là, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu as quand même une scène où tu as un Cénobite... Euh... Ah non, attends, on reviendra sur Tunic Cliff, parce qu'on euh, ouais, ouais, mais... l'a connu un peu. Et, ah euh, ouais, non, ouais bien ah sûr. Ouais, ah Tunic Cliff, il est toujours été euh, aux abois sur la série, et avec ce désir de réaliser. Effectivement, il s'est toujours, lui-même, lui, lui -même, posé comme le gardien du temps. Oui, ouais ouais, ouais parce que pas là, pas moi pas tout est... à non 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 gardien du temple ouais, non. Et, en gros, et en gros là il fait une scène d'ouverture où il y a un comment dire un pouilleux un... dégueulasse là qui qui apparemment euh, comment dire pédophile et je sais pas quoi etc etc qui se retrouve en fait euh, euh, dans une espèce d'antichambre de l'enfer mais en gros c'est c'est la cave de sceau, quoi. En gros, hein, c'est dégueulasse comme ça, quoi. C'est très et torture euh... porn, tous ces films-là. On ne ah, l'a pas ouais. trop dit, mais ouais. on parlait tout à l'heure de l'horreur japonaise qui se voulait être une influence. Et en fait, on est plutôt dans du sous-torture porn voilà. dégueulasse. Et en fait, je, 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 comment dire, euh, le truc qui se passe avec celui-là, c'est que donc, tu as, as cette scène d'ouverture où tu as un cénobite qui, en fait, tape à la machine. Euh, des... faire de la bureaucratie. Voilà, c'est, il tape à la machine. En fait, si tu veux, une... il a une conversation. En fait, comme s'il était, comme si l'autre, il était en fait dans... chez le médecin ou chez le, chez le, je sais pas, moi, tu vois, je... enfin ou à la mairie pour refaire faire son passeport quoi. Donc le truc si tu veux c'est que tu te retrouves avec cette scène comme ça et tu te dis bon déjà c'est une blague cette scène, c'est littéralement une blague c'est à mon avis c'est une scène qui a été faite pour dire bon le film il fait une h 20 on a besoin d'une scène de 5 minutes, faut qu'on la rajoute. moi comme ça en fait le film il fait 1h20 au lieu d'1h15. Mais ça c'est le premier truc. Ce Cénobit revient plus tard en fait avec 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 Pined. Euh, et en gros, euh, comment dire, euh, Pinette se retrouve dans un espèce de combat avec qui, avec c'est quoi l'archange, je sais plus qui, qui, euh, qui comment dire, qui, qui, vient le voir et qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais, Pinette, tu peux pas embarquer ces gens-là euh, euh, en enfer, moi je les prends au paradis. Et en fait, en gros, il se foutent sur la gueule. Et en fait, Pinette décide de buter l'archange, je sais plus qui, tu vois. Et, et, et là, tu te dis mais c'est quoi ce truc de Turbo Gogol euh, complet là, tu vois que es en train de regarder où en fait on te parle. Alors tout ça, quand on te dit avec des flics qui courent derrière un killer, c'est pas Seven, hein. Alors, faut, faut, justement, faut, faut justement, justement, tu, <laughs> tu, 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 tu... Euh... Ah, oui, parles de son scénario en disant que c'est au carrefour de Seven et The Cell. Eh, enfin, sûr, un carrefour hein. très éloigné, je pense, <laughs> ouais, mais. Ça, Carambolage, <laughs> puis, euh, <tu> <laughs> non, des non, coups. mais voilà. Donc, 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 pour, pour là vraiment, on fait le, on, on fait le tour de de, 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 comment dire, de la fange là, tu vois. Mais le truc, c'est que, ne regardez pas ça, les gars. Bah, je me tourne vers la non, caméra. C'est horrible, Alain, non, non c'est Regardez pas ça, les mecs, c'est pas possible. Là, moi, je me suis tapé ça pour vous. Tu vois, on sait tous tapé ça pour vous. Arrêtez. Non mais Alors, voilà. Arrêtez aux quatre, voilà. Non mais si vous êtes ah. un peu déviant, que vous, vous dites ah, j'ai suivi la carrière de Scott Derrickson à bah, vos risques et périls. Mais là, vraiment... C'est ouais, au... catastrophique. On va parler du dernier, euh, puisque le, le temps remake, presse. Avant ça, on va parler un peu, euh, un peu de, de ton expérience, Alexandre, parce qu'en <laughs> fait, euh, ce reboot-remake qui arrive en, je crois, 2022, c'est quand même une arlésienne. Euh, depuis 2006, en fait, il y a toujours des remakes, des reboots qui sont euh, annoncés. Et, euh, et avec euh, Julien, vous étiez sur un projet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Bah ouais, donc euh, assez rapidement, nous... Euh... C'était après à l'intérieur. Hein. Euh, avec Julien, on a réalisé notre premier film à l'intérieur en 2006. Euh, il a été présenté euh, à la Semaine de la Critique en 2007. Et, euh, mais, ab... mais avant que le film sorte, je crois que les, les Weinstein en fait, euh, ont vendu du film, qu'il existe, bref, et euh, demandent à le voir. Donc, euh, nous on a Harvey qui, euh, qui est entre... Euh, entre... De, il arrive de Los Angeles, il doit aller au festival de Berlin et il nous appelle. Il dit Moi, les gars, je fais un saut à Paris, montrez-moi votre film. Donc, avec les producteurs, on, on organise une petite projo sur une salle près des champs Élysées Le mec arrive avec son assistante qui est française, qui, 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 qui travaille aux États-Unis avec lui, mais donc qui est française. Donc, et il regarde le film elle lui traduit tout à l'oreille pour le. Peu de dialogue qu'on a, bon, c'est pas très dur à comprendre notre premier film, hein. mais quand même, ok, le mec sort, il nous dit, ok, super, euh, on va l'acheter et on va aussi vous proposer un truc, mais c'est mon frère qui vous en parlera, moi je dois me barrer, bref, il nous sert la paluche. D'accord, vraiment, on rencontre trois minutes, quoi. Donc, Harvey. Donc, après, Bob Weinstein, qui en fait, lui, euh, parce qu'il faut savoir qu'Harvey, lui, euh, s'occupe pas de Dimension, s'occupait surtout de Miramax, c'était un peu la, la vitrine nu, enfin, tu vois, les, les Oscars, tout ça. Et tout, tout ce qui était horreur était confié donc à leur euh, branche oh, euh, Dimension et c'était Bob Weinstein qui, euh, qui chapeautait tout ça. Et donc Bob Weinstein rentre en contact avec nous et nous propose donc de, de refaire Hellraiser. Et, euh, et avec Julien, en fait, on avait déjà euh, refusé, on avait déjà eu énormément de propositions de films américains comme c'est le cas à chaque fois. Hein, tu vois, c'est pas parce qu'on est... Tu vois, euh, la dernière fois que je regardais votre émission avec Sébastien Vanitschek. Avec, euh, qui avait parlé de la tournée des bouteilles. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu, tu fais tous les studios, on te donne une bouteille à chaque, à chaque studio, et puis tu reviens, tu as, as un pack. Et les mecs te proposent tout et n'importe quoi. Et on avait tout refusé en bloc, nous, parce qu'avec Julien, on n'était pas du tout dans cette optique de faire un film aux États-Unis. Enfin, en fait, c'était pas du tout le plan ni le fantasme, en fait. On a même refusé, tu vois, DiCaprio qui nous contacte pour faire Esther, Toys c'est leur fan euh, une féministe, le scénario, des démon, on le scénario, effectivement, on le trouve super ouais c'est génial mais, mais c'est pas ce qu'on a envie de faire et tout DiCaprio qui t'a demandé de directement ouais, il t'a appelé ouais. directement non enfin mais il... ah. après par contre on Toute est voir tu te la, pète. Toute la pète. Mmh. ah DiCaprio ouais passe par l'agent ah, tu sais que Michael Bay nous a contacté ouais, je, sais, je sais tu l'as insulté <laughs> je sais ah. que tu... non mais donc, ouais. et elle, les deux connards ils hein, sont blacklistés ouais. <laughs> <laughs> non DiCaprio nous, nous contacte oh, par le biais d'agent quand je dis DiCaprio non il m'appelle pas amante la jolie il me dit rien <rire> <rire> mais par contre après tu vois on est on a quand même rencontré après à Los Angeles son associé qui est son meilleur pote euh, qui nous a quand même accueillis. On lui expliquait pourquoi on voulait pas faire The Your fan etc. Bref, et on avait refusé plein de films en bloc. Mais par contre, quand Weinstein arrive et nous dit les gars, Hellraiser ça vous branche On, se regarde avec Jean, on fait à une seule condition en fait, c'est que Clive Barker soit impliqué et euh, valide. C'est-à-dire que nous, on veut pas aller à l'encontre de Clive Barker. On trouve que c'est nul ce que vous faites depuis, euh, bah, depuis ce qu'on s'est raconté. Et euh, donc, on veut évidemment pas venir pour faire un DTV, hein, on veut pas faire razer, euh, je sais pas quoi, pour euh, 300 000 dollars. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est un film, mais avec, euh, en marchant main dans la main avec Clive Barker. Et le mec nous dit il n'y a pas de problème, évidemment, nous aussi, euh, on rêve de le faire revenir, etc. Donc, il nous demande un pitch qu'on écrit, assez développé, sur euh, 30 pages. C'est quoi ton pitch et bon, On y après si tu veux, mais, mais euh, et surtout, après nous, on voulait ça le faire valider par Clive Barker. Donc on demande à ce que Clive Barker le lise. Clive Barker le lit, voit notre film. Euh, aime beaucoup à l'intérieur. Et surtout, euh, aime beaucoup la direction qu'on souhaite prendre avec Julien. Donc pour la faire courte, très courte. Hein, euh, donc, et donc nous valide entre guillemets l'écriture du scénario. C'est tout ce qu'il nous apportait. on n'avait pas encore rencontré physiquement. Tu vois, là, c'était des échanges de mails, des, des conf-calls. Mais euh, on n'avait pas encore euh, physiquement vu Clive Barker. Et donc on se met à travailler là-dessus. Et, et, euh, alors pour la faire vraiment rapide, hein, l'histoire. Euh, rapide le micro. Donc c'était un reboot, un reboot, mais un à peu, à, tu vois, on avait un peu une sorte, un peu, un peu de liberté. Tu vois, on voulait pas refaire El Riser. Il y avait aucun intérêt de refaire le premier parce que déjà, tu vois, c'est un film comme on le disait tellement intime, tellement personnel qu'on ne pouvait pas s'emparer ça nous, tu vois, deux petits Français. On avait 30 ans à l'époque, tu vois, quand on, on arriverait, et puis on va dire ah, on va faire Hellraiser, Riser, pareil, non. Donc on voulait faire El Riser à notre façon. Et il fallait que ça plaise à Clive. Et heureusement, ça lui plaisait. Et ça commençait, c'était assez ambitieux, en fait. Nous, on voulait vraiment, avec Julien, on s'était dit vraiment, mais putain, cette franchise, elle mérite tellement mieux. On veut la sortir de, de cette ornière du DTV bas de gamme. Et on veut, on veut, en fait, de l'ampleur. On veut, on, est, on, on avait énormément d'ambition pour ce film, qui commençait pendant la seconde guerre mondiale, qui s'ouvrait sur une escouade de, d'Uber nazi, euh, chasseurs d'artefacts. Tu vois, qui parcourait le monde sous les ordres d'Hitler pour chercher des, des artefacts capables d'accélérer la victoire du Reich, et ils cherchaient la boîte. Et euh, on les retrouvait en fait en Inde, là, et euh, où ils retrouvaient la boîte qui était en fait en possession d'une sorte de tribu euh, adepte des plaisirs, etc. Tu vois, charnel mais corporel, extrême, etc. Et qui idolâtrait cette boîte. C'était un peu des nazis ultra lookés, un peu à la Ginro, tu vois, casqués armure etc. Ils massacraient le village au lance-flammes, récupéraient la boîte, la ramenaient à, à, à leur commanditaire nazi. Ça, c'était que la scène d'intro, hein, qui après, lui, allait l'expérimenter sur les euh, prisonniers euh, dans les camps de concentration. Et donc, on avait des scènes où vraiment les, les Allemands filmaient, etc., des vite blindés, et ils envoyaient des, comme ça des mecs. Euh, dans des pièces vides, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire T'as des pauvres R, tu vois, prisonniers, affamés, des ouvre la boîte, ouvre la boîte, c'est tout. Et puis il filmait, et à chaque fois, il trouvait pas le, le, le code, et faisait que, tu vois, il se faisait quand même, tu vois, c'est ce qui arrive dans les risers, mais quand tu trouves pas le code, tu te fais quand même agresser par les chaînes, tu t'es déchiqueté, ça partait en couille à chaque fois. Mais euh, c'était assez convaincant, en tout cas pour le, le, le chef nazi, pour lui en faire une démonstration lors d'une grande soirée donnée après par le Reich à tous des hauts dignitaires nazis dans un château en France, donc la boîte était ramenée en France. Et, euh, et le mec, en fait, euh, lors d'une grande cérémonie, un peu, tu vois, où tous les dignitaires nazis étaient là, un petit peu, tu vois, comme dans le doux salopard, tu vois ce genre d'ambiance, beau château, toute la noblesse allemande, etc., grand banquet, etc. Et le nazi, le chef, euh, arrivait et disait, bah maintenant, regardez, je vais vous montrer un truc incroyable, etc. Et il faisait venir encore des prisonniers. Un, un, un père et sa fille, il fait regarder seul la souffrance pour ouvrir cette boîte. Il abattait la fille, euh, la fille euh, devant son père pour <laughs> que le mec ait assez de, de haine, de tristesse en lui. Bref, pour ouvrir la boîte. Hein, mes souvenirs sont un peu confus, etc. Et le mec trouve la combinaison pour ouvrir la boîte, donc il décuple la, la, la puissance de la boîte au moment où en fait les alliés arrivaient et bombardaient le château. Okay. Et ça, ah, c'est le... la scène d'ouverture. Ça, ah, c'est la scène d'ouverture. Ça finissait sous les chapelets de bombes qui rasaient tout. Et la boîte était et disparaissait, tu vois, dans les ruines du château. Cut. Et après, donc, on reprenait à notre époque. Euh, où là, on voulait, avec Julien, on reprenait plus ou moins l'histoire d'Hellraiser. Qu'on allait rattacher, évidemment, après, avec ce prologue. Mais, mais en faisant, tu vois, du, euh, en raccourcissant certaines choses ou en en compilant d'autres. Par exemple, nous, nous notre héroïne, on était très clair avec Bob Wanchy. On a fait, nous, l'héroïne, pour nous, c'est Julia. Tu vois, c'est. Donc, c'est elle, pour nous, le personnage principal qui va être amené à être confronté à Pinette. C'est pas Christy pour nous, qui, on ne voulait pas faire un truc avec une ado, nous, on voulait faire ça avec une femme mature, tu vois, d'un âge euh, affirmé. Et, euh, et en fait, Julia était la, en fait, la mère de Christy chez nous. Et Christy est une enfant, une jeune ado euh, dépressive, totalement dépressive, qui un jour. Euh, se suicide en se jetant sous, euh, sous les rails de, du métro. Sauf qu'elle survit à son suicide. Elle est ultra mutilée, elle est difforme, tu vois, mais elle est toujours vivante. Et donc elle est gardée en vie euh, dans une chambre euh, aménagée dans un hôpital parce que Julia est pétée de thunes dans, dans ce qu'on avait réécrit, tu vois. Elle et son mari euh, était dans le milieu du, des marchands d'art, donc tu vois, on voulait un milieu très bourgeois. Et elle donc maintenait en vie sa fille qui était tout pour elle et rentrer en possession de la boîte, et donc euh, la manipuler, et au lieu de faire apparaître Pinhead, faisait, enfin, faisait apparaître Pinhead, mais sous la forme, en fait, nous, on avait compilé euh, le personnage de Franck et de Pinhead en un seul personnage. C'est-à-dire qu'elle elle invoquait Pinhead sans le savoir, mais Pinhead était, euh, comme Franck l'est au début de la réaliser, totalement affaibli inerte, tu vois, euh, complètement famélique, avide de... Et, voilà. et donc, il fallait, pour elle reconstituer pinette qui lui promettait en échange aide-moi à retrouver mes forces et moi je vais sortir la fille de ta fille de ton enfer parce que il, il lui il faisait croire qu'il était été en contact direct avec sa fille qui était dans une sorte de coma profond il dit moi je, je lui parle à ta fille etc et je pourrais la, la réveiller donc euh, et c'était le pacte faustien entre elle et Pinhead. et donc on retombait après sur Julia qui, qui allait draguer plein de mecs etc pour après le l'alimenter en sang et donc euh, elle redonnait vie à, à Pinette qui en fait était alors moi voilà, j'ai fait des, des raccourcis ultra vénères hein. en fait c'était le, euh, le nazi en chef Pinette tu et vois bon de, euh, du prologue qui avait été lui cénobité entre guillemets par la boîte et qui était devenu donc Pinette et euh, après évidemment c'était un faux marché de enfin un marché de dupes parce que Julia se fait avoir par Pinette qui n'a absolument aucune envie de ressusciter sa fille mais c'était juste tu vois pour reprendre le contrôle et après, déclencher le Léviathan dans l'hôpital, et que ça se terminait, tu vois, sur vraiment le sacre de Pined euh, en pape des enfers, tu vois, dans des, euh, dans des visions, nous, qu'on se référait à David, tu vois, le sacre de Napoléon, on voulait vraiment faire quelque chose d'ambitieux. Mais tout ça avec l'aval de Clive Barker, c'est-à-dire qu'on a toujours dit à Clive, on veut faire ça, 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 ça. Qu'est-ce qui s'est passé du coup Mais Clive adorait, il disait, c'est mortel, moi j'adore, etc. Il avait juste, lui, une seule volonté. Il disait, moi les gars, je veux juste un truc. Que j'ai jamais réussi à faire dans Hellraiser et je rêve de le faire, c'est déjà euh, de, faire, de, de changer le look de Pined, qui soit plus noir, en noir, mais en blanc, intégralement en blanc. Parce qu'il sait, en fait, il, 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 je pense qu'il aurait fait un autre Hellraiser, il aurait fait ça. Et je veux une scène, c'est du détail, hein, mais il me dit ah, Faites-moi une scène où à un moment il est aspergé de sang, donc tout en blanc, papal, et tout d'un coup il se retrouve aspergé de sang, et qu'il arrive à, à. Il se concentre, je sais pas, bon, bref, et en fait, il fait évaporer le sang de sa tenue, pff, tu vois, qui se dégage et avec, en remontant avec des bulles, etc. Et toi, il avait C'était un petit détail, tu vois, mais il à cette ouais. scène. Ouais. Donc je fais, bah, bien sûr, etc. On va t'écrire ça. Et donc, euh, on écrit ça. On part à New York, euh, parce que les Weinsteins ne sont pas à Los Angeles. Ils sont à New York, York. ouais. Donc c'est ce qui fait toute la différence, mine de rien. Parce que généralement, toute, toute la production euh, américaine, c'est Côte-Ouest, hein, tu vois. Donc. Euh, on se retrouve à New York, on y va un peu, euh, franchement, en fouettant un peu, on a eu un peu peur parce qu'on connaît un peu euh, la réputation des trucs, puis des mecs. Puis là, on va vraiment rencontrer Bob, qu'on a eu plein de fois au téléphone, mais on ne le connaissait pas. Et on y va avec notre agent français, qui est là depuis décédé, bref. Et euh, on arrive chez, chez euh, Miramax, on croise déjà dans l'ascenseur, qui nous fait. Eh, ça va, ouais, ça va. Et les mecs nous, nous font entrer, nous foutent euh, dans une salle euh, de réunion lambda, tu vois. Et ils font Ah, bah attendez, là, Bob, il va arriver qu'on attend, on n'emmène pas l'argent, hein, tu vois, vraiment, tu sais, on... on débutait quoi, donc on n'avait pas encore l'habitude de faire des rendez-vous un peu avec des, des pontes comme ça, et il y a un prod exec qui arrive, un jeune mec et tout, hey, Golden ça va Ouais, ça va, ça va Et dis donc, j'ai vu votre scénar, euh, avec le sourire, le mec nous dit, eh, Bob, il va détester l'intro, je vous le dis, hein. les camps de concentration, tout ça, mais les gars, vous allez, non, il va détester, hein. il nous dit ça, fait, oh, putain, avec Julien, on se liquéfie, quoi. On va se faire défoncer, quoi. Tu vois, c'est comme si, tu vois, il, il le savait pourtant, Bob, hein, qu'on avait cette direction-là, mais maintenant il y avait un scénar. Donc il a dit, non, non, il va détester, je vous le dis. Et Bob arrive, ouvre la porte, fait Hé hey! Bob, c'est Joe petit dans l'Arme Fatale, hein. mais pour de vrai, ou dans les affranchis, c'est <laughs> un petit bonhomme tout gros, euh, ultra grande gueule, peut-être encore plus grande gueule que son frère qui est quand même plus médiatisé que lui. Il est moins connu, quand même, Bob Weinstein. Et le mec nous est direct, je te jure, le mec nous fait Ah les gars, j'ai eu le scénar, la scène d'intro, elle est géniale. On se regarde avec Julien, on tourne lentement nos têtes comme des robots <laughs> vers le mec qui nous a dit 3 minutes avant, il va détester. Et le mec nous fait Tout ça me va. Il fait le retournement de veste, le gars, mais <laughs> et tout le monde s'est dit Bon, ok. Et là, on se retrouve à faire, je vais, je vais faire vite, hein, Mari, mais euh, une conf call avec Barker, on dit maintenant bon, on va appeler Clive, etc. On appelle Clive Barker qu'on met sur haut-parleur et on commence à discuter du projet. Et au bout d'un moment, on voit Bob -bo Wenting bon Clive parlait, et pff, il le met sur mute. Bon, on regarde, on fait bah, Qu'est-ce que tu fais On l'écoutait hein. là, il fait ah, on s'en fout, c'est un vieux vieil auteur fatigué, on a besoin que de son nom sur l'affiche Et il commence à baver dégueulasse sur Clive Barker. Et là, vraiment, c'est là où avec Julien, pour nous, c'était consommé en fait. Des on s'est dit, bon, on n'a rien dit sur le moment. Mais vraiment tu vois on s'est dit bon bah c'est vraiment c'est pas usurpé ta réputation t'es vraiment un connard en fait Et on part à Los Angeles Où on fait le tour des popotes pour aller voir plein de prods mais pour refuser tout en fait parce qu'on est des, des, des déjà acquis à Riser hein, Tu vois on refuse même des remakes de films français comme Maléfique, euh, Hill, enfin, tu vois, des, même le remake de l'intérieur donc on refuse euh, The Orphan euh, Plein d'autres conneries mais nous, on voulait que voir Clive Barker. En fait, on était uniquement au San Diego pour ça. On se foutait complètement en fait, d'aller voir les mecs. Et on va enfin voir Clive Barker. Qu'il faut savoir, en fait, nous reçoit donc chez lui, mais euh, sur les collines de LA. Et euh, mais en fait, il a plusieurs maisons. Il n'a pas qu'une maison. Mais euh, les unes à côté des autres. Elles sont toutes à lui. Et donc, il nous, or, il nous reçoit dans une de ses maisons. C'est Anthony Di qui, euh, qui est son meilleur pote, qui est devenu réalisateur depuis un hein, café Dread, un hein, super film d'horreur si vous ne l'avez pas vu, qui est, qui est son secrétaire particulier en fait. Je pense que c'est son, sûrement son petit copain à l'époque, mais, mais qui nous reçoit. Et après, donc là, il arrive. Et avec Julien, on est comme des mômes, tu vois, on est là. Ah, et en fait, on comprend qu'il nous reçoit en fait dans son atelier. C'est cette maison, pas, il n'a pas un, une pièce à atelier, non, c'est une maison atelier où il y a toutes ces créatures, il y avait toutes les sculptures de Nightbreed. Il y avait 400 peintures partout. Et donc, on se met à une grande table. Et le mec nous dit Moi, j'adore ce que vous avez écrit. Euh, j'adore votre premier film. Et je vous soutiendrai. Et nous, on lui dit bah, Écoute, nous, Clyde, nous, c'est pareil. Nous, si on n'a si si pas ta bénédiction, on se barre. On s'en fout, en fait. Si, si, ça nous a, ça, on s'en fout de faire un film avec les Weinstein. Ce qu'on va faire, c'est faire un film avec toi. Et euh, que tu en sois fier. Et euh, que ça rende justice tu vois, au, à ton travail. Même si c'était pas du tout la même direction, mais on lui a dit nous, on était clair, on était, parce qu'il était il nous a mis très à l'aise. Soit ça rejoint ce que je te disais, ou c'est un mec peut-être qui nous a mis à l'aise tout de suite, donc tu quand même devant Clive Barker. Et nous on lui a dit écoute Clive, tu sais, nous on n'est on pas branché SM, on est straight, tu vois. Donc on ne peut pas euh, tu vois, avoir la prétention de, de parler de ces sujets là parce qu'on les connaît pas. Tu vois, alors que lui c'est sa, sa vie. Et il le comprend parfaitement. Il nous dit, mais ouais, vous avez raison, et c'est tout à votre honneur, etc. Mais c'est pour ça que j'aime aussi ce que vous me proposez comme, comme pitch, parce que c'est... Et ça, ça, ça rend quand même justice à ce que j'ai écrit, mais c'est pas non plus un copier-coller de ce que j'ai fait. Ça l'intéressait pas, lui. Et donc, euh, voilà. Et donc, tu vois, après, on a noué une, une vraie relation, tu vois, épistolaire. On est parti évidemment, mais après, sur le, sur le moment, il nous fait visiter euh, tous ces tableaux, etc. Il nous montre plein de, de visions de Pinette qu'il n'a lui-même pas énormément de tableaux de pinhead. Il, ah, il, il me dit, c'est pour vous inspirer, regardez ce que j'ai fait, etc. Il nous montre des trucs incroyables. Il nous montre après des tableaux où tu as une énorme verge avec un clou enfoncé dans le gland. Et il vient, et vraiment, je me sens qu'avec on se regarde, on reste comme ça scotché devant le tableau de cette verge gigantesque avec un clou. Et il nous fait, vous devriez essayer, c'est super beau. Bon. <laughs> <laughs> <Rob -off. rire> non Clive je te jure on est vraiment pas branché SM hein. <laughs> oh, bah, c'est pas grave les gars et tout mais, mais adorable tu vois en fait ultra euh, tu vois vraiment pas du tout star tu vois etc et après on a continué à lui parler euh, régulièrement quoi régulièrement, ouais. jusqu'à ce que euh, Bob un jour nous dise mais les gars euh, ouais votre scène d'intro effectivement elle est géniale mais c'est le, le prix du film quoi et à fond, je dis, Pourquoi tu veux mettre combien bon, On comprend que ne veux pas mettre grand chose en fait. Nous nous avons promis 15 millions de dollars. Ce qui est pas non plus incroyable, mais 15 millions de dollars, c'est à peu près le budget euh, de la colline des yeux, par exemple. Donc tu peux quand même bosser avec 15 millions de dollars. Et mais, euh, et donc c'était assez ambitieux. Là, on, se, on voit que le mec commence à dire, bah non, finalement, euh, ça sera moins, etc. Il fait Ah bon OK. Et puis après, jusqu'au moment où il dit, bah finalement, non, le scénario, ça va pas. Même si Clive... Bah, mais Clive il kiffe. Il fait hein, on s'en fout il, il Tellement rien à foutre, irrespectueux possible, et il nous fout dans les pattes, parce que ça cartonne à l'époque les, euh, les scénaristes de saut so, Dunstan et Melton, hein, de saut so, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on comprend, en fait, quand il nous met face à ces mecs-là, qui veut faire saut so, en fait. s'il a vu des chaînes, le torture prendre sa cartonne à l'époque, les sauts so, donc il nous dit Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est saut so, c'est saut so. tu vois. Je dis, ah. bon, on veut déjà se barrer, en fait, avec Julien. On nous appelle Clive, on lui explique, il fait Oh là là, non, mais barrez-vous. Et donc, par politesse, on bosse un peu avec Dunstan et Melton. On s'est dit on n'est pas à l'abri d'un miracle. Les mecs nous sortent trois pitchs deux pitchs, mais euh, naze. Dont un euh, c'est euh, Pined qui tue tout le monde dans un, un immeuble avec des Yuppies le soir qui font la teuf, pour trouver la boîte et qui se bourre la gueule, qui et qui meurent tous. Un autre qui se passe à Pompéi. Tu veux. <laughs> Pourquoi <laughs> Si tu veux. Tu vois, avec des conneries comme ça. Et donc on, on pète le deal. Tu vois, on avait signé. Hein. En plus on avait signé pour deux films. Nous, on dit à notre agent, non, on se bat, on s'en fout. Ça nous intéresse pas, c'est de la merde. Ils ne respectent pas le, ce qu'on ce que, ce qu avait dit à la base. Et Barker nous dit, les gars, c'est naze. Donc, euh, on s'enfuit. Et euh, en se disant, plus jamais les Weinstein. Sauf qu'après, on s'est fait avoir parce qu'ils nous rappellent pour Halloween 2. Et là, on a fait, ah ouais, ouais, on revient. <rire> <rire> Mais entre-temps, Bob, euh, à Cannes, en Cannes 2008, euh, Ouais, Can 2008, nous euh, nous, nous, nous invite euh, dans leur bureau Canois. Il était pas fâché hein, contre nous en mineur, parce qu'il hein, nous aimait bien. Bob, mais on le faisait marrer, je crois. Donc, il nous aimait bien. Il n'était pas si fâché que ça qu'on se barre. Il comprenait. Et euh, bref, et c'est là où on lui dit euh, Mais mec, euh, parce qu'il nous dit Ouais, les gars, euh, oh, vous êtes chiant avec ma Hellraiser euh, de s'être barrer comme ça et tout. Hein. Parce qu'on était déjà un peu sur Halloween 2, donc ça va, mais. Et on lui fait, il me, dit, il me dit, ouais, mais je cherche toujours un réal, euh, vous n'avez pas d'idée et tout. Et là, on venait de voir Martyr, en fait. Et on lui fait, bah si, je pense que là, tu tiens un réal. Parce que là, on vient de voir un film, mec, on n'a jamais vu ça. On s'est pris une déculottée, mais monstrueuse, avec euh, le second film donc, de Pascal Logier. Et euh, je pense que c'est le mec de la situation. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont contacté, évidemment, Pascal. Et ça, elle l'a pas fait non plus, parce que Pascal est encore plus intransigeant que nous. Et encore plus passionné par Clive Barker que Julien et moi réunis. Encore plus respectueux du matériau d'origine que nous. Et euh, il a écrit un truc hein, qui, à mon avis, devait être incroyable. Et pareil, dit Mais c'est trop hardcore, c'est trop, c'est trop. Et, et, et Logier s'est barré, effectivement, après, euh, assez rapidement. On aura... Pascal le racontera mieux que moi, cette histoire. Hein. j'ai pas tous les détails, évidemment, mais en tout cas, tu vois, c'est juste une fois de plus les one shin qui ont foutu la merde, quoi. Ouais, on, alors on va conclure parce qu'on n'a vraiment plus le temps. Mais euh, non non non, c'était c'était hyper intéressant de, pour le coup. Enfin, c'est peut-être plus intéressant que les films qui ont existé en fait, ouais, ceux ouais, qui n'ont pas existé clair. quoi. Euh, donc après il y a eu bah, pareil c'était Patrick Lucier qui était aussi euh, a attaché Lussier, au il projet tu sais, Lucier c'est leur euh, monteur Clive hein. Barker tous les ans tous les deux ans qui annonçait que ça avançait que ça reculait que ça s'arrêtait au final le film a existé en 2022 réalisé par David Bruckner que moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup son... la proie du nombre de euh, ah. Night House euh, en anglais ah. que je trouve incroyable The Ritual j'avais trouvé ça sympa sans ah, plus c'est mortel The Ritual mais vraiment moi le, le, The Night House j'ai trouvé ça incroyable euh, on va en dire vraiment en deux mots Tran euh, ça... rendez-vous manqué. Ouais, moi c'est un film que je trouve bien, toi beau. Euh, non, non, je le trouve beau esthétiquement. Ouais. Je trouve que les Cénobites sont très beaux mais très propres et que c'est un film qui retombe un peu dans les... au final dans les travers de ce qu'on disait, euh, ce, ce, ce qu'on a pu lire sur les précédents des films un peu dans le truc de leur époque. Où là, c'est un film avec une esthétique assez léchée, mais au final qui raconte pas, ouais, pas bon, grand-chose. Déjà... En vrai, c'est fi... un film. Oui, oui, oui. -à bah, à... -à en fait, le truc c'est, là, moi, je l'ai revu. Je l'avais vu ouais. à l'époque euh, parce qu'il n'est pas, pas sorti en salle, donc entre temps tout le monde l'avait piraté le temps qu'il trouve un distributeur aux États-Unis est sorti sur Hulu et en France il a mis plus d'un an à arriver, donc tout le monde avait un peu téléchargé illégalement. Moi je l'ai vu à l'époque en le trouvant sans plus, mais là le voir après ce torrent de caca, c'était quand même pas mal. Ouais, mais un cran au-dessus quand même. Voilà. Mais, euh, mais, mais on a vraiment pas le temps d'en parler non, plus en fait, parce qu'il faut vraiment, vraiment ouais. qu'il qu parte non mais attendez non mais je veux pas, pas que tu rates ton train pour euh... la honte non, mais parce qu'en fait c'est qu après une... j'en ai plus en plus, non, plus. Bon <laughs> chain, bonne bonne je peux pas te parler je, vais, je, vais, je suis à mon à la jolie je vais rater mon train laisse-moi ça te... non non mais le truc c'est comme c'est comme ça que tu t'es barré en fait du... non mais je peux pas venir là. Non, non en fait le... rapidement en fait le truc c'est que moi je trouve que le problème de ce film là c'est que comment dire c'est un film qui est très plot -dire, on met en place les règles on met en place le personnage de méchant qui va Ça créer voilà et en fait tous ces Ça. trucs là en fait ils prennent en place plus le, tout le récit plutôt qu'en fait de vraiment je trouve développer euh, des personnages dans lesquels en fait on se retrouve quand même avec pas mal d'ados euh, tu vois euh, alors certes tu vois euh, comment dire euh, euh, c'est plus inclusif dans la logique des choses euh, parce que effectivement on est en, ça, ça a été fait en 2022 il y a moi je trouve une, une bonne idée qui est en fait euh, le, le fait de donner le rôle à Jimmy Clayton qui est, qui est comment dire une femme trans et qui euh, comment Mais dire il, a il a en fait des... rien il en fait rien, mais par contre, je trouve que visuellement, enfin, je veux dire, on a parlé de, du gros Dédé qui a repris le rôle oui, et, oui, et de <laughs> l'autre là, du musculeux là, et là, en fait, si tu veux, de, là, c'est quand même un peu plus fascinant à regarder. Il y a quelque chose, euh, voilà, là-dedans. Après, moi, je pense que le problème du film, c'est qu'on reste encore dans des caves, on reste encore dans des trucs, et même si ça essaye de donner un peu d'ampleur, on mais, va dire, et, et avec y a des le... gros problèmes de production design aussi, avec ouais. le mec, avec sa son horloge dans le <laughs> dans le ventre ouais, là. Ouais, ouais, moi, je suis fasciné mais... par le fait que sa veste et sa chemise sont découpées autour ouais, de ça va être une galère mais après, voilà il y, y a ce truc il ce truc qui est... voilà après le problème le problème du film c'est que ça dure deux heures que en fait on est que dans le plot ça raconte euh, pas grand chose ça raconte heures. pas grand chose c'est vraiment de la mise en place de règles avec tout un tas de choses qui ont été piquées à droite à gauche dans les autres Razer, on va dire euh, le coup de en fait de négocier des âmes pour pouvoir sortir de, de comment dire de l'emprise de Pinhead et tout ça bon c'est vrai que voilà c'est presque un coup pour rien ce qui est très étonnant en fait c'est de se dire qu'il y a quand même de la production de value et que ça sort que en fait en streaming il y a zéro promo, enfin moi je veux dire aux états unis on n'y a quasiment pas eu, et, en, et enfin moi je me rappelle d'avoir vu deux interviews, quoi. Et des euh, interviews où il disait rien pour le ouais, coup voilà. c'était pas intéressant voilà et, et en France c'est sorti en catimini sur Paramount Plus et voilà ouais, mais, euh, ouais. mais ah, surtout longtemps après qu'il était dispo illégalement ouais. et que les gens vraiment intéressés je pense l'ont voilà, tous vu ça. comme ça euh, à l'époque quoi. donc on n'a pas le temps d'en parler plus mais c'est pas grave on a eu quand même le plus intéressant qui était un peu euh, bah, t'as ah, hein. vu de l'intérieur non non mais c'est juste qu'on a passé beaucoup de temps à parler des premiers et, et, et c'était très très intéressant de t'écouter euh, on n'a pas le temps de faire notre petit top parce que c'est pas très intéressant euh, Juste une petite question d'actu. Bon, Stéphane, on te retrouve où Dans le MOOC qui sort le 3 avril. Voilà. Et, euh, et Alexandre, euh, le Mangeur d'âme bientôt en salle le 24 avril, c'est ça Voilà. Je tu reviendrai, peux... j'espère, en tu parler, à... parler à... avec euh, mon ça. homeboy. Avec voilà. plaisir. On hein voir si voilà. <laughs> qu Est-ce que je t'ai envoyé comme texto euh, ouais, pas, <laughs> pas C'est un compliment venant de Stéphane. Non mais les gens qui les gens qui, qui, qui écoutaient les précédents salles, savent parce que le 3... ça va être le troisième round. C'est à dire qu'on a parlé de the Deep House avec toi et Julien. Euh, Char, euh, on a parlé de Kandisha ensuite et maintenant en fait c'est le troisième round on va parler de voilà. Vous êtes comme tu, Quentin Dupieux en fait vous arrêtez pas d'enchaîner les films là. Enfin, Un peu moins quand même. <laughs> un peu moins. Voilà. Monster Squad. En tout cas, merci beaucoup euh, Alexandre, merci à Stéphane, merci d'être venu pour cette émission. C'est un plaisir de parler de tout ça avec vous et euh, j'espère qu'on te recroisera pour le mangeur d'âme qui sort bientôt. Euh, ouais. Avec plaisir. Et merci aux auditeurs euh, et aux tipeurs. Et euh, n'oubliez pas voilà le MOOC Capture Mag le 3 avril euh, dans, les euh, dans les bonnes librairies. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Monster Squad. Salut